radio libre. 21h minuit sur Skyrock. On est là et c'est parti jusqu'à minuit. Bah bon week-end, on peut le dire. Ça y est, on est vendredi soir. Le week-end a démarré. On est content de vous retrouver. Merci d'être là avec nous comme tous les soirs. Bonjour à toute l'équipe qui est là. Salut. Bonsoir. Romano, Marie, Cédric. Bonsoir Karim. Salut Guigui. Salut tout le monde. Bon, et puis bienvenue à vous. Et bienvenue à Pamela qui viendra nous rendre visite tout à l'heure pour nos pervers. Bonsoir. Et oui, les pervers du vendredi soir. Des pervers, vous allez voir, on va en avoir beaucoup. Il n'y a pas que Pamela qui a des pervers au téléphone. Restez bien sur Skyrock parce qu'on en reparlera d'ici minuit. Bon, c'est les vacances, c'est bien. Mais ça va nous permettre de faire un petit point sur le Bahut, nous rappeler de bons souvenirs. Ah oui. Pour ceux qui n'y sont plus, ceux qui vont quitter le Bahut cette année, bon, puis ceux qui vont y retourner ou celles qui vont y retourner à partir du mois de septembre. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire au Bahut qui peuvent être rigolos, mais qui peuvent aussi amener des problèmes. On en reparlera, on en reparlera tout à l'heure sur Skyrock, restez bien là. On parlera de fantasmes et je te l'annonce, Cédric, je pense que tu vas être heureux. Ah, un fantasme qui risque de t'exciter avant minuit. Ah ouais? Commencez à réfléchir. Un truc qui peut exciter Cédric. Avant minuit, on en reparlera. Eh bien, on en reparlera ce soir. Ce soir sur Sky, restez bien là. Allez, vas-y. Bon, les doubles appels à retrouver, évidemment. Et puis, le clash de la drague. Le dernier de la semaine qui va repartir avec le titre du meilleur clasheur. Ils s'opposeront l'un à l'autre. Ils appelleront des familles. Ils devront les draguer. Cédric ou Romano. Ouais. Parmi ces deux noms, vous avez le séducteur du week-end. Bah, je suis là, moi. Ben, j'espère bien. Romano, tu es là bien aussi. Gagner aussi. Bah, moi, je suis là, ouais. Voilà. Ouais. Bon, ouais, ben, je vois que tout le monde est prêt. Tout va bien se passer. On va pouvoir attaquer. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Mais pas. J'espère bien. Mais c'est vendredi, vous le savez, hein. Vendredi apéro, tout ça, c'est. Ouais, c'est cool. Allez, pour démarrer avec nous, pour démarrer cette soirée, c'est Gaëlle qu'on va retrouver avec nous à Paris. Gaëlle qui doit être dans le coin. Salut Gaëlle. Salut l'équipe. Salut à toi, bienvenue. Salut Gaëlle. Salut Romano. Salut Marie. Salut tout le monde. Salut. On va parler de. Ce dont pourquoi tu nous as passé un coup de fil, Gaëlle. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Eh ben, je voulais savoir s'il y avait eu déjà des nanas, mais j'imagine que oui, qui avaient reçu des appels un peu tendancieux de mecs qui faisaient plaisir, tu vois. Du style. Tu décroches ton téléphone, tu reconnais pas le numéro, puis t'entends « Oh ouais, oh ça fait du bien, oh ouais ». Et t'es là, tu te dis « Ok, le mec se branle et il m'appelle, très bien ». Eh bien, écoute, est-ce qu'on a le numéro du pervers de Pamela de vendredi dernier? Ah, c'est pas tout. Pas tout, ouais. Alors lui, c'est vrai que lui, c'est un champion, on a découvert un gars, ça va te faire plaisir, Gaël, tu vas te rendre compte que tu n'es pas tout seul, car Pamela elle-même est harcelée par des hommes. C'est vrai, ouais. Mais elle adore ça. Oui, enfin, nous, c'est nous. Ah, c'est plutôt nous qui appelons les mecs pour faire plaisir à Pamela. Non, mais c'est vrai qu'on a eu vendredi un mec. Mais tu l'as. Toi, t'étais jamais allé sur des réseaux? T'as jamais laissé ton numéro à des gens un peu chelous? Non, jamais. Mais c'est pas genre quelqu'un qui t'en veut et qui balance ton numéro sur des sites? Ah non, pas du tout, parce que la fin de l'histoire est assez drôle. Vas-y, raconte-nous. Donc en fait, c'est bientôt l'anniversaire de mon chéri, je projette de lui offrir un saut en parapente, et puis donc j'appelle le mec qui s'en occupe. T'as envie de le tuer? Voilà, c'est ça. J'ai bien fait un saut en parachute il y a 3 ans, ouais, ça va fonctionner. Ah merde, ça n'a pas fonctionné, là, je sais le parapente. Après, t'as le saut à l'élastique qui te restera. Ça, le parapente, c'est horrible. Moi, j'ai déjà fait un saut à l'élastique d'une... Ouais, c'est sympa. Sans élastique, c'est sympa. Moi, je... Le parapente, ça fait trop flipper. Écoute, non, Romain, j'en ai fait régulièrement, ça va. Ah, je pense que le parapente, c'est pire que le saut à l'élastique. Ah ouais? Écoute, j'ai fait les deux. Parachute, toi, mais parapente. Ah, mais moi, là, j'étais à Chamonix, qui est un spot pour le parapente. Ah ouais, là-bas, ouais. Tu vois les mecs, les trucs qu'ils font, mais moi, il me fait ça, le mec, je lui dis, ah, tu me poses tout de suite. Tu m'as vu, je t'ai fait coucou. J'étais là, je t'ai fait coucou. C'est les mecs, ça fait trop gerber, c'est ça le problème. Ouais. Ils font des figures, tu sais, genre, t'as l'impression que le truc, il part en torche et tout, il se rattrape au dernier moment. Mec, c'est des barres, tout ça à flanc de montagne, tu te dis, le mec, il se mange du rocher. Bah oui. Bah là, c'est ça, ça va être à flanc de falaise, tu vois, c'est ça. Ok. Ça va être pas mal. Bon, donc, tout ça pour dire que j'appelle le mec, il est sur répondre. Sur son répondeur, c'est noté. Enfin, il est dit, ne me laissez pas de message. Ah, le métro. Ah, voilà, bah, le métro, voilà. Voilà. Et donc, il me dit, ne laissez pas de message, rappelez-moi plus tard. Je fais ma vie, j'oublie de le rappeler. Bon, très bien. Et donc, je reçois un appel dans l'après-midi. Et donc, c'est ce fameux appel, genre, ah oh oui, oh, c'est trop bon, oh, machin, mais vraiment. C'est le mec du parapente qui se branle, non? Bah oui, c'est ça, c'est lui, gros. Ah putain, attends, mais là c'est le métro de l'enfer là.
Ah, t'es dans le métro maintenant. Dans le métro maintenant. Ouais. C'est bien, non, mais bon, c'est bien, on vous suit. Vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, on vous accompagne à la maison là. Ah, j'espère que tu prends pas la ligne 9, hein, j'étais bloqué. Ah, t'as une petite galère de ligne 9. Ah, ouais, je te conseille pas ça. Je l'ai prise tout à l'heure, mais je suis arrivée avant, donc ça va, j'ai de la chance. Et du coup, je ne laisse pas de message, je fais ma petite journée, et puis dans l'après-midi, ce numéro me rappelle, et je tilte pas le numéro, et donc là, j'entends, oh oui, oh bah ça, je me dis putain. Vas-y, continue un peu, Gaël. C'est pas rendu bien compte de ce qu'il faisait, le mec. Quoi qu'il a pas fait exprès, ouais. Je me disais, voilà, le mec se fait plaisir. Je dis, non, bah attends. Et du coup, je monte sur mes grands chevaux direct. Je dis, putain, mais mec, t'es sérieux? Tu m'appelles, tu te branles. T'as même pas mis ton numéro en masqué. Je vais chez les flics, je porte plainte, machin. Et j'enchaîne. Jusqu'au moment où le mec me dit, mais non, pas du tout, mais attendez, madame, je vous explique. Je suis en train de courir, c'est ça, non? Ouais. C'est ça, le mec est en train de courir avec sa bite dans la main, en train de dire, oh oui, je cours. Moi, je suis en train de me branler sur mon parapente. Non, mais il me fait penser au pervers, je te parlais des pervers il y a un instant, Gaël, mais il me fait penser à lui, là. Sans lui, je suis en train de me branler, mais c'était un peu ça. Et du coup, je l'enchaîne, je continue, je dis putain, c'est de pervers, mais c'est pas bien. Mais non, mais madame, vous m'avez appelé, mon téléphone a rappelé tout ça. Je dis non, mais mon gars, j'appelle pas de pervers, donc non, c'est toi, tu te branles, t'appelles les gens, assume. Et mais c'est le mec du parapente ou pas? Moi, je comprends oui, rien. Bah coup, oui, attends, oui, Romano, je pense que t'as raison, c'est le mec du parapente. Mais voilà, et du coup, je dis mais non, mais en fait. Non, mais il a peut-être pas fait gaffe, il était peut-être en train de ken. Attends, écoute. Je dis, il me dit, mais non, mais vous m'avez certainement appelé, je suis moniteur de parapente. En fait, vous savez quoi, j'ai eu une envie de faire caca toute l'après-midi, et là, je suis aux toilettes, je suis en train de faire caca, et puis, mon oreillette bouge automatiquement. Et le mec, il jouit du cul quand il fait caca. Oh oui, je suis en train de faire caca. Oh. Mais tu sais que ça m'est arrivé ça une fois de tomber sur un mec comme ça. Je vais au chiottes, je suis à l'aéroport, je vais au chiottes et j'entends oh. Mais comme ça là. Oh. Ah ouais, mais mec, je croyais il jouissait, tu sais. Donc je me suis baissé pour voir. Voilà, si coucou. Coucou, Karim. Voilà, je suis allé à l'aéroport juste pour chier. Parce que le caca, c'est le mec qui était en train de chier, gros. Ah ouais. Ah, il était en train de jouir, frère. Mais comme ça. Oui. Non, mais c'était ça, gros, c'était Non, mais une fois, ça m'est arrivé de m'arrêter à l'aéroport juste pour chier. Donc, une fois, c'est arrivé d'aller à l'aéroport pour chier. Mais tu sais qu'il y a des toilettes ailleurs. Non, mais j'étais sur l'autoroute en fait et j'avais envie de chier. Je passais à côté de l'aéroport et je me suis dit, j'ai m'arrêté sur une piste. Et le seul endroit où je pouvais aller chier, c'était à l'aéroport. Je me suis arrêté au dépose minute, je suis parti en cavalant dans l'aéroport. Je suis allé chier dans la tour de contrôle. Après, ils ont évacué l'aéroport, tous les vols ont été retardés. Ça a été l'horreur. Alors, t'as la merde. Et oui. Tu es sûr que tu veux pas changer de moniteur de parapente? Mais non, parce que du coup j'ai eu une copine qui est dans le coin et qui me dit qu'il est top. Enfin, après ça peut arriver à tout le monde, tu vois, t'as hyper envie de chier toute la journée, t'arrives autant à être hors. Non mais c'est chelou quand même que le mec il dise ça. Non mais parfois regarde, moi il y a. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que le mec c'est un numéro professionnel, je sais pas, t'appelles un docteur et le mec chelou, dit j'ai chié ma race cet après-midi. Ouais, c'est quand même spécial. Non mais il y a Benjamin qui dit parfois quand tu vas chier, ça te fait trop du bien. C'est comme un orgasme. Obligé de le dire. Oui, mais de là à le dire à des clients, bon. Non mais je pense que le mec en fait il était pas en train de chier, t'es en train de se branler, l'a kiffé, tapé sans faire exprès. Ouais, c'est et ça. Le mec il a trouvé une excuse, tu vois. Bah pourquoi il dit chier, pourquoi il dit pas j'étais en train de faire du sport chier, ou... Parce que chier c'est moi. Bah parce que le mec c'est la classe. Ouais, bizarre lui. Non, peut-être que ça s'est dit je suis enfermé, ça résonne, autant dire que je suis en train de chier. Mais suspect. Je sais pas si vous avez raconté une fois, je croise un joueur de foot vraiment connu mais je dirais pas le nom. Ah, je sais c'est qui. Ah, je t'avais raconté. Et c'est un ancien international français tout, tu vois. Le mec, je le croise et j'étais avec deux carrières. Jérôme Roten. Non, c'est pas lui. Non, mieux que Jérôme Roten. Non mais je t'avais dit le nom une fois. Ah mais je préfère pas le redire. Ouais, j'avais dit son nom, t'es sûr? Non, oui, l'antenne. Ah non, tu l'avais dit à l'antenne. Bon, c'était Franck Ribéry. Voilà. Bref. Et faisait quoi, Francky? Non, super sympa, tu vois. C'était un de ses premiers matchs à l'OM et je le croise. C'était son premier match, je crois. Ouais, j'étais avec des petites meufs en loge, tu vois, genre habillé vraiment en petits talons, des meufs classe, tu vois. Et t'étais en talons? Non, des meufs. Ah. Des copines, tu vois. Des Marseillaises classe. Ouais, des Marseillaises classe, pas des cagoles, tu vois. Et je le croise après le match et je fais, ah, ça va, Franck, putain, t'as fait un bon match et tout. Et là, c'est un coup, ça pue la merde, gros. Mais une odeur de merde dans la loge. Voilà, coucou, salut, je suis passé par là. Ça m'a envie de chier. Et je commençais à être vachement à être gêné, tu vois, parce que ça, vraiment, ça sentait la merde et j'étais avec des meufs un peu bien. Et les meufs, elles voient que ça sent la merde et tout. Et je lui fais, putain, ça sent bizarre ou je sais pas quoi. Et lui me dit, ah, frère, désolé, j'ai mal au ventre, je viens de chier. Ah non. Il dit ça devant les meufs. Ouais, sans pitié. Elles étaient choquées, les petites meufs. Ça arrive à tout le monde. Ah, tu vois, Cédric, tu n'es pas le seul à pourrir l'atmosphère. Non,
battent les couilles, tu vois, c'est comme ça. Peut-être qu'il chiait vraiment, nous dit Cacard sur l'appli Skyrock, là, peut-être. Attends, j'étais en train de l'enchaîner, lui dire mon gars, j'ai ton numéro de téléphone, j'ai chez les filles, je portais plainte. Et tu vois, moi, je me levais, je parle. Mais toi, tu y vas un peu fort, Gaël. Il a pas porté plainte parce que le mec, il est en train de chier, ouais. Non, mais est-ce que vous avez déjà reçu des coups de fil de mecs un petit peu spéciaux, un petit peu pervers? Comme ça, par exemple. Vous nous laissez vos numéros de téléphone, vous nous passez un coup de fil. Ça vous est déjà arrivé, non, Cédric? Ah non, ça m'est jamais arrivé, mais le jour où ça m'arrive, le mec, je l'insulte, je lui raccroche à la gueule. Tu lui dis quoi? Parce qu'il y a un mec qui se branle en disant oh, Cédric, t'es trop beau, hein, je suis en train de me. Faire enculer, t'es un fou, toi, voilà, tu te faire enculer, viens me voir, mon adresse. C'est aux 4 rues de la Pompe. Ah ouais. Voilà, j'habite 4 rues de la Pompe à la Queue-Ombrie. Non. Viens me voir. Voilà, j'ai une résidence secondaire à Gourolet. À Gourolet, ouais, c'est ça. Ma ville de naissance. Voilà. Non, mais vous êtes tombé sur des gens qui vous ont mis mal à l'aise parce qu'ils étaient un petit peu chelous, un petit peu pervers. Vous avez rencontré des gens sur les réseaux qui étaient un petit peu comme ça. Vous nous faites signe. Qu'est-ce que tu veux faire, Gaël? Tu vas le rencontrer maintenant, bientôt, pour le compte parapente. Je vais pas avoir le choix. Ouais, bah ça c'est sûr. Mais je pense que ça va être un grand moment de solitude pour lui comme pour moi, quoi. Non, mais tu nous raconteras. Ça nous fera une bonne occasion de te retrouver, de savoir un petit peu comment s'est passé le cours de parapente. Ah, moi perso, j'irai chez quelqu'un d'autre. Moi, ouais, j'aurais changé aussi, mais je t'ai proposé, Gaël, toi tu veux garder le même. Hein, donc, J'ai gratté une réduction, tu vois, à la fin. Ouais, garde-la. Ouais. On pourra peut-être s'arranger. Non, non, mais c'est mieux pour nous. Tu vois, ça nous permettra de te retrouver en direct dans l'émission, ce qui sera toujours un plaisir. Et donc, racontez-nous. Donc, si vous avez vous aussi, vous êtes tombé sur des gens un petit peu bizarres au téléphone, ou alors. Ah non, moi, c'est que des relous, là, qui te proposent des trucs à la con, là, de changer de forfait, de. C'est marrant, t'excites moins les gars que Gaël, toi. Hein. Ouais, non, ouais. Moi, maintenant, je leur dis tous d'aller se faire enculer. Et tu leur dis. Alors, non, j'ai une variante. Voilà, tu leur dis nique ta race. Non, j'ai une variante. Ou alors, des fois, je leur dis ton offre, t'as qu'à te la mettre dans le cul. Voilà. C'est pas mal, ça. Et nique ta c'est race. C'est très classe. Non, mais je te jure, mais quand c'est tous les jours, hein, vas-y, mais va te enculer avec tes offres. En plus, tu sais, tu leur dis, mais je suis pas chez vous, je m'en bats les couilles, je viendrai pas. Dans un instant, on va appeler Patrick, puisque tu nous parles de. Attention à quelqu'un, Gaël. Attention. Oui, j'ai failli me faire écraser, les gars. Bah oui, fais gaffe. Et nous, on veut la suite de l'histoire, donc fais-toi pas écraser aujourd'hui, en tout cas. Hein. Non, je vais faire attention. Bon. Dans un instant, on va appeler Patou, retraité, je pense. Hein. Ouais, Patou, 57 ans. Ah, pas retraité encore. Ah, non, je crois que. Ah, oui, il a que 57 ans. Bah, que, ouais, peut-être qu'il a mitonné son âge aussi. J'espère qu'il sera joignable tout à l'heure, celui-ci. Faut pas le louper. Patou et les autres pervers qu'on va retrouver aussi, hein, tout à l'heure sur Skyrock, ne les loupez pas. On écoutera nos pervers, on retrouvera Pamela. Et ça y est. Ah, il a galéré pour nous joindre, Kevin, mais heureusement, j'étais là pour le sauver. Ah, bien sûr. Oui, grâce à toi. Exactement, merci l'équipe. Super difficile. Kevin de Toulouse, qu'on va retrouver au téléphone avec nous. Bonjour, Kevin. Bonjour, comment ça va, l'équipe? Et voilà, j'ai réparé tout ça. Salut, Kevin, comment vas-tu? Très bien, et vous? Eh bien, très bien. T'avais une question sur des trucs que t'achètes sur le net. Dites-nous le dernier truc que vous avez acheté sur le net, là, si vous avez acheté. Sur Vova, AliExpress et Wish. Ah, donc tu achètes sur Vova, sur AliExpress et sur Wish. Donc, et t'achètes quoi, toi? Dites-nous si vous avez acheté des trucs sur le net, comment ça s'est passé, vous avez tout reçu, vous avez pas reçu, vous nous faites signe. Alors, des sacoches Gucci, des chemises Louis Vuitton et puis des polos Ralph et tout ça, des Lacoste. C'est quoi, c'est du fâche? Mais ouais, c'est ça. Le problème, ouais, c'est que le Louis Vuitton est arrivé avec un W, Gucci est arrivé avec un CH au lieu de deux C. C'est et ça. Puis, donc, t'achètes des trucs, mais t'achètes des trucs. Voilà, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. D'accord, voilà, mais de toute façon, oui, c'est que de la camelote. Oui, c'est que de la camelote. Il y avait des gens qui avaient eu des problèmes avec la douane et tout ça. Alors, tu as entendu? Oui, c'est que de la camelote. C'est un de nos spécialistes financiers. Non, mais c'est vrai, tu vois les trucs à 1 euro, la gueule que ça. C'est sûr qu'un sac Louis Vuitton à 1 euro, tu peux avoir des doutes. Oui, de toute façon, à partir du moment où c'est vendu là-dessus, déjà, c'est du falche. Ah, oui, c'est que du falche. Ouais, il n'y a pas de vrai, ouais. Non, mais ouais, si en fait. C'est de Chine et tout. Ouais, c'est que des produits, mais c'est que du bas de gamme. Mais même des trucs, c'est genre, c'est gratuit. Même t'achètes des trucs, c'est de la camelote, quoi. C'est sur Wish ou un autre site où il y a des trucs, c'est gratuit, en fait, tu payes juste. Les frais de port, c'est Wish. Ouais. Alors, du bas de gamme, et du bas de gamme comme qui? Bon, comme Cédric. Et des frais de port comme qui? Comme Romano. D'accord, ok. Non, mais c'était pour savoir. Non, mais après, des fois, ça dépanne. Ça dépend ce que tu vas acheter. Si tu vas acheter un truc qui. Mais bon, si tu cherches un truc vraiment fiable, c'est pas sur Wish qu'il faut l'acheter, quoi. Ouais. Alors, Kevin, c'était quoi le problème par rapport à tous les trucs que t'achètes sur le net? Je voulais savoir s'il y avait eu des gens qui avaient eu des galères, qui avaient eu des problèmes, des amendes et tout ça, en fait. Ah, en achetant du falche? Voilà, oui, en achetant du patch. Ouais. Est-ce que quand t'achètes du faux, et tu peux avoir. Bah oui, si tu te fais choper, tu peux avoir des amendes. À la douane, ils mettent des amendes, hein, quand ils te chopent avec du faux. Hein. Et l'amende, elle est chère, parce que ils te font payer le prix
du vrai. Donc, ce qui fait que si tu achetais un truc à 1 euro et que ça en vaut 300, tu payes 299 euros au moins. Ah au oui, moins. Quand même. Ah oui, ça, ça fait cher. Là, si tu en attrapes un, tu manges pour les autres, en fait. Parce qu'il y en a tellement qui passent que de faux qui passent. Il y a Flynn qui nous laisse un message, Flynn du 94, qui dit j'ai acheté sur AliExpress, aucun problème, super articles, legging, imitation Gymshark à 10 euros, pas cher. J'achète sur Amazon un petit kit barbe beau gosse. Essaye, mais tu l'as reçu, c'est j'ai trop un dansé. Un kit barbe. Mais ouais, un kit. Non, mais c'est pas un. Après, tu reçois pas, dans longtemps après. Wish, des fois ça m'a moins de mignon. Même parfois d'ailleurs, tu reçois pas du tout d'ailleurs. Ça a été saisi à la douane. À Amazon, ouais, ça marche. Amazon, ticket de barbe beau gosse. Petit shampoing, peigne, sanglier, au top. La marque, c'est Lyon. Voilà ce que le dernier truc que t'as acheté, j'ai trop dansé sur. De toute façon, Wish, il y a aucun truc qui est vendu qui vient de France. Alors qu'à, par exemple. C'est chinois. Alors que. Je crois pas. Non, c'est que de la Chine, je pense. Et par contre, Amazon, tu vois, t'as la plus, les vendeurs, il y en a beaucoup qui sont en France. T'as des vraies boutiques. Là, ouais, un kit barbe, Amazon, tu le recevras. Il y a Joom qui nous laisse un message. Lui, il a commandé sur Joom. C'est Johan, pardon. Joom, il a commandé là-dessus. C'est gratuit. Il faut juste payer les frais de port. Ouais, le nouveau Wish. Mais les frais de port, comment? Comme c'est. Non, mais tu peux avoir des galères si t'achètes du falche. Faut juste pas se faire choper. Ça, c'est comme tout. C'est comme pour tout quand tu fais. C'est dangereux. Pas de dire que tu vas aller en prison, Kevin. Enfin, tout dépend les quantités que tu commandes, mais tu risques de te manger d'amende, oui. Là, moi, par unité, voilà. Non, mais à l'unité, tu auras rien, tu auras pas d'amende. Hein. Au pire, ils prennent le truc, tu le reçois jamais, mais tu auras jamais d'amende. Ah, tu l'as payé, mais ça te. Oui, tu recevras rien. Ouais, mais tu l'as payé 1 euro, tu vois. Bon. Oui, c'est pas très cher non plus. Tu prends le risque. Vous achetez des trucs chelous, je vois le message de Tocra, là, qu'ils envoient ça juste à l'instant. J'ai reçu mon panneau solaire aujourd'hui. Et le régulateur de charge, mais qui ne fonctionne pas. Ah oui, un peu une galère. Vive Amazon, nous dit Tocra. 40 euros la tablette pour Nathan Pims. Je me suis retrouvé avec un tableau pour écrire, sans compter les frais de port. Ouais, t'étais pas satisfait de ta tablette. Mais bon, pour 40 euros, tu peux te dire, t'as tenté le coup. Bon, ça fait cher l'ardoise quand même. T'as tenté le coup, ça a foiré. Les mecs t'ont envoyé l'ardoise. Donc, 40 balles l'ardoise. Et est-ce que tu peux te retourner contre eux? Essaye de porter plainte contre un truc en Chine. Non, mais bon, par contre, je pense que tu vas galérer. Non, mais ces trucs-là, ils sont pas chiants, ils remboursent facilement. Oui. C'est comme Amazon. Amazon, t'as une galère, ils te remboursent direct, ils s'en battent les couilles, ils vendent tellement de trucs. Ouais, fais attention. Moi, j'ai commandé des t-shirts Lacoste. Évidemment, défaut, c'est le Bulgare qui nous laisse le message. Évidemment, défaut. Et je les ai jamais reçus. Bilan perdu 150 euros. Ah, il te faisait 15 euros le polo. Le polo Lacoste. Ah ouais, quand même. Ça va. Enfin bon, x10. Au lieu de 4, combien ça vaut? x10, c'est entre 40 et 80 et 120. Ouais, bah là, t'as perdu 150 euros, t'aurais pu en acheter un et demi à la limite. T'aurais pu acheter un polo et demi, là, t'as rien reçu du tout. C'est le risque, Kevin, tu risques de commander des trucs et puis jamais les recevoir. Il y a des gens qui commandent aussi des faux iPhones aussi. Oui, non, mais il y a de tout en faux. Hein. Ah, mais tu trouves tout, iPhone, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Là, parfois, tu commandes un iPhone, tu reçois un iPhone miniature pour les enfants, tu sais, pour qu'ils puissent s'amuser. Ouais, super, en plastique. Mais qui tient dans leur main, mais c'est le même que l'iPhone. Ah, c'est le même. T'es content. C'est le même, sauf que la taille est divisée par 3, donc c'est. Ça va être une girafe, par exemple. Une girafe, tu vas acheter une girafe sur Wish? Non, sur le polo Ralph, à la place du logo Ralph, pas une girafe. Polo, c'est... Là, c'est bien la preuve que tu t'es fait. Que tu t'es fait effectivement, oui, il y a un problème. C'est un peu loin, oui. Les achats sur le net, vous réagissez en direct, vous nous laissez vos messages. Tiens, on a Émilie qui nous appelle 01 53 40 30 pour passer en direct sur Sky. Tout fonctionne. Vas-y, Émilie, bonjour à toi. Bonsoir à toi même. Émilie? Oui, mets-toi bien dans la bouche en face du téléphone. Je crois que tu es avec un téléphone que tu as acheté sur un site, je sais pas, limite. Tu l'as acheté sur Zoom, non, sur Wish. Non, je suis en train d'endormir mon fils, alors. En plus, elle a pas de réseau, elle a galère en réseau. Tu salues le petit, alors comment il s'appelle? Gabin. Émilie, tu voulais lui dire quoi, toi? Enfin, lui dire pour Kevin, pour aider Kevin, mais également tous ceux qui achètent du falch ou qui achètent sur des sites un peu limites. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Bah, moi j'ai déjà commandé sur Vova, j'ai acheté des. T'as gazelles. Commandé sur Vova? Vova. Je connaissais Vova, mais je ne sais pas Vova. Vova. Et t'as commandé quoi? Des gazelles, des chocs. Ouais, alors des gazelles, je précise, ce ne sont pas les animaux. Hein. Non, ce sont les chaussures. On n'a pas le droit d'acheter des animaux de contrebande, ce sont les chaussures, oui. Tu fais bien de le préciser. Non, mais je précise, aussi. Des converses aussi, oui. Et puis ça va. Et toi, t'as tout reçu? J'ai tout reçu. Me suis fait rembourser. C'est que du faux. Ah, en plus? Ouais, que du faux. Voilà. Et tu t'es jamais fait choper?
Non. Donc voilà, tu peux tenter le diable, Kevin. On va pas te conseiller de, on va pas te conseiller de continuer parce que si un jour t'as une emmerde, tu vas te dire mais ils m'ont dit que des conneries à Skyrock. Donc tant que tu te fais pas choper comme toi, Émilie, tout va bien. Tu peux même recevoir des animaux comme des gazelles. Et donc tant que tu te fais pas choper, ça roule. Et une fois que tu te fais choper, donc toi tu vas sur Vovo. Ouais. D'accord. Et donc sur Vovo, tout fonctionne. Non mais on est dans le 6-2, on a bien reconnu Émilie, hein. C'est bien. Bon, ben on te fait une grosse bise, fais une grosse bise au petit gamin et Kevin, fais attention, s'il y a d'autres témoignages, on te fait signe. Si vous connaissez des sites qui déchirent, vous nous appelez. Hein. Tiens, il y a Melvin du 94 qui est avec nous. Ah, il lui arrivait des galères, lui. Ah, allô, les galères de Melvin. Ça va, Melvin? Ça va, vous allez bien? Eh bien, écoute, ça va bien. Tu vas nous expliquer toutes les galères que tu as eues en achetant sur le net. Tu vas nous expliquer ce que tu as acheté, où tu as acheté et quelles sont les galères que tu as subies derrière. Donc, tu restes avec nous. Tu bouges pas. On en reparle dans un instant. Donc, Kevin, tu restes là. Donc, les galères de Melvin avec Kevin. Et puis, les pervers. Et oui, les pervers, on va les retrouver avec Pamela. Et puis, Gaël aussi, qui est tombé sur un mec un petit peu bizarre. C'est le mec qui prend du plaisir quand il chie. Ou alors qui est complètement taré. Enfin, non, on saura un petit peu original. Plus. Dans un instant. Absolument, ouais. Absolument. Mais chacun ses fantasmes. C'est charmant. Donc, on va mener l'enquête tout au long de cette soirée. Des blagues qui tournent mal, on va s'en occuper aussi. Et dans un instant, les familles du double appel qui sont de retour sur Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, mais quelle belle soirée, ça a bien démarré. Radio libre magnifique. Sur Skyrock, on est là jusqu'à minuit, vous le savez. Tous les soirs sur Skyrock, vous profitez de la radio libre, on a rendez-vous avec une soirée spéciale. Tiens, j'ai des double appels collector pour vous là, dans, allez, 10 minutes. On attaque les double appels collector de ce soir. Collector, pourquoi? Parce qu'on a envie de se faire très, 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 très plaisir. C'est ça. Absolument. Ouais, il y en a qui se font plaisir, mais qui sont un peu spéciaux. On va les retrouver. Tout de suite avec Gaël. Et puis dans un instant, réaction de Melvin. Ah ouais, on a eu Kevin qui achète des objets. C'est dur à dire ça, hein, vous avez vu. Kevin qui achète des objets sur internet, notamment des sables de luxe. Il achète sur Le Bon Coin, sur Wish. Le problème, c'est certains colis qui n'arrivent pas. Vous avez acheté des trucs, vous avez fait les soldes, là, pourquoi pas. Vous nous dites si vous avez eu des petits soucis. On en reparle dans un instant avec vos témoignages. Ouais. Et puis là, tout de suite, allez, on va s'occuper des pervers. On essaiera d'appeler Patou, vous savez, le pervers qu'on avait eu au téléphone. Patou. Oui, on appellera Patou avec Pamela d'ailleurs. Ah bah oui. Est-ce que Pamela est avec nous? Juste pour faire plaisir à Gaël, qui est tombé sur un espèce de. Bah, un pervers ou un mec qui prend du plaisir quand il chie. Il y a deux solutions, Gaël, d'après ton témoignage il y a un instant. Oui, bah, oui, je voulais faire mon entrée, moi. Bonjour, Pamela. Attends, je refais mon entrée. Ah non, c'est la deuxième entrée. Bonsoir, les hommes. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, salut, les femmes. Pamela. Bonsoir, salut, Gaël. Pamela. Bonsoir, Pamela. Oui, bonsoir, salut, les filles. Ça fait trois fois, tu vois. Ouais, bon, stop. Et Cédric arrive en plus, c'est magnifique. Bon, alors, on va donc appeler Patou. Si vous avez déjà été victime de pervers au téléphone, de gens qui vous appellent, qui vous disent des saloperies, n'hésitez pas à nous appeler, les filles, les gars aussi, parce que je voyais le message de Timothée là, qui nous a dit que lui, il y a un mec qui l'appelle régulièrement. J'avais cru laisser mon numéro de téléphone à une meuf sur les réseaux. Ah, t'es allé sur les réseaux. Dis-nous sur quel réseau t'étais allé, sur quelle appli t'étais allé, tiens. Et le mec le rappelait tout le temps derrière, en train de se branler. Ah, voilà. Voilà. Parce que c'était pas une fille, au final. C'était un garçon. Absolument, oui. Et absolument. Donc, tu vois, t'es pas la seule à qui ça arrive, Gaël. Les conseils qu'on te donne, hein, il y a eu pas mal de messages pour toi. Les conseils qu'on te donne, c'est de changer de moniteur de parapente. Mais non. Mais si tu aimes le risque, et puis pour l'émission, ce sera sympa, tu nous raconteras la suite de l'histoire. Ouais, tu nous diras tout. En plus, t'as gratté une remise. La suite de l'histoire. Et en plus, c'est vrai, tu as gâté. Je mettrai pas ma meuf sur un parapente avec ce genre c'est de. C'est toi qui vas le faire ou le mec le parapente? Non, son mec il fait ça. C'est lui. Oh, c'est lui qui prend le c'est ça. C'était toi, fais gaffe quand même. Au pire, s'il y a une galère, bon. Hein. Non, parce que le mec, tu sais, le moniteur. En parapente. Il a l'assurance. Le moniteur, il est derrière toi, ça veut dire il peut rester en l'air et te ploter pendant un instant. Hein. Bah, il plotera ton mec. Ouais, voilà, c'est ça. Petite statistique. Vas-y, vas-y. Par exemple, à Chamonix, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de parapentistes. Oui. Je connais un mec qui travaille là-bas et il me disait au moins une fois par jour, il y a un mec qui se pète la jambe. Ah oui. Ça pas le parapente. À l'arrivée. T'as offert un super cadeau à ton mec, Gaël. Ah oui. Ça va être sympa. On fera ça à la fin des vacances. T'as ton mec, il va vivre l'enfer, il va se faire tripoter par un pervers, il va se péter une jambe. Là, mais il me disait, mais tu sais que là-bas, il y a une ambulance qui attend toujours. Ah, ça peut être violent, là. Il y a un truc d'arrivée, en fait. C'est ça. Et, c'est rassurant. Il y a tous les jours, il y a une ambulance qui attend parce que tous les jours, il y a au moins un mec qui se pète une guibole à l'arrivée. Merci. On t'embrasse, Gaël. Le parapente, il va t'en souvenir derrière, il va être plâtré pendant 6 mois. Ouais, c'est cool. Plâtré du cul aussi avec l'autre derrière. Bisous, Gaël. T-shirt Sky à la maison, salut à toi. Et les pervers donc, sont de retour tout à l'heure. On ira faire un tour sur le répondeur
l'histoire de Pamela. Et puis il faudra séduire. Séduire avant minuit. Un peu comme Cédric et Romano dans leur clash de la drague. Le clash arrive dans une heure à peu près sur Skyrock. Pas de galère. Les doubles appels arrivent dans un instant. Mais juste avant, oui, on voulait reparler des trucs que vous achetez. Vous êtes plein à acheter des trucs sur le net. Et parfois, on a de mauvaises surprises. C'est du faux. Surtout quand on veut faire des affaires. Ouais. Les risques d'acheter des trucs falses sur le net, on en reparle tout de suite. Avec. Tiens, il y a un message. Le cousin de Morad qui a vu débarquer. Salut Morad, merci pour ton message. Qui avait débarqué la police. Ah oui, parce qu'il a acheté les des trucs. Même. Les douaniers, ouais, même. Bah. Il a acheté des trucs par 10, 50 ouais, ou 100. Du trafic, ouais. Voilà. Attends, fais un business là. Ouais, non, mais là, ouais. Là, ils peuvent te CV, ouais. Ils font pas de cadeaux. Tiens, par exemple, si tu commandes 100 polos Lacoste avec, je sais pas, à la place du crocodile, un lézard, par exemple, et que tu te fais choper à la douane, ça peut te coûter cher. En tout cas, c'est ce qui est arrivé au cousin de Mourad. Donc fais attention, Kevin, hein, faut faire gaffe. Hein. Oui, je peux faire attention. Eh ben oui, mais il faut mieux faire attention, hein, c'est sûr. Et après, tu peux perdre du fric. Hein, tu commandes des trucs, tu les reçois jamais, mais tu les as payés et on te rembourse jamais. Hein. En tout cas, vous nous laissez des messages. On va faire un petit tour du côté de Melvin, qui paraît-il a eu des galères. Ça va peut-être te calmer, on va voir ça, Kevin. Melvin en direct de Melun. Salut à toi, Melvin. Ça va l'équipe, vous allez bien? Oui. Alors, Melvin, 94, 21 ans. Qu'est-ce que tu voulais dire à tous ceux qui achètent sur des sites un peu chelous? Moi, je voulais dire, j'ai eu une galère bizarre. Moi, j'ai acheté sur Wish une fois. D'accord. Au début, j'ai acheté des petits gâtettes, etc. Déjà, j'ai reçu, c'était de la merde. Ça a mis deux mois et c'était quand même de la merde. Je l'avais dit. Ensuite, j'ai voulu acheter de la sape. J'ai acheté une espèce de chemise qui avait l'air sympa. Je l'ai payé 3 balles. Je l'ai reçu chez moi, je l'ai mis, puis dès que je l'ai mis, je sais pas, genre 3-4 jours après, j'ai commencé à voir ça me gratter, des plaques rouges, des trucs comme si j'avais des Ah mais non. Non mais c'est que j'ai vu d'autres messages qui défilaient comme toi. Il y a Mélissa qui a acheté un truc aussi, ça, pareil. Elle c'est des chaussures, elle a eu une affection aux pieds, mes pieds avaient doublé de volume. Oh putain, mais t'imagines. Ah mais bon, à partir du moment où tu payes le truc 3€, de toute façon, on va se douter que c'est pas de la très bonne qualité. Le truc qui t'empoisonne, quoi. Mais tu l'avais lavé avant de le mettre ou pas? Ah ouais, je l'ai lavé. Ah ouais, en plus. Faut toujours laver. Du coup, je suis parti voir mon toubib. Mon toubib, il m'a dit en fait, il m'a dit c'est une allergie, une réaction. Ils ont dû mettre un produit que la peau elle supporte pas. Il y a quelques années, il y avait Conforama qui avait eu le problème avec des fauteuils. Les gens, ils s'asseyaient dessus, ça leur brûlait le dos. Le cul. Mais des trucs quoi, tout l'arrière. Mais t'avais le. Ah, mais je me souviens de ça. Mais ouais, parce que le truc était fabriqué en Chine. T'avais le faux au cul après. Et là-bas, t'as pas les mêmes normes que par exemple en Europe. Et en fait, ils avaient utilisé un produit qui voilà. Qui était pas bon pour la peau. Ouais, ça leur faisait des plaques. Je me souviens du truc. C'est séquelles, ouais, violent, ouais. Le dos brûlé, genre 3 degrés. Moi, je me retrouve avec des taches, des trucs chelous, tu vois. Et du coup, après, c'est passé. J'ai pris. J'ai pris un dermato, tout ça, et c'est passé. Et un autre jour, j'ai commandé. Du coup, j'ai arrêté la sape et j'ai commandé une petite lampe. Tu sais, une lampe de poche. T'aimes les risques, toi hein. Qu'est-ce qu'il y a là, Elle a foutu le feu à ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé, Melvin? Et du coup, je commande la lampe. La lampe, elle arrive chez moi. J'allume la lampe de poche. La lampe, c'était un taser, c'était pas une lampe. Je me mange un coup de cul dans la main. Laisse tomber. Il dit ah ouais, laisse tomber, plus jamais de la vie. C'est la lampe. Il y avait la chaise électrique. Maintenant, il y a la lampe électrique. En fait, tous mais les la lampe qui te tuer, quoi. Électrique, mais qui t'électrocute. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Ah ouais, mais c'était à la main là. Non, mais en fait, c'est bien parce que t'achètes une chemise. Parle bien dans le téléphone, Melvin, quand t'entends bien. T'achètes une chemise 3 balles. Finalement, ça coûte plus cher que de l'acheter. En dermato et tout. Ouais, avec les frais médicaux. Exactement. Les médicaments. Et puis les emmerdements, quoi. Heureusement, il y a la carte vitale. Heureusement. Heureusement, ouais. Heureusement, non, ouais. Par contre, j'ai acheté d'autres trucs sur AliExpress et j'ai jamais de galère, par contre, sur ces Non, mais sur AliExpress, il y a plein de messages, on nous a dit que ça fonctionne. Hein. Regardez, je vous ai eu le message tout à l'heure de je sais plus, je crois que c'était J'ai trop dansé qui avait acheté des trucs sur AliExpress. Franchement, j'ai acheté, j'ai toujours reçu, nickel. Ouais, c'est clair, Bon, après, je dirais. C'est ce que t'achètes, hein, après. Hein. Je dirais pas la même chose de Vova, par exemple. Là, ça, je connais pas du tout, moi. Mais quoi que ce que nous disait il y a un instant, parce qu'on a eu, le témoignage d'Emilie, elle commande toujours Vova, elle a tout reçu. Hein, ouais, mais non, mais tu reçois. Tout s'est bien passé. Ça dépend des. Mais par contre, le truc de juste Amazon, tout ce qui est électroménager, tout ça, ordinateur et tout ça, je déconseille. Pourquoi? J'ai reçu, parce qu'une fois, j'ai commandé une tablette. Je reçois la tablette chez moi. La tablette, elle est cassée en 1000 morceaux, la tablette. Ah oui, donc elle était cassée. Les appels, et on me dit non, mais c'est vous, etc. Et au final, moi, j'aurais fait un procès et tout ça. Et du coup, les avocats d'Amazon, ils m'ont contacté tout ça pour faire un arrangement à l'amiable. Et au final, ils se sont aperçus que c'était le chauffeur, en fait, qui avait pété la tablette. Très parce bien. Que j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Des fois, ils sont pas chez j'ai des colis. Ouais, voilà, c'est pas leur faute à Amazon. Et puis la tablette défoncée, quoi. Donc, avec un peu de chance, tu vas récupérer une tablette et peut-être quelques petites indemnités. Ouais, mais bon, vraiment minime, quoi. Une procédure de 6 mois pour récupérer 50 balles. Oui, bon, on se console comme c'est on peut. Eh bien, écoute, merci. Donc, il faut faire attention à ce que vous mettez, notamment les habits, les chaussures, les t-shirts. Si vous les avez achetés sur un site un peu chelou, ça peut vous bousiller la peau. Et puis, ça peut faire d'autres problèmes à des gens, parce que moi, je connais des gens aussi, pareil, qui achetaient de la fausse tape et tout ça.
Et après, du coup, ils revendaient ça un peu sur les marchés. Il y a pas mal de gens qui ont eu des galères. Au final, là, ils se retrouvent avec des plaintes au cul, les mecs, parce que les gens, ils se comprennent pas pourquoi ils ont des plaques. Quand ils disent c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a vendu ça. Tu mets un t-shirt, oui, c'est pas pour avoir des plaques sur, voilà, sur tout le corps. Bon, c'est moins grave pour Morgane. Morgane qui dit sur Wish, j'avais commandé un plaid pour mes soirées d'hiver, pour mon canapé. À la place, j'ai reçu un doudou pour gosse. Bon, écoute, fais un gosse. Le truc. Morgane, fais un enfant, et puis voilà, ça servira, quoi. T'as déjà le doudou, là. Ça va être léger, le doudou, pour se couvrir du froid. Une tiens El Porto lui l'a acheté pour délirer, l'a acheté une perruque pour mettre dans des soirées et tout ça. Il a eu le même problème que toi avec les fringues, une perruque, j'ai gonflé de la tête. C'est comme les chaussures dont on parlait tout à l'heure là. C'est des trucs bizarres quand même. Bon, bah écoute, on te remercie du message de prévention. Merci Melvin. De rien, pas de soucis. Et on va t'envoyer le t-shirt Skyrock, je te rassure, il n'y a pas de produit dessus qui te fera une allergie, qui te bousillera la peau, tout va bien. Impeccable. On t'envoie ça à la maison. Et okay, tiens, bien. Juste pour finir, il y a Momo aussi de Pantin qu'on va prendre avec nous. Salut Momo. Ouais Momo. Salut l'équipe. Comment ça va Momo? Super et vous? Eh bien écoute, super aussi, bienvenue sur Sky Momo. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ce qu'on peut acheter sur le net toi Momo? Alors moi je fais quoi? Moi j'achète beaucoup sur Vova. Vova? C'est juste pour Vova, ouais. Vova. J'ai l'application sur le téléphone, en fait j'achète des conneries, genre des godes, de la lingerie féminine. Des godes. Et l'adresse de livraison, je mets ça sur mes potes. Ah c'était l'enfoiré. En fait tu commandes des trucs et tu les fais livrer chez tes potes. Ouais voilà c'est ça. Ça fait que eux quand ils reçoivent des colis ils reçoivent des trucs trop chelous. Ils reçoivent des godes, ils reçoivent des. Non mais en même temps c'est vrai que c'est marrant et puis la blague elle coûte pas trop cher quoi. Oui, si c'est des godes ouais, de voilà, balle bon. Parce que sur Vova c'est pas cher. Bah non. Ouais, après ils m'en parlent, ils me disent c'est trop chelou en ce moment, je reçois des colis trop suspects, trop chelous. Non mais pour vraiment rigoler. Parano, tu sais. Pour vraiment rigoler, si tu veux vraiment faire rigoler tous les potes, fais-le à un pote qui habite encore chez ses parents. Ah, ça c'est un peu violent. Hein. Juste pour voir la réaction de toute la famille. Je crois que je vais le faire à Karim. C'est marrant ça. Je vais envoyer un truc. Génial, ouais. Je vais envoyer un truc chez ta grand-mère. Ça, je vais marquer pour Karim. Tu sais qu'elle va me taper avec. Mais vous pouvez l'ouvrir si vous faites partie de la famille. Karim et sa famille. Voilà Karim. Famille. Voilà Karim et sa famille. Sa grand-mère. Non, c'est une petite blague. Elle va être contente, ouais. Petite blague sympa. Je vois qu'on rigole à Pantin dans le 9-3 à un moment. C'est bien. Oui, toujours. Bah oui. Il faut. Bon, et toi, chaque fois que t'as commandé un truc, t'as jamais eu de galère, t'as jamais reçu les trucs cassés Non, j'ai jamais eu de galère. Bah écoute, j'ai jamais eu de galère. Bon, on a eu ce qu'il nous faut en galère, hein, entre les pieds qui gonflent tout à l'heure, Melvin qui a la peau brûlée, des allergies, etc. Les trucs qui arrivent pas, les keufs qui débarquent chez le cousin de Mourad, on a ce qu'il faut. Puis même sur les messages, tiens par exemple sur Wish, moi j'ai jamais été livré et j'ai commandé plusieurs fois. Eh ben arrête Samira, c'est Samira qui nous envoie un message. Moi j'ai commandé un parasol, le pied du parasol était tout déglingué, c'est pour Céline. Elle nous dit pas où est-ce qu'elle c'est a commandé pratique. Par contre. J'ai non, déjà mais le problème, c'est comme disait Samy, c'est à la livraison en fait, le produit il arrive. Ouais, ils sont pour rien. Dans un bon état, mais tu sais, quand ça vient de Chine, ça vient par des containers. Là, les cartons, ils doivent être balancés dans les trucs. Déjà, quand tu te fais livrer, des fois, les mecs, ils les balancent dans les halls d'immeubles. Alors là, comment ça doit être traité dans la camionnette, ouais. Déjà. Ah ouais. Mais toi, au final, tu t'en fous parce que tu as commandé, t'as payé, tu veux quand même recevoir ton truc. Bah, tu fais une réclamation et puis tu te rembourses. Tiens, j'ai commandé un maillot de bain 2 pièces sur Wish. Résultat, une énorme crise de rire. Ça devait être taille 40. J'ai reçu un truc de fou. J'ai cru que j'étais en obésité. Ah, t'as reçu un truc. Ils se sont trompés. Ils ont dû voir 60 à la place de 40. Et, c'est sympa. Et tu laisses dedans. Bon, bah, Fabiola, moi, j'ai une solution pour toi. Il faut prendre 20 kilos, hein. Tu prends 20 kilos et tout roule. Et Sonia, elle nous dit, pour ne pas avoir de problème de commander que sur les gros sites, genre Amazon, Cdiscount, eBay, AliExpress, etc. etc. Et Nicolas nous dit de toute façon, Amazon, si c'est pas cher, il y aura un problème sur la qualité. Ça, Amazon, c'est sûr. Des fois, tu te fais niquer. Moi, j'avais acheté un truc pour Halloween. Qu'est-ce que t'avais acheté? T'avais acheté le visage de. Le masque de Cédric, non, je me rappelle. J'avais acheté des sacs. Ah, il n'a pas acheté ton masque, Cédric. Des sacs en forme de citrouille. Mmh. Et sur la photo, ça paraissait super grand. Et en fait, quand je les ai reçus, bah, les sacs, je sais pas, ils devaient faire 3 cm, quoi. Quoi, c'était même pas des sacs, c'était finalement des pochettes. Vous voyez, la taille des pochettes quand t'achètes du la taille shit. D'un bonbon, quoi. Oui, c'était une poche de jean, quoi. C'était, mais même pas. Plus petit. Non, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'avec Amazon, tu leur dis, ouais, le produit vous convient pas. Là, t'as l'affiche, oui, à la facture et tout ça. Tu dis, ouais, le produit ne convient pas. Et moi, ils m'ont remboursé, ils m'ont dit, ouais, vous pouvez les garder. Tu sais, genre, j'avais dû payer ça 5€. Mais Amazon, il faut beaucoup ça, parce qu'en fait, ça leur coûte plus cher les expéditions. De récupérer le truc à leurs frais après. De le faire détruire ou de l'envoyer à l'officier, s'en battre les couilles. Mais il y avait une polémique, ils détruisaient des tas de produits Amazon. Il y a eu un reportage à la télé. En fait, dans les entrepôts, quand les produits qui reviennent, au lieu de les renvoyer aux fournisseurs, souvent qui est à l'étranger, ça coûte trop cher, donc ils dégomment le truc. Ils les détruisent.
des tonnes de matériel tous les ans. Du gaspillage, alors, ouais. Alors que si nous le donnaient, on saurait quoi en faire à un moment. Souvent, ils te disent garde-le d'ailleurs. Non, mais c'est ça ce que je disais. Moi, j'ai eu un truc. Non, mais c'est ça. Ouais, pareil, t'as gardé. Ouais, des écouteurs, tu sais, pour le sport. Et moi, j'ai dit, bon, bah, je vous les renvoie. Ils m'ont dit, non, gardez-le, on vous en renvoie. Ouais, mais pareil, ouais. Bah, les couilles. Et pour venir à ta crainte, Kevin, parce que c'est toi qui nous avais appelé pour ça, fais quand même attention à la douane, parce qu'il y en a plein qui reçoivent des colis, mais qui sont déjà ouverts par les douanes avec un gros scotch qu'ils ont rajouté par-dessus. C'est comme ça que tu vois que ça a été ouvert par. Ça, c'est clair. Par la douane. Donc, fais gaffe si tu commandes du falche, surtout du falche de grosses marques, genre Gucci, Diesel. Et en gros exemplaires surtout. Ouais, Gucci Gabbana. On nous parle de, voilà, également, de Dolce Gabbana et tout le reste. Gucci Gabbana, ça existe aussi. Hein. C'est vrai que tu peux trouver des trucs de fou en Chine, hein, c'est dingue. T'as jamais vu en Thaïlande, tu sais, des baskets où genre la semelle, c'est logo Nike. Sur la languette, c'est un truc Adidas. Mais sur le côté, genre, il y a écrit Reebok. Bah, c'est bien, ils font des collabs. C'est un pêle-mêle avec. Voilà, t'as un puma dessiné dessus. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Grosse collab. Bon, merci Momo pour la petite idée des godes. En tout cas, ça fait bien rigoler certains auditeurs de Sky, dont Thomas qui nous envoie un message et qui va le faire à ses potes très très vite. Merci Momo pour l'idée, trop drôle. Voilà, d'envoyer de commander des petits godes pas chers, tu les envoies à tes potes. Et là, tu rigoles. Ah, tu rigoles, c'est drôle. Mais oui. Mais oui. C'est grave. Bon, merci Momo pour le coup de fil. Merci à toi. Je t'en prie. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock comme promis, Melvin, pareil. Et Kevin, bah écoute, tu peux continuer, mais fais gaffe quand même. D'accord. Merci. On te fait une bise. Merci. Salut à toi. Ciao, ciao, ciao. Et attention, dans un instant sur Skyrock, les conneries qu'on fait au BAU. Ah oui, je vous en parlais en tout début d'émission tout à l'heure. On a Flo qui doit gérer un petit souci. Qu'il a fait une connerie. C'est quoi la connerie? On en reparle avec vous et toutes les conneries que vous faites au BAU. Hein. Vous pouvez en parler entre vous d'ailleurs sur Twitter, hashtag Radio Libre de Diffoul. Hein, pour partager les conneries, pour vous dire ah oui, je suis con. Mais il y en a d'autres qui sont aussi cons que moi. Tiens, très bien. Flo, dans un instant. Et nous aussi d'ailleurs, hein, on a des trucs à dire là-dessus. Nous aussi, on va faire des conneries ce soir. On va retrouver tout de suite nos doubles appels. Et oui, les doubles appels sur Skyrock. Les doubles appels du vendredi pour bien démarrer le week-end. Gendarmerie nationale, s'il vous plaît. Ouais, tu vas voir, ouais, gendarmerie nationale. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Oh, c'est des connards qui déconnent là, sur le téléphone. Tu vas parler poliment, toi, du con. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Eh ouais, vos doubles appels tous les soirs sur Skyrock. Et attention, j'en ai un là pour vous. J'en ai un qui déchire. Un collector ce soir. J'en aurai peut-être même deux parce que c'est comme ça sur Skyrock le vendredi. On ne sait rien, quoi. Non, c'est un peu le luxe. C'est comme ça que ça se passe. Total. Bon, mise en contact des familles, on les a testés juste avant. On les met en contact ensemble. Il y aura peut-être Patrick qui sera là. Je suis Patrick. Bonsoir Patrick. Ah bah formidable, il est là. Le meilleur est là, quoi. Oui, le meilleur. D'ailleurs, on parle des pervers ce soir depuis tout à l'heure avec Gaël. Bon, Patrick est là. D'autres pervers à écouter tout à l'heure, ceux qui ont laissé des messages à Pamela sur son répondeur. Et là, tout de suite, c'est parti, mise en contact de nos familles. Allô ? Oui. Oui, ben bah, qui ai-je l'honneur là ? Bah, vous appelez qui exactement, vous ? Ah bah c'est pas moi qui appelle, hein. C'est moi qui viens de recevoir l'appel là. Ah bah certainement pas, hein. Ah bah si, hein. Mais c'est quoi votre Allô merde là? Parce que moi j'ai appelé personne. Oui, comment vas-tu? Mais j'étais rien le mec là. Mais qu'est-ce qu'il y a une erreur dans le téléphone ou quoi? Parce que moi j'ai appelé personne et on dit que j'ai appelé, alors c'est pas vrai. Oui. Je suis toujours là, hein, mais vous me dites qui vous êtes. Ah, c'est vous qui appelez, c'est pas moi qui appelle? Ah non, ce n'est pas moi qui a appelé, hein. Ouais, non, alors, mais il est en train de jouer là. Et ça fait déjà plusieurs fois parce que les numéros sont enregistrés. Et croyez-moi que là, je vais aller à la police parce que j'en ai déjà eu plusieurs comme ça. Et c'est pas moi qui appelle. Ah oui, bah c'est vous qui venez d'appeler, c'est moi qui appelle, Léon. Mais vous êtes compris. Ah, je n'ai pas appelé, j'ai pas pris mon téléphone. Ah bah, parce qu'il y a un problème de votre ligne. Attends, il m'appelle, il y a une autre dame derrière. Mais ça a carré, ce mec-là. Les télécoms, là. Oui, nous, on n'a pas appelé, nous. C'est vous qui sonnez chez nous. Parce que non, c'est pas mon numéro, c'est pas possible. Pas possible. Vous êtes d'où, d'abord? Non, ben je ne vous le dirai pas. Bah, puisque pas, vous ne voulez pas me dire qui vous êtes, moi je ne vous dirai pas non plus qui je suis. Vous avez un problème dans votre numéro de téléphone, là, qui se veut, hein? Non. Ah, si. Non, si, parce que ça sonne chez nous, là, on décroche et c'est vous qui répondez. C'est pas nous. Alors, moi, ça sonne à la maison et c'est vous qui me dites allô, alors faudrait savoir. Oui, bah, donnez-moi le numéro qui vous appelle, là. Non. Non, je ne donnerai pas. Allô? Allô, ma gueule! Tu vas te faire foutre, codeur! Non, mais t'es un malin, toi! Tu viens de me masser, mais pas trop du cul! Va te faire foutre! Allô? Ouais! Doigt dans la chatte, là? Tes doigts dans la chatte? Non, mais. Attends, il parle, mais. Et je peux te dire que je vais te baiser. Abruti, oh. Complet, oh. Tu veux te faire sodomiser, là? Oui, t'es vraiment con, quoi, non? Ouais! Grave malade, hein! Ouais, c'est bon. Mais t'inquiète, son numéro, il est pécho. Ouais. Va te faire foutre. Ouais.
Et t'es chaud, mon gars, tu vois. T'inquiète pas, là. Tu sais pas à qui tu téléphones, là. J'aimerais que tu te déshabilles, que tu te mettes tout nu. J'aimerais. Ouais. Allô, la police. Oui, bonjour, c'est la police. Ah bon, utile. Allô. Connard. Mais t'inquiète, on va remonter la piste. Ah. Ouais. Ah ouais, ouais. De faire une T'es mal, toi. Ouais. Mais toi, t'es déjà mal. T'es un gros malade, mon gars, là. Quand tu te fais sodomiser, t'aimes bien de te faire appeler petite salope, non? Non, mais t'es carrément berge, toi. Mais mon gars, ça va te faire grave bientôt, hein, je te le dis. Hein. Ouais. T'inquiète. Eh ben, écoute, On va remonter l'appel. Je sais. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ouais, Patrick, ouais. Ouais. 2 kilos à tienne, 3 kilos à nique, abruti. Exactement. 2-3 doigts dans le cul. Oui, 2-3 doigts dans le. Mais, non, mais. Ah, 2-3 doigts dans le. Écoute, dans le. T'es pas un travesti. Le mec parle tout seul, en fait, depuis tout à l'heure. Il est avec qui, tiens, avec qui. Ah, c'est ouf. Il faut qu'il t'encule, là. Et encule-le. C'est un malade, ce mec. Ah, bah, je sais pas, c'est Donnie Gain, moi, j'adore ça. C'est quoi son prénom? Il n'y a pas de prénom. Ah, il n'a pas de prénom. Pour cette police, on remonte l'appel, tu vois. Voilà. Donc il a remonté l'appel. Eh bien, on remercie notre nouvel ami. Qu'est-ce qu'on aura rencontré comme nouveaux amis ce soir, hein? C'est peut-être François, lui. Bon, c'est François? François! François, on te souhaite une bonne soirée, François. Bah attends, il y a de musique. Pas mal la musique, hein. Allez, continue, allez, vas-y, mets ta musique. On va remonter l'appel. Ça me permet de remonter l'appel. Tu veux allez, vas-y, continue. Mets ta musique, elle est trop duc. Je vais te mettre une musique, tu vas voir, elle déchire. Tu veux écouter? Ouais. Écoute bien. Comment tu trouves? Tap 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 tap. Ouais, ta abruti. Mais t'es vraiment en plus t'es un véreux, mais t'es un connard. Mais ça va être grave avec toi. Je vais te faire écouter. T'inquiète, l'appel il est enregistré, t'inquiète pas. On va être tracé par la police. On va remonter. Bienvenue sur la ligne audioguet.com. Oh là. Il va remonter la piste. Tu vois, tu vas, j'ai l'appel là. Je vais au poste de police. Eh, ça va aller très loin, mon gars. T'es un gros malade, toi. T'es vraiment un pervers complètement taré, mon gars. C'est Cédric. Très bien. Cédric, oui. C'est le roi. Cédric, 3 kilos à nique. C'est le roi de la punchline, le gars, là. Il est trop fort, celui-ci. Ah, il te met en joie, Cédric. Hein. Ah, ouais, qui me nique. J'ai envie de me faire niquer. Eh, bien sûr, ouais. Ah, ils sont bons, hein. Est-ce qu'on a le temps d'un autre? Allez, avant de retrouver Flo, là. Allez, petit bonus dans nos doubles appels. Allez. Direction la Meuse, le 55, avec une star du double appel. Faudrait qu'on fasse revenir plus souvent celui-ci, il s'appelle Steve. Alors attention, vous êtes prêts? Ouais. Steve, tout de suite sur Skyrock, direction la Meuse, le 5-5. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Allô? Mais c'était quel sujet? Ah, c'est vous qui m'appelez? Oui? Oui, c'est pourquoi? Ben, c'est pas moi qui vous ai appelé, c'est vous qui m'appelez. Ah non, pas du tout, non. Ah si, ben, ça sonne, je décroche. Donc c'est bien vous qui m'avez appelé. Allô? Oui, je vous écoute. Ben oui, bonjour, ben, je sais pas, c'est vous qui m'avez appelé. Ah non, non du tout. Ah ben, comment dire, mon téléphone a sonné, c'est marqué indisponible et je vous ai au téléphone, donc je sais pas. Ah, moi, ça m'a marqué maintenant, c'est peut-être comme on est... Vous êtes sur Internet aussi, non? Non. Ah non, on n'est pas sur Internet. Non, parce que moi, c'est le téléphone avec Orange, donc c'est avec Internet. Il y a peut-être un dysfonctionnement. Ah, oui, bah moi aussi, comment dire, c'est le téléphone avec Internet, mais de chez Free. C'est Free? C'est Free. Ouais, non. Non, moi, je suis chez Orange. Ouais, alors, je sais pas. Parce que moi, là, comment dire, je suis dans le 55, en Meuse, près de Verdun. Vous êtes dans le 55, en Meuse, près de Verdun? Ah, j'y comprends rien. Bah, c'est... Moi non plus. Oui, ben c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui a fait votre numéro et le note en même temps, puisque... C'est quoi notre numéro, chérie? Ah oui, d'accord. Oui, ben, je sais pas. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? C'est qui? Patrick. Ah, ben moi, c'est Steve. Il y a eu une incompréhension dans les numéros de téléphone. Donc, c'est un monsieur de... Que vous appelez? C'est Cédric. Absolument, oui. Oui, eh ben, écoutez, il y a eu un petit problème là, parce que comment dire, moi j'ai reçu un appel et comment dire, et en fin de compte, c'est le monsieur que vous appelez que j'ai eu au téléphone. Oui. Moi j'ai appelé personne, mon monsieur.
Nous non plus, moi non plus. Le monsieur, comment dire, de Bien de Paris, puisque moi aussi j'habite à... D'accord, bah écoutez, au revoir, monsieur. Allô ? Au revoir, madame. Allô ? Oui, allô ? Monsieur, oui. Allô ? Oui, allô. Monsieur. J'ai une bonne bite, là. Tiens. Hein ? Allô ? Allô ? Il faut que tu t'encules, là. T'es qui, toi, fils de pute ? T'es en train de te branler ? Et ta grand-mère, elle se branle. Salut, les filles. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Ouais, t'es ta grand-mère, toi, fils de pute. T'es qui, toi ? Je vais venir, je vais t'enculer, tu vas voir. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant ? Ah, c'est fils de pute. Ta grand-mère, la pute. Allez, donne-moi ton adresse, là, je viens, je te dégomme la gueule. Comment ? Un petit sec de 21 cm. Un petit sec de 21 cm que je vais te mettre dans le cul avec une batte de baseball. T'as compris ? On me compare souvent à un saumon. Ah bah ça. Un saumon ? Bah putain, bah voilà le saumon. Bah donne-moi ton adresse, fils de pute. Donne-moi allô, ma gueule ! T'es pas un pote. Donne-moi ton adresse, bâtard. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Eh ben. Qui est Michel ? Il faut qu'il t'encule, là. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est Cédric. Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile, là. Pas de saucisson de cheval. Alors. Eh non, pas de saucisson de cheval. Eh bien, désolé pour le petit saucisson de cheval. On va le garder. Quelqu'un veut le manger. C'est Cédric. Ah, non, Cédric. Non, tout non, ça laisse, le bel. Allez, un saucisson de cheval pour Cédric. Ah. Et merci pour les doubles appels. Les doubles appels tous les soirs dans la radio libre. Ne loupez pas les rendez-vous. Et attention, attention. On va reprendre. On va prendre Flo d'ailleurs. On est au standard. Flo, on va le prendre au téléphone avec nous. Flo de Nantes. Salut, Flo. Ouais, salut. Salut à Flo. Toi. Ouais, Flo. Comment ça va ? Et toi ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Parle bien fort dans ton téléphone, Flo. Merci à toi de nous appeler. Merci à toi d'être là. Flo, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi ? Pourquoi tu nous appelles ? Alors, moi, j'ai une grosse emmerde. Grosse emmerde. Dis-nous. Alors, je pense comme beaucoup de collégiens, lycéens, on a un groupe de classe sur Insta, Snap et tout. Ouais. Ah, vous discutez tout. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes potes. Ouais. Wow. Je suis en WhatsApp, moi. D'ailleurs, on a même un groupe WhatsApp Morning. On est suréquipé. Ouais, nous aussi, on a. Et nous, on n'a pas de groupe WhatsApp. On n'a pas de groupe Radio Libre, non. C'est freestyle, gros. Oui, c'est ça. Et alors, Flo, qu'est-ce qui se passe dans votre groupe ? Et du coup, ce que j'ai fait, pour déconner, j'ai envoyé un lien porno sur le groupe. D'accord. C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant. Pas plus, mal. C'est des meufs, tout, c'est Daria. Et du coup, il y a la mère d'une meuf qui est tombée dessus. Ah, pas de chance. Ah, ça, c'est con. En plus, il y a ton nom, on sait que c'est toi. C'est moins cool. Et comment elle a réagi, la mère ? Et ça devait être début de semaine. Ensuite, la meuf, elle vient me voir le mercredi. Elle me fait ouais, ma mère, elle l'a vu et tout. Mais bon, moi, ça me fait rire. Bah oui, j'imagine, moi aussi, j'aurais rigolé, moi. Et là, elle vient me voir. Elle a moins rigolé, peut-être. Ouais, du coup, elle était pas super contente. Et elle vient me voir ce matin en techno. Qui la daronne ? Ah non, la fille. Ah, la fille, d'accord, j'ai eu peur, je croyais que la daronne était venue te voir pour prendre la tête. Et elle me fait, ma mère, elle veut écrire au prof principal et elle veut dire que t'as envoyé un site porno sur le groupe. La balance. Ah merde, t'es dans la merde. La balance. T'es dans la d'un merde. Coup, c'est moins drôle. Oui, bah ça. Oui, d'un coup. Ouais. C'était quoi la vidéo pour que tu nous. On se mette un peu dans la situation. Il y avait quoi dans la vidéo ? C'était une meuf qui se faisait déboîter par plusieurs mecs. Soft donc. Ouais. Ça va. T'es resté dans un truc soft. Si c'était un boucaké avec 20 mecs, là ça aurait été un problème. Ouais, c'est ça. Un boucaké. Là t'es resté. C'est boucake, tu sais, c'est. Ah, boucaké. Mais il a raison, ça se dit boucaké en plus. Ah ouais ? C'est un truc japonais, c'est les japonais qui. Boucaké. Ouais, un boucaké. Oui, menu M3. Voilà, boucaké dans la bouche. Oh, ouais, je vais prendre. Voilà. Le caca, c'est bon. Le caca, c'est voilà, bon. Voilà, je vais prendre des nems et un boucaké. Allez, vas-y. On dirait un truc dans un menu. Voilà, boucaque-moi dans la bouche. T'as pas un resto japonais, Cédric ? Là, je vais voir si on peut avoir un boucaké là ce soir. Ah, t'as bien le numéro de celui où tu vas là, qui est tellement bon. C'est un italien par contre. Oui, c'est Luigi qui fait des nems et des sushis. Et à l'arrière de la boutique, il fait garagiste aussi. Ouais, c'est ça. Il fait des vidanges. Et après, il fait des frites avec l'huile de vidange. Ah, c'est bien. Voilà, c'est trop bon. Je vous invite. Oh, ça va, Cédric. C'est bon, merci. On va aller manger. Excellent. Excellent. Et les autres potes, ils en disent quoi ? Parce que vous êtes combien sur ce groupe ? On est toute la classe. Ah, ouais, d'accord. Et ouais, du coup, mes potes à moi, ils ont rigolé. Bon, il y en a, ils disaient, ouais, c'est un peu une connasse, la mère, genre, elle a pas. Non, mais ils ont pas tort.
De quoi? Oui, bah oui. Non, ouais. Ta mère, c'est une connasse. Ah oui, dites-le pas, ah oui, dites-le pas à la fille, gros. Oui, oui. Hein? Dites-le pas à la fille, genre, ta mère, c'est une connasse. Non, mais non, non, mais non, pas, non, mais pas le dire, mais c'est la vérité, tu ouais, ouais. La meuf, elle a un peu que ça à foutre. Ah non, ouais, ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est, pas, c'est pas la fin du monde. Ouais, et puis le prof principal. Mais c'est un truc, de toute façon, c'est un rapport avec le bahut ou rien à voir, ou c'est un truc privé. Le bahut, il voit pas ce que vous faites. Il y a pas. Non, non, c'est sur Insta. Ouais, mais il va envoyer ça. Parle au prof déjà. Non, ouais, prof, pour... qu'est-ce qu'il va faire? Bah ouais, qu'est-ce qu'il a abandonné? Parce qu'elle pense peut-être que comme c'est un groupe de classe. Comme il y a toute la classe, vois, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, moi, je suis prof, je lui dis, mais je m'en bats les couilles. Ouais, envoyez-moi le lien déjà, que je puisse regarder tout ça tranquillement. Ouais, mais bon, vu que c'est pas officiellement avec le bahut, peut-être que je vois pas ce que le prof va pouvoir faire, lui. À la limite, dis-lui à la meuf, appelle plutôt ma mère. Voilà, tu peux lui dire. C'est vrai, appelle ma mère. Ta mère est au courant ou pas du tout? Ah, mes parents, non, ils sont pas au courant. Tant mieux. Et s'ils étaient au courant, enfin tant mieux, je sais pas comment ils sont, tes parents peut-être qu'ils sont cool. S'ils étaient au courant, ils le prendraient mal, ils réagiraient comment? Ils s'en foutraient, ils diraient ouais, qu'elle a rien à foutre, la mère, dans le groupe. Bon, très bien. Moi, j'en parlerai déjà à mon père pour prévenir. Ma mère. Ouais, ta mère. Mais ma mère, je pense que ça passerait pas. Et le problème, c'est que... prochaine, je vais chez la fille, tu vois. Enfin, on est invité à son anniv, du coup, je vais chez elle avec des potes. Je crois que l'anniversaire va être annulé, moi. Non, mais tu seras peut-être pas invité, du coup. Oui, voilà, justement. Oui, oui, mère... j'imagine que oui, la mère, elle va. Pas que je vienne, et après, sa fille l'a convaincue et tout. Je viens. Et déjà, ça va être un peu gênant. Bah, non, mais bah, à la limite, c'est peut-être l'occasion, justement, de. Si elle va peut-être t'en parler à ce moment-là. Et. Bon, ça va être sympa la soirée ça va être l'anniversaire. Cool, non, mais bon, c'est toujours mieux qu'ils préviennent le bahut, tu vois. Ouais, bah ouais. Oui, c'est vrai que c'est mieux que ça s'arrête. Si, voilà, tu dis, ouais, c'était juste une blague, voilà. Bon. Bah, sinon, tu renvoies un lien à une autre vidéo, puis comme ça, au moins, tu vois le. La prochaine fois, j'enverrai une autre catégorie. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais, la prochaine t'as fois. T'as pas plus, celle-là, je t'en envoie une autre, tu sais, t'inquiète. Boukake, t'aimes pas, bon, on va faire autre chose. On va faire partout. Est-ce que t'as le petit restaurant, Cédric? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, balance le petit resto. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Flo? Bah, je sais pas, s'il y a des auditeurs, je sais pas, qui auraient une idée ou un truc comme ça. Moi, je ferais le mort déjà. C'est-à-dire que. J'ai déjà vécu le même truc, un peu le même délire. Moi, je n'irai plus sur le groupe ou je créerai un autre groupe parce que ce groupe, il est. Et j'enlèverai la. Ouais, t'enlèves la meuf. C'est dommage pour elle, mais j'enlèverai la meuf. Trop de problèmes avec elle et avec sa daronne, là. Bon, bouge pas, Flo. Dites-nous si vous avez déjà. Vous aviez un groupe, vous avez envoyé une vidéo ou un message que vous avez regretté après. Il y a Blue qui dit, bah tu dis ouais, je me suis fait pirater. Pirater, mais ça c'est super. Ah non, on m'a piraté mon compte. T'es piraté, man. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oh, moi je me suis trompé, c'est un restaurant italien. Ah merde, on est bien dans un restaurant japonais. Allô, ça serait pour une commande à emporter, s'il vous plaît. Emporter, oui. Oui, à emporter, je voudrais un bukkake. Hein? Un boukake. Boukapi. Oui, boukake. Avec des nems aussi. C'est quoi, boukake? Boukake, c'est un truc avec beaucoup de sauce. Je sais plus exactement ce que c'est. Il y a beaucoup de sauce. Un menu M12. Il y a des trucs, c'est comme des saucisses. Des saucisses avec de la sauce. Mais beaucoup. Menu quoi? M12. Il n'y a pas M12. Ah, M2. Non, le S3. Toujours il y a un S3. Le S3. 69. M2. Je prends A8. Ou le 501. C'est elle, 501. Au travail où? À Boukake. Boukake. Menu là. Un menu, oui, menu Boukake. Un menu Boukake. Ouais. Menu Boukake. Avec une salade miso. Et des brochettes de soupe miso, pardon. Oui. Salade miso. On prendra une soupe miso. C'est pour emporter. Ouais, on va venir chercher. Ouais. Et des brochettes de soupe miso. Vous pouvez venir chez. On va se faire un petit Boukake ce soir. Bon, allez, vous nous attendez pour prendre la commande. On arrive sur place tout de suite alors. On attendra. On voulait juste savoir s'il y avait le boukake qui était dispo ce soir. Boukake, je connais pas. Non, mais c'est super un boukake. Ah, ouais. C'est comme des saucisses, mais il y a plein de sauce dedans. Il faut l'ajouter à la carte. Hein. Ah, ajoutez-le au boukake. Hein. Vous allez faire un carton. Dans le menu. C'est pour emporter. Ouais, non, mais on va venir. Annulez la commande, on arrive directement. Oui, ok. Oui. Et bon boukake à vous alors. Tu vois, tu voulais un boukake, Florent. Un boukake. Faut chercher sur Google. Ils vont rajouter ça à la carte. Hein. Ah, il faut mettre au boukake. Hein. Avec plein de sauce. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent avec plein de sauce. Un boukake. Bon, tu bouges pas, Flo. Et appelez-nous si vous avez été déjà dans le. T'avais un message que t'avais vu, Romano, qui était bien. Tu voulais le lire, c'est quoi? Ouais, c'est. Non, c'était le message de Blue, là. Je vous l'ai lu, là. Dire que ton compte a été piraté. T'es piraté, Flo. Tu peux dire ça, c'est vrai que c'est pas con.
Si on a d'autres solutions, on te fait signe. Hein. Dites-nous pour Flo. Et puis dans un instant, on découvrira les méthodes du clash. Bah oui, on va clasher ce soir. Ah bah évidemment, Et oui, les méthodes du clash. Et on reviendra à Flo. Et on parlera également de Quentin. Ah oui, Quentin, il a eu une très mauvaise surprise lors d'une rencontre avec une meuf. Mais il va nous expliquer tout ça. Vous restez bien sur Skyrock. Oui. C'est la plus grande radio libre de France. Et il faut qu'on appelle le premier verre de la soirée avant d'écouter les autres aussi. Hein. Oh oui. Et oui, Pamela est très excitée. J'ai les sourdes. J'ai la vulve très gonflée. Elle est gonflée. Comme celle de Marie. Oh. Non, elle est pas gonflée, elle ma chérie. Elle est énorme, alors. Oh, monsieur, merci. Elle est énorme. Vous parlez de mon chacha. J'ai une maxi-vulve. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, et on essaiera donc d'appeler Patou le pervers. Là, allez, préparez-vous. Cool. Moi les vieilles, c'est mon kiff absolu. Romano. Ou alors il faut peut-être passer les quelques années. Cédric. Je sais pas, respecte le frigo. Marie. Ouais, en ce moment je suis en forme. Samy. Ah, tu sais, on s'est pas dragué nous. Et Karim. Et après on fait l'amour. What the fuck. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, bon vendredi soir, la radio libre sur Skyrock avec dans un instant le retour de Flo. Flo qui a un groupe de classe sur Insta et pour déconner, il a envoyé un lien porno sur le groupe. Le problème, c'est qu'il y a la mère d'un pote qui est tombée dessus. Elle veut écrire au principal. Elle aime trop la blague. Non, elle est pas, elle est pas blagueuse. Non, elle a pas. Et puis elle aime pas le porno comme ça. Non, c'est bizarre, hein. C'est ça, elle est jalouse. Elle doit être jalouse. On en parle dans un instant. Elle est frigide. Oh. Et puis on va essayer d'appeler Patou. Patou, c'est un pervers qu'on a eu au téléphone. On va essayer d'appeler Patou et on fera écouter les autres pervers de la semaine aussi avant minuit car Pamela va tenter de serrer. Il y en a deux autres qui vont tenter de serrer, mais oui, c'est vous les beaux gosses, Romano et Cédric. Ouais. Évidemment, je m'adresse à vous quand je parle séduction, beauté, sensualité. Bah, beau gosse, je m'étais reconnu directement. Et drague, tout de suite. Eh bien, on parle du clash. Les méthodes du clash, on les découvre avant 10h30, là, tout à l'heure. Et sinon, là, on a une histoire avec une meuf, paraît-il, super chaude. C'est Benjamin qui nous a appelé. Non, c'est Quentin, tiens. Ouais, Quentin qui nous a appelé. Benjamin aussi, lui, il est en train de draguer des meufs chaudes sur les réseaux, comme nous avec Pamela. Quentin, qui nous a passé un petit coup de fil. Quentin de Perpignan, salut Quentin. Ouais. Yo l'équipe. Yo. Bah bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Bah, tranquille aussi, sois le bienvenu sur Sky, Quentin. Donc t'as 27 ans toi. Et tu voulais nous parler d'une petite story de cette meuf là chaude. J'aime bien quand on parle de sujets comme ça, c'est super les meufs chaudes. En fait, l'histoire c'est que moi j'ai 27 ans, j'ai rencontré une meuf le week-end dernier. Le truc c'est que je viens d'apprendre qu'elle en a 16 quoi. Ah oui, merde, alors je disais, j'aimais bien ce genre d'histoire moyen en fait. Moi, j'aime bien, moi. Oui, continue, vas-y. Mais tu l'as pas su au départ qu'elle avait 16 ans? Je savais qu'elle était jeune, mais je pensais qu'elle avait 18 ans ou tout dans le genre, tu vois. Et tu lui as pas demandé? Non. T'aurais dû. Après, voilà, ouais. Après, elle aurait pu te mentir aussi, mais bon. Oui, mais t'aurais dû quand même. Après, dans la soirée, comme ça, tu vois, sur le coup. Et c'est passé quoi entre vous? Bah en fait, moi, la soirée, je l'ai embrassée, mais là, on se parle vachement et tout. Je vois qu'elle est vachement intéressée, quoi. Mais bon, elle a 16 ans, quoi. Oui, t'en as 27. C'est ça le problème. Ah ouais, bah oui, c'est clair, oui. Ouais, je me dis, si c'était ma fille, tu vois, j'aimerais pas trop que... Voilà, quoi. Et quand est-ce qu'elle t'a donné son âge? C'est toi qui lui as demandé? Comment ça s'est passé? Je l'ai su, en fait, je suis retourné la voir avec un pote à moi, un ami à elle, en fait, qui est plus jeune, bah plus vieux déjà. Ouais. Mais du coup, en partant de l'avoir vu, je lui dis, mais en fait, elle a quel âge? C'est lui qui m'a dit son âge, en fait. Ah ouais. Et là, t'as fait quelle gueule? Enfin, tu t'es pas vu, mais j'imagine. Comment tu t'es senti? Pas joli, quoi. Je me suis senti pas très bien, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi, toi, quand t'as savoir, je sais pas, ça le fait pas, non? Non, ça le fait pas. Ou pas, quoi. Non, je pense que ça. On te confirme que ça le fait pas, non? Ça le fait pas trop. Ouais, c'est bien ce que trop. Tu pensais. Non, mais elle a 16 ans, si elle est ok, c'est pas illégal. Elle est ok, mais après, le feeling passe bien et tout, tu vois, c'est ça qui est un peu. Parce que je crois que c'est pas illégal. Au-dessus de 15 ans, t'as la majorité sexuelle, je crois que c'est pas. 15 ans et 3 mois, je crois. 15 ans et 3 mois, ouais. Oui. Marie a la raison. Après, par contre, si t'as un problème avec les parents et si les parents décident de porter plainte contre toi pour détournement de mineurs, à mon avis, c'est chelou un peu, quoi. Faut pas qu'elle découche déjà, ouais. Par exemple, pas qu'elle découche, ça c'est sûr. Ouais, ça par exemple. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez avec votre appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Est-ce que ça vous. Je sais pas, vous seriez à la place de Quentin, vous continueriez l'histoire ou vous arrêteriez l'histoire? Moi, j'arrêterais direct. Moi. Ah, pareil. Ouais. Étonnant, Cédric. Je te jure, t'as changé, dis donc. Ah, même je suis en galère gauche, moi. Trop vieux, oh là. Ah, d'accord, non, vu comme ça, ouais.
Ouais, donc tu vois, quand t'as les messages que vous nous envoyez, Jam qui nous envoie un message et qui nous dit oula, arrête tout de suite, tu vas te retrouver dans la merde, en mode pédo, fais gaffe. Il y a Direct qui nous envoie un message lui aussi qui dit oulala, moi j'arrêterai tout de suite. Enfin, c'est un malade de se poser la question, je dis stop là tout de suite. Joris, 16 ans, qui nous envoie un message. Tu vas te faire traiter de pointeur, nous dit Miss du 93. Ah, ton surnom, il est déjà traité pas, toi, ils vont taper comme ça. Oui, ou pédo d'ailleurs, parce que j'ai Sam Pro là, derrière, il me dit. Ouais, il y a plein, Marc Dutroux. Ouais, voilà, Marco. Bon, après, il y a d'autres messages. Il y a Twikey, là, qui nous laisse un message, qui dit, moi, j'ai rencontré ma copine, elle avait 16 ans et demi, j'en avais 27, et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et love de ouf. Ouais, c'est pour ça que je disais que ça peut aussi bien se passer. Mais bon. À première vue. Sur le papier, c'est compliqué, quoi. Ouais, sur le papier, c'est compliqué. Après, tu vois, c'est pas t'as pas l'impression d'avoir trouvé l'amour de ta vie, non plus, Quentin. Non, du tout. Ouais. Du tout. Et après, elle te pourrait te faire du chantage. Méfie-toi. Ah, tu vois, c'est Steve. C'est ça que je me dis aussi, quoi. Après, je me méfie vraiment vachement. Mais toi, c'était quoi? Tu voulais juste la ken? Non, ouais, à la limite, dans l'idéal, ça aurait été pas. Mais maintenant que je connais ton âge, c'est chaud. Ouais, maintenant, ça t'a refroidi un peu. Ouais. J'allais te demander si ça te bloquait pas un peu. Ouais, carrément. Ouais, maintenant que tu connais son âge, t'es un peu bloqué sur l'histoire. Ah ouais, complètement. Elle veut qu'on se voit et tout. Moi, je fais galérer exprès, tu vois. Mais ça m'a bloqué complet, quoi. Je me dis. Attention à Perpignan, il y a des trucs, hein. Mat 66, qui nous dit, il m'est arrivé la même chose. Je suis de Perpignan aussi. Et j'ai arrêté direct la story. On peut vous donner l'exemple de la Marie, hein, qui, à 15 ans, sortait avec un mec qui avait 11 ans de plus que toi, c'est ça, hein. Donc, bah non, 10 ans, on a 10 ans pile 10 poil ans. De... D'écart. Voilà. Bon. Après, elle fait les 17 à la fin du mois, mais c'est chaud quand même. Ouais, mais bon, ouais. Elle reste mineure. Ouais, elle non, pas, c'est ouais. Ça. Et elle en dit quoi de cette histoire? Parce que c'est marrant ça, d'avoir son avis, elle. Elle veut qu'on se voit et tout, j'en ai pas vraiment encore parlé. Peut-être que ça me gênait de fou, tu vois. Ouais. Ah bah ça... Je sais pas trop comment dire, tu vois. Des meufs, tu vas en trouver d'autres, Quentin. Hein? Ouais, ah oui, non, ça c'est pas le souci, quoi. Bon, bah si tu trouves d'autres meufs, écoute, ça devrait. Moi j'irai sur une autre. Ouais, je te dirai. Une autre, ouais. Ouais, moi aussi. Je dis comme ça. T'emmerdes pas. Ouais. Ouais, bon, plutôt sur une autre. On va faire ça, alors. Non, mais si vous avez des réactions là-dessus, si vous avez. Tiens, Pimous qui nous dit moi j'ai connu ma femme à 16 ans, j'en avais 24, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Non, mais il y a des histoires qui se passent bien, hein, quand c'est pas interdit. Hein. Mais. Ouais, je me doute. Après, le feeling est bon quand même, tu vois, elle est vachement mature et tout, mais. Ouais. Compliqué, quoi. Écoute, Quentin, t'as eu l'avis de l'équipe et puis l'avis des auditeurs qui est à peu près le même que le nôtre. Donc, ouais, je crois que c'est réglé, quoi. Mais attends, on va prendre le témoignage de Jérôme. Jérôme en direct du 78 qui est en ligne avec nous. Salut, Jérôme. Beuillant. Oh, comme il était joli, ce beuillant. Beuillant à toi. Il était beau. Non, mais il est venu de loin. Il était. Je voulais le lâcher. Ah, écoute, tu l'as bien lâché. Non, mais bien. Non, mais t'as bien fait de nous lâcher ce très beau beuillant. Ah, il est pas mal, tu l'as bien fait. C'est vrai, il était mignon. Eh bien, bon, ça va, famille? Beuillant, et toi, comment ça va? Bon, impeccable. Bon, c'est gentil de nous appeler, gentil de filer un petit coup de main à Quentin. Donc, t'en penses quoi de l'histoire de Quentin à toi? Attends, je m'en rappelle plus trop. Parce que là, je suis un peu pris de court. Là. Bah, c'est. Quentin, c'est celui avec la meuf. Tu appelais pourquoi, Jérôme? La différence d'âge. Bah, la différence d'âge. C'est ça, c'est Quentin. Il avait 16 ans, et puis, enfin, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est Quentin. C'est Quentin, ouais, c'est lui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, moi j'ai rencontré ma copine sur un chat. Elle avait 16 ans et demi. Ah, ouais. Non. Des grosses chattes, moi. C'est bien, Marie. 16 ans et demi, t'avais quel âge, toi, Jérôme? 26, 27, un truc comme ça, tu vois. Ouais, la différence était la même, donc. Et voilà, et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 8-9 ans qu'on est ensemble, et puis on est heureux, quoi. Et au début, est-ce que ça t'a posé des. Ça t'a pas posé un problème quand t'as vu qu'elle avait 10 ans de moins que toi, ouais? Mon patron, il m'a dit, tu vas mal finir. Tous mes amis, tout le monde me disait, ça allait jamais marcher. Et puis, c'est leur couple qui se cassait la gueule, le mien, il a duré, quoi. Le tien, il dure, et les autres, c'est fini, ouais. Et par rapport aux parents, comment ça s'est passé? Ah non, oh, putain, au début, c'était mort. Un bordel. Oui. Ah oui. Mais les parents de qui? Les tiens ou les siens ou les deux? Mes parents, non, ils sont foutés. Bon, ils sont plus là maintenant. Ils sont partis. Mais à l'époque, non, ils me disaient, bah écoute, si t'es heureux, eux, ils étaient bien terre à terre, tu vois. Ouais, c'était plutôt les parents de la meuf. Du moment que je suis heureux, c'est pas un problème. Bon, ouais. Ils me disaient juste, fais gaffe quand même.
toi t'es normand, c'est une parisienne, ça va pas être le même type de vie. Ah, il disait pas, ouais, toi, c'était pas. Non, c'est juste. Toi t'as 27 ans, bon, elle en a qu'un. 16, elle avait 16, 17, 16 et demi, ouais. Elle en a 16, donc non, c'était. Ouais, elle est parisienne. Oh là, non, elle est normande et toi t'es parisien, c'est ça? Ouais, tu sais, les normands, quand ils débarquent dans la région parisienne, enfin dans les Yvelines ou Caucasse, à la base, t'es à Villiers-la-Coublée. C'est le débarquement. Quand tu débarques, enfin, normand débarque là-bas, à part les vaches, la campagne, il débarque là-bas, il est perdu, hein. Voilà, prenez ça dans la gueule, les Normands, voilà. Il avait pour les. Mais non, vous entendez comme ils sont? Mais non. Ah non, moi, mecs. Hey, justement, j'arrête pas de défendre la Normandie. Face à bah, ça. Tu la défends bien d'ailleurs. Mais, non, mais. Tu la défends pas mal. C'est ma vision à moi. Quand j'ai débarqué à Vélizy, j'étais paumé, des immeubles partout, des. Ouais. Donc, ouais, tes parents, c'était plus ça, tu vas sortir avec une parisienne, ça va pas le faire, ça va pas être bon, etc. etc. Ah ouais, ouais, bon, mais le fait, non, le fait qu'elle ait 16 ans, elle a foutu, elle a pas dérangé, ouais. Tiens, je vais. Non, mais c'est marrant d'avoir l'avis des parents, là. Je vais d'ailleurs demander si vous êtes parents, vous pouvez réagir, vous pouvez nous dire, mais je vais prendre un exemple au hasard dans l'équipe. Tiens, Cédric, imagine, Cédric. Ouais. Salut les filles. Salut Cédric. Oui. Imagine que ta fille, elle a 16 ans. Et il y a un mec dont elle tombe amoureuse. Bonsoir. Et le mec, il en a. Bonsoir. Ah, gentil, Le mec, c'est le fils de Romano et la gothique. Non, mais ce serait ton fils, Romano, avec la gothique. Et il a, non plus, non. Et il a 10 ans de plus qu'elle. Comment tu réagirais? Elle viendrait te voir, elle te ferait. Voilà, papa. Non, je ferais la morale. Je tombe amoureuse. Là, je lui ferais la morale et. Tu lui ferais la morale. Je ferais la morale. Ouais. Tu lui ferais la morale. La morale. Ah, bah, je ferais la morale, ouais, normal. T'es photo. Non, mais comment tu réagirais? Bah, je casserais les couilles, tu vois. Je dirais, ah non, tiens, ma fille, c'est pas possible. Mais tu réagirais vraiment comme ça? Ah ouais? Moi, j'y crois pas un instant. Ah, je te jure, gros. Ah, moi, je pense que t'irais choper le mec, tu ferais une crise de nerfs, tu hurlerais dans le quartier sous la fenêtre du mec. Non, je te descends, que je te casse la goule. Non, le mec, je tape un coup de pression, tu vois. Ma fille, non. Tape, tu vas voir. Ma fille, je lui explique que c'est pas possible. Terrorisé, le garçon, là. Je lui explique que c'est pas les mêmes délires, que le mec s'en bat les couilles, il va vouloir la niquer, la jeter en l'air, quoi. Mais là, tu réponds pas la vérité, Cédric, parce que moi, je te connais, tu ferais jamais ça. Mais t'es fou, c'est le haut mec, je vais taper un coup de pression, je vais l'insulter. Ah oui, quand même. Le fils de Romano, je le traite de tous les noms, par contre. Et après, son père, bah, donc moi, j'irai tabasser Cédric. Ouais, voilà. Comme c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Exactement. Bien, essaye. Mais ça, il préfère pas en parler parce que bon, ça l'a fait mal vis-à-vis du Ticard. Ouais, ok, ouais. Après, il y a plus de respect dans le Ticard, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et oui. Bon, bah écoute, merci en tout cas, Quentin. Donc, on te souhaite une longue pas Quentin d'ailleurs. Merci, Jérôme. On te souhaite une longue histoire d'amour avec ta copine. Maintenant, elle est majeure, tout va bien, hein. Ah bah oui, là ça marche maintenant. On a une maison, tout, on va un projet bébé, enfin. Vous avez un petit projet bébé, oh c'est mignon. Ah bah c'est beau. Le jardin, le chien, le chat, et voilà. Quoi. Voilà, famille, la totale, quoi. Bah écoute, t'embrasses tout le monde. Et Quentin, tu lui conseillerais de continuer cette story, ou alors comme c'est juste un petit coup rencontré en boîte? Je sais pas, comme moi j'ai fait. Ce que les gens pensaient, quoi, mais bon, je sens que ça a l'air très compliqué quand même dans l'histoire. Ouais, mais je pense aussi, Quentin, trouve-toi une autre meuf, ça sera beaucoup plus simple. Autrement, ça va te prendre la tête, sauf si c'est vraiment un coup de foudre, un coup d'amour, tout. Après, ça. Si ça accroche. Ouais. D'après ce que tu nous as dit, Quentin. Personne, et puis qu'ils y aillent, quoi. Enfin, moi, nous, franchement, on n'écoutait personne. On a fait. Et justement, ça nous a rendu vraiment très fort là-dessus, sur notre couple. Bon, bah en tout cas, c'est bien d'avoir témoigné. Merci à toi pour le coup de fil, Jérôme. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison dans 78, on t'envoie ça. Ah ouais, je l'attends encore l'autre. Hein. Ah, t'es déjà passé, t'as pas eu ton Cédric, t-shirt. On va te l'envoyer. Faut envoyer les t-shirts, Cédric. Bah, je les envoie, ma gueule. Et Quentin aussi, on t'envoie le t-shirt Sky à la maison. Ah, à c'est bon, nickel. Et voilà, je les envoie chez moi, les t-shirts. Ah ouais, j'en ai 300. Ah oui, donc il y a un problème. On va voir. Si vous n'êtes pas reçu, on va s'en occuper, là. Il y a des tournements de t-shirts, Cédric. Non, mais on en a la preuve. J'ai l'enregistrement. J'ai rien fait. On va envoyer ça directement à la police. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, on va prendre Maxime et dans un instant, donc on appellera Patou le pervers, un pervers qu'on a découvert, magnifique pervers Patou. On va j'espère le retrouver, on va arriver à l'avoir, et puis de toute façon, on aura les autres pervers à vous présenter avant minuit. C'est pour Pamela, c'est pour qu'elle arrive à séduire, et c'est pour vous prévenir des dangers des réseaux, parce qu'on peut tomber sur des gens un petit peu. Tout à l'heure, on a eu Gaël qui avait fait une rencontre déjà très 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 bizarre. On a démarré dans la perversion totale. Totalement. Le mec prenait du plaisir en chiant.
Ouais, c'est quand même original. Ça fait du bien de chier. Oui, bah tiens, Cédric aussi. Gaël recevait des coups de téléphone de mecs qui se branlaient au téléphone. Là. Bon, ben, pas tout dans un instant, mais juste avant, on va prendre Maxime. Maxime qui réside pour Flo, là. Maxime qui est sur la route et qui nous appelle de Poitiers. Salut Maxime, ça va? Allez, ouais, ça va, et vous? Bah écoute, ça va bien. On est allé dans un resto japonais pour demander un bukkake. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Oui, c'était pour faire plaisir à Florent qui envoie des vidéos sur le, des vidéos de cul sur le groupe. Hein, t'es là, Flo? Le problème, c'est que t'as une copine, sa mère est tombée sur le téléphone, elle est tombée sur la vidéo de cul en plus. Oh, c'était une vidéo assez soft puisqu'il y avait une meuf avec plein de mecs autour, hein, d'après ce que tu m'as raconté. En fait, non, je confondais avec une autre vidéo. En fait, c'est deux meufs et un mec. Oh, ça va. On reste dans le, soft là. Bon, la mère, elle l'a mal pris, elle veut avertir le bahut. Tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu voulais dire un truc, Flo, vas-y. Ouais, non, en fait, j'avais envoyé surtout parce que c'était le titre qui me faisait rire. C'était quoi le titre? Voilà, je viens de retrouver la vidéo et le titre, c'est Trois potes en soirée, ça tourne mal. Ça tourne tout court, même d'ailleurs. Ouais, trois potes en soirée, ça tourne mal. Et toi, Maxime, tu nous appelais pour donner un petit conseil à Flo. On a parlé de piratage, c'est revenu souvent. Il y a Blue qui nous laissait le message. Non, mais il y a Vivien également qui nous disait « Ouais, le piratage, ça peut marcher. J'ai dit ça à ma meuf pour une histoire de vidéo avec des potes. » Et elle y a cru. Bah regarde, Cédric, c'était bien fait pirater son compte Insta. Ah ouais, putain. Ah ouais, alors où ça en est, Cédric? Ah, mais c'est bon, j'ai récupéré mon compte. Ça y est, t'as récupéré ton compte. Ah ouais. Très bien. Et donc ouais, non, ça peut marcher, ça. Tu t'es fait pirater, Flo? Ouais, pourquoi pas. Ou alors, genre, c'est un pote qui a pris mon compte. Oui, c'est ça. Donc c'est un pote qui a déconnecté ton téléphone, qui a balancé le truc. Bon, après, la daronne, si elle va vraiment voir le proviseur pour ça, c'est vraiment une fouille merde, quoi. Ah ouais. Mais moi, je vois pas en plus ce que le proviseur va dire. Oui, en plus, c'est en dehors du bahut. C'est comme... ouais, je sais pas, tu voles un truc dans un magasin, tu vas pas aller voir le mec du magasin, il va pas aller voir ton bahut, dire ah, il a volé un truc. C'est un voleur, faites attention. Il va dire, bah, allez voir les parents, hein. Et démerdez-vous. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Qu'est-ce que tu voulais dire à Flo, toi? Bah, en fait, moi, j'ai une solution pour lui. En fait, tu vois, dans ton groupe, en fait, tu vois, faut que tu lui dises en privé ou en privé, tu vois, qu'elle supprime le lien que toi, tu as envoyé, en fait. Et que toi aussi, tu le supprimes et que tu préviens à tous tes amis qui suppriment le lien. Ah, comme ça, en fait, ouais, comme ça, en fait, quand sa mère, elle va aller voir le proviseur et qu'elle va demander à sa fille son téléphone pour essayer de retrouver le lien, en fait, elle le verra pas et elle va se comme une imbécile devant. Mais je crois même WhatsApp, c'est toi qui supprime, ça le supprime de la conversation. Et là, c'est sur Insta. Non, c'est pas vu. WhatsApp. On est sur Insta. Ouais, bien sûr, il peut le supprimer, il a plus longtemps dessus et après, il met sur le bouton corbeille et puis après, le type peut faire pas la même chose. Ouais, en plus, même Insta, c'est vrai au final. Bah, dis donc, c'est dingue qu'on n'y ait pas pensé. Heureusement que tu nous as appelé, Maxime, on est con, hein. Moi j'y ai pensé, j'avais une idée du coup depuis tout à l'heure et cette idée là, moi j'ai déjà vécu ce truc là donc. T'as vécu ce truc là comment? Il s'est passé quoi toi? Bah en fait nous moi j'étais au lycée dans un lycée de routier et en fait on a fait un groupe pour les devoirs quand il y avait des évaluations sur la mécanique d'un camion etc et tout. Sauf qu'en fait un jour il y a un gars qui a envoyé. Voilà, j'ai un problème au niveau de mon pot d'échappement moi. Merci, t'es pas dans le groupe Cédric. Non, du tout. Et en fait, on y a envoyé un lien, en fait, c'est YouPorn. Et en fait, c'était une fille, sa mère et son père, ils étaient juste à côté. Aïe. Et en fait, à ce moment-là, ses parents, ils ont pris le téléphone, ils ont regardé ce que c'était. Et à ce moment-là, on a prévenu la fille qu'il fallait qu'elle supprime le lien parce que les parents, ils voulaient convoquer tous les parents, etc. Par rapport à ça. Réunion parentale. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a dit, faut qu'elle supprime. Et en fait, quand les parents, ils ont été voir le proviseur, le professeur principal et tout, en fait, ils se sont sentis comme des cons parce qu'en fait, ils ont jamais trouvé le lien puisqu'il a été supprimé. Bah, tu vois, voilà pourquoi je ferai jamais de gosse. Pourquoi tu ferais jamais de gosse? Parce que, tu vois, je sais pas, mon gosse, il envoie une vidéo, j'ai une connasse de mère qui vient me voir, qui vient me casser les couilles. Tu sais, il y a une espèce de réunion d'organiser tous les parents. Oui, alors on va parler de la vidéo porno qu'a envoyé votre fils, monsieur Romano. Ouais, non, mais ou alors j'enverrai carriole, mais tu vois, ce genre de truc, ça le fera pas. Ouais. Non, mais ça sera un peu trop pour moi. Ou alors la meuf, je vais. Lui répondre salement quoi. Qu'est-ce que tu répondrais tiens? Pour donner des idées à ton père par exemple, Florent quand. Non, vraiment, mon père c'est lui il est champion dans ça. Donc, je vais juste raconter une petite anecdote. En gros, mon frère, il avait... Oui, mets-toi dans un endroit, on va pas comprendre l'histoire. Non, mais franchement, dans l'équipe, ça vous casserait pas les couilles, vous avez un gosse. Ça, c'est clair. Tu sais, il y a les parents qui viennent te casser les couilles. Ouais, tu sais, ou alors, il te faut une réunion, là, comme tu racontais. Genre, tous les parents, ils se réunissent pour parler de ton gosse. Ils vont critiquer, en plus, ton, l'éducation. Ils vont dire, regardez votre gosse, comment il est éduqué. Moi, il me dit ça, mais j'ai dit, t'as mis ta gueule, sale pute. Mais c'est sûr qu'il y a un parent, il va ça.
Ah, il y aurait mauvaise ambiance. Ah, Romano, c'est direct, quoi. Mauvaise ambiance entre les parents d'élèves. Ça, je suis pas très fan. Romano, comment il dit que leur gosse. Non, mais elle se fait traiter la merde depuis tout à l'heure. Ouais, c'est une balance. Qu'est-ce qu'elle peut pas se mêler de ce qu'il a regardé. Attends, genre, c'est de genre, tes parents, t'es daron d'un mec ou d'une meuf, et genre, il y a une daronne d'une meuf de la classe ou d'un mec, elle vient de voir, ouais, ton fils, il est super mal éduqué. Occupe-toi de ton cul, tiens. Est-ce que tu lui dirais ton célèbre nique ta race? Non, ouais, c'est Nick Taras, voilà, nique ta race. Non, faut quand même rester poli, tu vois. Mais non, mais tu seras daron aussi. Occupe-toi de ton cul, va éduquer ton gosse. Voilà, donc on reste poli, on dit, occupe-toi de ton cul. Non, je dirais, vas-y, mais occupe-toi de ton cul, et ton gosse, il fume du shit, tiens. Tu sais, je balancerai une saloperie comme ça. Mais le gosse, il aurait rien fait, le pauvre. Ouais, bah rien à foutre comme ça. Il se fout le bordel chez les autres, quoi. Non, mais, Maxime, t'as déchiré hein, sur l'idée de. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est l'idée la plus simple du monde. Ouais, ouais, y'a pas de souci. Bon, t'es content, Flo? Ouais, ouais. En plus, la fille, elle est sympa. Enfin, elle me veut pas de la merde, donc. Ouais, donc c'est sa mère, aussi. Ouais. Donc t'élimines mais la vidéo, contre... tout de suite. Ouais, Maxime. Ouais, mais par contre, il faut qu'il prévienne aussi tous ses potes qui suppriment, cette vidéo-là aussi. Hein. Revenir tout le groupe. Non, pas forcément virer tout le groupe, mais genre non, prévenir ses amis, prévient ses amis genre ouais, en privé ou... Chaque membre du groupe doit enlever le truc, ouais. Comme ça, au moins après, si admettons la mère, elle demande le téléphone de ses amis, ben ils vont remonter la conversation, elle trouvera pas le lien, donc forcément. Elle moi, va moi ça c'est pareil, en deux questions quoi. La daronne est bien toutes les preuves. Je veux le téléphone de votre fils. Et alors là, tu lui réponds quoi, Romano? Gentiment, sans doute. Je sais pas, j'ai dit. Va te faire enculer tu te le mets dans le cul. Voilà, c'est plus soft. C'est beaucoup plus soft. Après lui avoir dit, t'as vu ta gueule, sale pute. Voilà, et Paris, toi qui es daronne, tu t'es jamais embrouillé. Tu t'es retrouvé déjà des Ah bah moi, je me suis retrouvé une fois en conseil de discipline, s'il te plaît, mais qu'est-ce que j'étais morte de rire. Ah, tu riais, Marie. Eh, mon fils, il fume du shit. Ah, mais parce que moi, évidemment, je suis arrivé à la Il en vend bien. C'est génial. Non, c'était un conseil de discipline parce qu'ils faisaient les cons. Ils étaient quatre, ils faisaient les cons. Et en fait, le proviseur, il nous avait convoqué, mais tous les parents des quatre. Mmh. Et moi, je suis arrivé à la bourde. J'étais bourré. J'étais foncé. Sortais de teuf. Mais non, mais n'importe quoi. Il était 11h du matin. Excusez-moi, je suis un peu agité. Je suis sous extra. Ah, ouais, alors, il a fait quoi, le gosse? Et moi, je suis arrivé en courant et je vois la gueule de mon fils, là, cette tête de con, là, avec ses potes. Bah oui, t'es arrivé en retard et tout. Donc, j'explose de rire parce que je les vois comme des débiles. Donc, allez, les jeunes, on va fumer un joint pour fêter ça. Allez. Du coup, dans la salle de cours, donc, je rencontre les parents, tout ça. Donc, le proviseur nous dit oui. Salut, c'est pas les possible. Sorte de teuf. Il faut qu'ils se tiennent et tout ça, les déjà, enfants, non, machin. En retard, déjà. Et à un moment, il dit, faites rentrer les quatre. Faites rentrer l'accusé. Ouais, mais tu vois, les quatre comme les Dalton, tu sais arriver, mais moi j'étais morte de rire. Bah, du coup, ils sont pris un savon par le proviseur. Et moi, après, j'ai parlé avec une des mamans. Ah ouais. Mais c'est là où j'ai appris. Non, mais attends, non, pire que tout. C'est là où j'ai appris qu'en fait, mon fils. Qu'elle couchait avec mon fils. Ah ouais. T'imagines. Et que j'avais baisé avec son mec. Ah ouais. Mais non, n'importe quoi. C'est le père. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai découvert que j'avais un deuxième fils. Non, non. Elle me dit, mais ça sert à rien parce que vous n'êtes pas au courant, mais ils ont mis le feu chez le père de mon fils. Oh, bah ça les va. Deux. J'ai dit, putain, mais c'est la totale. Là, quoi. C'est génial. Vraiment, ils foutent le feu. Ah ouais, mais genre, tu t'es pas embrouillé avec, quoi. Non, non, je me suis pas embrouillé avec, du coup. Non. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut arriver, tu sais, genre, il y a deux, trois personnes qui se font choper. Et t'as une daronne ou un daron, il dit, ouais, c'est de la fausse de votre fils, il a une mauvaise influence. Mais les deux autres paires de parents, c'est à peu près ça, bah, quoi. Bah oui, bah regardez. Ah. Regardez dans quel état est la mère. Ouais, comment voulez-vous qu'il soit le fils, le pauvre? Non mais ça va, il y avait son père. Bon, en tout cas, merci Max pour le conseil. Ouais, conseil tout simple, mais bon, vous avez un petit souci, n'hésitez pas à nous appeler. Hein, 01 53 40 30 20. À Skyrock, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et la Sky Solidarité. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock, Maxime, à Poitiers. Merci beaucoup. Bonne route, hein, t'es dans le camion, là? Ouais, je suis dans le camion, là, je suis au niveau de Tours. Enfin, attention avec le camion, hein. Ça bouge, hein? Bah ça va, ouais, je maîtrise, hein. Ouais, bah j'ai du... Pour Marie, je fais une petite dédicace, j'ai que du pinard dans le camion, donc c'est à l'envers. Oh, ça c'est beau, ça. Oui, fais attention de pas les cacher. Tu sais que tu vas la serrer ce soir. Putain, t'imagines? Tu lui dis ça, tu vas la serrer ce soir. Bon, bah bon courage à toi, Maxime. Merci beaucoup. Bonne route. Salut à toi. Salut à toi. Ciao, prochaine. Et on va voir si Pamela arrive à serrer, là, maintenant, là, tout de suite. Et oui, on va essayer de serrer Patou. Allez, pas tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Bah, c'est branlé. Je te remets la photo. Okay. On a la photo de. Ah oui, on a la photo du zizi de Patou. Alors, sa teub, elle est plissée. Ah ouais, mais il a un problème. Hein. Et c'est un truc de fou. Tu lui as demandé si c'était sa teub normale. Il a le gland bleu. Tu lui as demandé notamment s'il était en érection. Oui. Ouais, c'est bien triste. Et il a le gland bleu. C'est vrai, Marie, il a le gland bleu vieux. Ah ouais, il est bleu. Non, mais c'est les plis, moi, sur la teub. J'ai jamais vu. Ah ouais, vu non, ça. Mais c'est un truc bon, de j'en ouf. Ai pas vu non plus des millions, mais. Oui, mais bon. Marie, t'as déjà eu un mec comme ça? Ah non, jamais, non, j'ai jamais eu ça. Comme un chien, le charpé. Pamela, tu es prête? Bah évidemment.
On va voir s'il est chaud ce soir. Pas tout qu'on a découvert sur les réseaux. Faites gaffe si vous traînez sur les réseaux. Allez, Patou. Pas qu'il va répondre, Patou. Pour filer un coup de main à Gaël. Bonjour, je suis chargé de vous dire que votre correspondant ne peut pas prendre cet appel pour l'instant. Il est avec sa femme. Néanmoins, je peux enregistrer votre message après le signal. À vous de parler. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonsoir Patou, c'est Pamela. J'aurais revu... Bon, on va peut-être refaire le message. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Pour réenregistrer votre message, tapez 1. Pour l'écouter, tapez 2. Voici le message enregistré. Oui, bonsoir Patou, c'est Pamela. J'aurais revu... Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Allez, Pamela, concentre-toi. Pour réenregistrer votre message, tapez 1. Au signal, veuillez enregistrer votre message, puis tapez dièse. Bonsoir Patou. C'est Pamela, on s'est caressé, c'était si bon. J'ai envie de recommencer ce soir. Je te rappelle un peu plus tard. Gros bisous, Patou. Oh. Voici le message enregistré. Bonsoir, Patou. C'est Pamela, on s'est caressé. C'était si bon. J'ai envie de recommencer ce soir. Je te rappelle un peu plus tard. Gros bisous, Patou. Oh. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Vous pourrez enregistrer votre message. Je vais retrouver le moment où il a craché. Ouais, on vous fera écouter ça dans un instant et on le rappellera avant minuit, Patou. C'est assez dégoûtant. C'était même complètement dégueulasse comme on l'aime. Allez, on s'occupe de Patou dans la soirée avant minuit. Mais là, on va s'occuper des méthodes de la drague, les méthodes du clash de ce soir avec Cédric et Romano, nos deux tombeurs qui sont arrivés avec des méthodes, à mon avis, qui déchirent tout. Je sens que ça va tout déchirer ce soir. Ça va être bon ce soir. Cédric, commençons par toi. Quelle est ta méthode, Cédric? Ma méthode, ce soir, je suis le directeur de l'aquarium de la ville. De l'aquarium. Et t'es le ton, non? T'es le ton de l'aquarium. Non, le ton, c'est Marie dedans. Mais j'ai reçu une belle réponse. Une espèce de petit con. Vous entendez comment il vous parle? Mais à vous, les femmes. Ah non, je parle à Marie, ce soir, pas à toutes les femmes. Stop à la misogynie. Stop à l'iso. Votez Romano. Ah non, c'est que pour Marie, hein, c'est pas pour toutes les femmes. Bah, je te souviendrai pas ce soir. Allez. Ouais, pas de problème, Marie, t'inquiète. Bien, ma belle. Dans la team Romano, nous sommes les deux. Cette semaine, j'ai reçu une belle raie et j'invite la femme en exclu à venir me caresser ma raie, quoi. Ça te donne envie, tout ça. De gerber, oui. Donc, la méthode de Cédric, l'aquariumiste. C'est ça. Et Romano, c'est quoi ta méthode? Bah, moi, je vais faire. J'espère que t'es pas déstabilisé par la méthode de Cédric de ce soir. Ça, tu vas loin dans le délire, quand même. Ouais, t'inquiète. Oh, je m'inquiète pas, non. Après avoir reçu sur du sang, je m'inquiète plus du tout. D'ailleurs, big up à Eldrick. Ah, c'est lui qui t'a envoyé la méthode? Ouais. Big up Eldrick. Bon, moi je vais faire une classique. Là en plus aujourd'hui il y a eu du vent un peu. Oh, défilé sexy. Non, pas du tout. Il y a eu du vent, j'étais derrière la femme. Elle n'a pas remarqué, mais elle a perdu sa culotte. À cause du vent. Ah ouais, c'est ça, quand il y a beaucoup de vent, la tempête comme ouais, ça, c'est vrai. Hein, et donc, avec l'odeur, j'ai réussi à retrouver le domicile, donc je vais lui ramener. Et puis avant de lui mettre un petit coup, quoi. Très bien, c'est les méthodes avec du clash de soir. Comment je suis hanté. L'aquariumiste d'un côté et la tempête et les culottes de l'autre. Ça va être pas mal à mon avis. Le clash arrive dans un instant. Préparez-vous. On s'en occupe. Enfin, vous vous en occupez, Cédric et Romano, des familles qu'on va appeler. Ouais. Alors, on va bien s'en occuper. Dans un instant. Ouais. Et dans un instant aussi. Oui, en plus du clash de la drague, il y aura Sébastien et son fantasme. Ah oui, on va parler du fantasme de Sébastien. Et puis des dingues sur lesquelles vous pouvez tomber. Les filles, ah oui, faites attention. Hein. Des dingues, on en aura plein, puisqu'on écoutera aussi nos pervers. Ah oui, ça. Quel beau vendredi soir, c'est magnifique. Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. What the fuck? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et Radio Libre avec le clash de la drague qui arrive. Oui. Le fantasme de Seb. Seb, il a un fantasme, c'est pas s'il doit passer à l'acte. On va en reparler avec lui dans un instant. Et attends, je crois que j'ai de bonnes nouvelles. C'est bon, Samy? Ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon. Pamela, viens voir. On a ton cum. Oui, je suis là. Il est là, le dégueulasse. Répugnant. Ah, super. Oui, super. On écoutera les pervers tout à l'heure, mais là, on a pas, je crois qu'on peut avoir Patou en ligne. Ouais, c'est bon, il répond en antenne, donc on va lui passer un petit coup de fil, Patou. Je prends le micro. Pamela, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonjour. Allô, Patou? Oui. Ouais, c'est Pam. Comment tu te souviens? On s'est parlé, on s'était caressé au téléphone. Ah oui. Ouais. Oula. T'as de la mémoire, toi, hein? Je t'entends mal, mon Patou. T'es où, là? Ouais, j'ai du mal à capter ici. Ah, mais t'as 2 minutes, là, pour caresser un peu? Oui. Ah, cool. Ah.
Oh, Patou, tu bandes? Oui, je bande. Ah, tu bandes déjà, cool. Oui. Ah, tu peux te décrire un petit peu physiquement parce que tu m'as pas envoyé de photo? Je suis brun. J'ai les cheveux bruns, les yeux verts, 1m75. Je prends 10 kilos. Ah, tu m'excites. T'as quel âge? Oui, 57. Ah, ouais, parfait. Ah, vas-y, Patou, dis-moi des choses cochonnes. Oui, j'écarte les cuisses. Ouais. Je rentre ma queue dans ma chatte. Ah, c'est cochon ça. Oui. Ah, oui. Oh, j'adore ça. Ah, j'ai envie que tu me branles super fort, super vite là. Ah, j'ai envie de t'entendre décharger. Oui. Oh. Oh, vas-y, je te mets des coups de rein là. Ah, ouais, vas-y. Oui. Ah. Oh, oui, oh, je vois être là. J'ai envie de te sentir en moi. Bon. Ah ouais. Ah, ah c'est bon. Tout est... T'es parti là. Tout est parti. Oui. T'as chuté où? Sur moi. Ah c'est bon. T'es où? T'es dans ton lit là? Oui. Ah ouais. Ah c'était bon Patou, tu m'as tué là. Ah j'ai joui. Ah. Je vais te laisser te suer Patou. Je te souhaite une bonne nuit. A bientôt, bisous. Bisous. Ah mais tu vois lui il est bien, il est pas chiant. Ah bah oui, on s'est un petit formé. Mais là t'as changé de voix d'un coup là. Excusez-moi, il est pas chiant. Ah il a une sacrée voix. Comme il jouit, ça c'est bien. Dégoûte ça. Oh ta gueule pas tout du dégoût. Ah ouais, non mais dégoûte. Dans ta chatte. Il est pas loin d'être celui qui dégoûte le plus. Et tout à l'heure, on l'a appelé, on n'a pas réussi à le joindre. T'as bien fait de laisser un message. Et là, on l'appelle, mais le mec, il est prêt direct. Hein. Non, mais pour un peu, il attendait le coup de fil. Écoutez le répondeur, le mec, il est tout taqué. Hein. Ah, il avait écouté. Mais genre, il se souvenait pas de toi au début. Genre, genre, il a des. J'ai pas le taille. Genre, j'ai trop d'appels, moi. Ouais, c'est clair, ouais. Il est très demandé, mais on le comprend tellement il est excitant. Il en a mis partout. Oui, c'est possible. Il nous l'a dit, j'étais dessus, là. Voilà, il a déjà des fans, Patou. Appelez-le tous les soirs. On va peut-être pas l'appeler tous les soirs non plus, mais on lui repassera un petit coup de fil. Quand vous voulez un petit coup de Patou, vous nous faites signe. Voilà, salut Patou. Ouais, c'était pour Gaël qui nous avait appelé en tout début d'émission. Eh ben voilà, t'es servi. Bah, c'est branlé le con. On avait promis à Gaël qui est tombé sur un type bizarre. Elle a pris un rendez-vous de parapente pour son mec. Et le mec l'a rappelé en faisant des espèces de gémissements au téléphone. Ouais, et puis le mec, il dit oh, excuse-moi, j'avais trop envie de chier. J'étais en train de chier. Il lui a dit mon téléphone s'est déclenché tout seul, par hasard. Et j'avais envie de chier. Non, mais c'est bien, il doit grave avoir des clients dans son truc de parapente. Il fait ça avec tous les clients. Ouais. Aux clientes en particulier. Voilà, donc ça c'était pas tout. Et c'est pas fini parce que tout à l'heure, on a d'autres pervers à écouter. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. En effet, c'est pas tout. D'autres pervers à écouter. Et d'autres pervers à appeler. Il va encore falloir séduire Pamela, mais tu es dans une forme exceptionnelle. J'espère que nos clasheurs, Romano et Cédric, seront dans la même forme. Toujours, toujours. Oh, Patou m'a bien chauffé là. Ah oui. Là, je suis brûlante même. Bon, on fait le clash dans un instant. Mais avant le clash, il y a Seb qui nous appelle. Ah oui, écoutez bien, Seb, on va parler fantasme avec lui. Seb qui est au téléphone avec nous. Salut Seb. Oui, salut du full. Ça va bien, Seb? Ouais, Seb. Ça va et vous? Écoute, ça va bien. Ça va. Bon, bah, c'est cool alors. C'est quoi le bruit derrière? T'es où? Je suis en voiture là. Ah d'accord, ok. Et c'est marrant, j'ai l'impression que t'es dans un bar, moi. Ouais, j'avoue, il y a du bruit derrière. Marie aussi, parce qu'elle a levé l'oreille, Marie. C'est comme les chiens quand ils entendent un truc. Je lève l'oreille. Alors, Seb, dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi, dis-nous tout. Bah dites-moi, en fait, je voulais parler de mon souci qui est mal en ce moment-là. Je voulais avoir les avis des auditeurs. Tu veux parler de ton souci de... qui lui arrive en ce moment. D'accord. Okay. Oui, parce qu'en fait, en ce moment... Je sais pas ce qui m'arrive, je suis attiré par les trans. Tu es attiré par les trans? J'ai un ami également qui... C'est Cédric. Ah, j'ai un ami qui est également attiré par les trans. Et pourquoi pas? Bah, après tout, il y en faut pour tout le monde. Pourquoi pas? Mais t'as oui. T'as le droit, ouais. Exactement. Voilà,
donc je voulais avoir les avis des autres producteurs, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi. Est-ce que vous avez déjà été attiré par des trans? Vous pouvez répondre tout de suite, appli Skyrock. Donc trans, c'est une personne qui a encore son zizi ou pas? Ouais. Non. Oui. Ah, ça dépend. Travesti alors. Ça dépend. Trave, ça, ouais. Non, trans, après, ça dépend à quel point il en est opéré. Ah tu oui, vois. C'est en cours de transformation, ça peut être. Donc, un trans, logiquement, c'est le corps, il est modifié. Donc toi, t'es attiré par quoi? Par un garçon qui est habillé en fille? Non, une femme avec un sexe d'homme. Ah, c'est une chimelle, ça? Une femme, non, c'est un trans. Une femme avec un sexe. Un trans. Donc tu veux des. Ah ouais, tu veux qu'il y ait des seins, toi? Voilà. Dessin avec une bite. Dessin avec une chimelle. Voilà, mais donc c'est un homme. Bien fait, ouais. Avec des vrais traits de femme, quoi, en fait. Bien fait. Qui a la une bite, en fait. Voilà. Sauf qu'à la base, c'est un homme. Mais toi, t'as 30 ans, t'as eu un certain nombre de relations sexuelles et amoureuses dans ta vie. Oui, pas mal. T'es sorti qu'avec des filles pour l'instant. Pour l'instant, oui. T'as jamais eu envie de te taper un mec? Non, jamais, en fait. Que les trans, en fait. Mais ça t'a pris comment? Voilà. Et les trans, ça t'est arrivé quand et comment ça t'a pris, oui? Bah ça m'a pris comment, en fait? C'est un ami à moi qui m'a proposé un site de rencontre. Ouais. Au début c'était pour les femmes, donc j'étais visité. Ouais. Et je sais pas, j'ai vu les catégories trans, j'ai cliqué dessus, j'ai vu des trans bien faits, j'ai dit bah pourquoi pas, j'ai essayé une fois, ça m'a plu. Mais je pense qu'il y a plein de mecs qui se font, qui découvrent les trans comme ça. C'est vrai que quand tu vas sur certains sites de cul, t'as la moitié de, enfin non, t'as les trois quarts de mecs. Après t'as sur ce qui reste, t'as la moitié de meufs et l'autre moitié qui reste, c'est les. Donc c'est des trans. Non mais c'est ça, t'as tout. Hein. Donc comme les meufs, t'en trouves pas beaucoup, tu te dis, tu galères. Hop là, à un moment, tu te dis bon bah il y a un trans, je passe de l'autre côté. Pourquoi pas? C'est ça qui s'est passé pour toi, Seb? Oui, c'est à peu près ça qui s'est passé. Mais depuis, j'ai goûté un trans, deux trans, j'ai vraiment pris goût, en fait. Ton délire, quoi. Et ouais, donc t'as kiffé. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à une meuf, par exemple? Puis si t'as déjà testé, t'as déjà fait l'amour régulièrement avec des meufs, qu'est-ce que t'as trouvé de mieux? Une bite. Exactement, c'est une bite, c'est le fait de la branler, de. Je non sais mais attends, c'est quoi? Tu te fais pénétrer par la bite, ouais. Ou c'est toi qui pénètre? Non, c'est moi qui pénètre. Ouais, mais donc c'est. Et la bite, t'en fais quoi alors? Tu la suces? Je la branle. Ah, tu branles la bite? Ah, tu branles la bite. En sodomisant le mec, quoi. Voilà, mais il y a plusieurs trans qui m'ont proposé de le sucer, mais j'ai toujours refusé. T'as pas voulu sucer? Ah. Non. Wow. Non, oui, donc toi, c'est vrai. Mais pourquoi tu. C'est quoi qui t'excite dans le fait de branler le trans? Tu sais pas? Non, je sais pas, franchement, c'est ça des psychologiques. Mais à ce moment-là, pourquoi tu tapes pas un mec? Parce que ouais. Ça fera la même chose. Tu pourrais le branler aussi, oui. Tu l'encules et tu le branles, sauf qu'il a pas de sein, quoi. Mais il a des moustaches. Oui. Non, ça me plaît un peu, en fait. La voix d'homme, tout ça, ça me plaît pas du tout. En fait, moi, c'est les traits de femme. Ouais, mais attends, par exemple, nous, regarde. Est-ce que Pamela est là? Oh, elle doit bien traîner. Pamela, viens voir. Allô? Bon, voilà, par exemple. Bonsoir. Ça pourrait le faire, oui. Là. Ouais, bah, calme-toi, c'est moi, c'est Romano. Regarde, je suis chauve, hein, je ne suis pas blonde et brune. Ah, ouais, il est chaud. Ah, bah non, merci, je passe mon tour, Romano. Il n'avait pas capté. Ouais, pour ça que j'ai bien fait comprendre. Et t'as une copine actuellement, Seb, ou pas? Oui, j'ai une copine, moi, actuellement. Ah, t'as une copine en plus? Et c'est un trans? Oui, j'ai une copine. C'est parce que moi, je m'attendais à ta réponse, ouais. Non, j'ai pas de copine, et j'avais déjà ce que j'allais te dire. Oh, c'est parce que t'as pas de meuf, t'es en galère et tout. Ouais, en fait, non, t'as une copine. Pas du tout. Ah, t'as une copine. J'ai une copine, oui, c'est bien ça le problème, j'ai une copine. Et ça fait longtemps que t'es avec ta meuf? Oui, ça commence à faire longtemps, ça fait 5 ans. Et avec elle, sexuellement, ça se passe bien? Tu prends ton pied, tu t'éclates? Oui, je prends mon pied, mais c'est en plus, en fait. Pas de bite à branler, ça. Si c'est ça ton truc. Non, mais tu peux toucher le clito, à la limite. Oui, mais bon, c'est quand même moins long qu'une bite, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai l'impression de prendre plus mon pied avec un trans. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a le côté nouveau et tout ça, et qu'avec ta meuf, c'est un peu la routine aussi. Ouais, c'est ça, c'est peut-être un fantasme. Je pense. Mais pourquoi dans ce cas-là, tu vas voir une autre meuf? Oui, c'est ça, je vais demander, mais pourquoi t'es porté sur les trans, du coup? Pourquoi tu l'as pas trompé avec une meuf? Je sais pas, trouver une meuf, t'as niqué, et puis voilà, quoi. Franchement, j'en sais rien, c'est l'effet de dégoûter, ça m'a plu, donc... Ouais, t'as aimé, quoi. Non mais après parfois, et tu sais, on choisit pas qui est-ce qu'on aime, hein. Enfin, tu vois, tu choisis pas si t'es homo, hétéro, bi. Non mais c'est vrai. Après t'as des personnes que tu rencontres. T'as peut-être des passages dans ta vie où tu vas tester un autre truc. Après tu te, on choisit bon, pas. Je pense oui, c'est quand même un minimum. Mais c'est une place qui me fait pendant je suis pas d'arrêter, en fait. Je sais pas, tu peux me présenter le plus beau trans du monde, je sais que je branlerai pas la bite. Ah bah ouais, c'est un mec. Je suis désolé, moi, en tout cas. Bah, non, mais après, je vais prendre un exemple, Romano. Te connaissant là, je vais prendre un exemple qui va te parler. Imagine, toutes les filles ressemblent à Cédric.
physiquement parlant. Ah ouais, putain. Parce que Cédric a des seins, Cédric a... beau gosse. Ouais, beau gosse, voilà. Voilà, toutes les filles, en fait... Bah, limite, c'est pas... Toutes les filles ressemblent à Cédric. Et à côté de ça, t'as un trans qui ressemble, je sais pas, à Cariole, mais il a une grosse, grosse, grosse bite. Mais énorme bite qui... Jusqu'au, il va faire mal au fait, jusqu'au genou. Tu choisis qui? Ah, j'en parle, je dis à Cariole, s'il te plaît, tu veux pas te faire couper le zob? Ah, donc tu choisis le trans. Ouais, mais quand il y aura plus de zob. Oui, mais tu choisis le trans. Ah ouais, mais tu te vois baiser avec des meufs qui ont la gueule de Cédric? Non. Voilà. Mais chacun son truc. Pff, t'as quoi que... Mais tu baiserais une meuf qui a ta gueule, Cédric? Bah ouais. Non, non, moi je baiserais la meuf sur Cédric. Ah, toi, tu baiser une meuf qui a la gueule qu'un trans. Tu baiser une meuf qu'un trans ou qu'un homme, gros. Eh ben écoute, moi je sais pas. Ah, mais s'il est tout opéré. Hein? Ah non, 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 je baisse Cédric quand même. Une meuf avec la gueule de Cédric, gros. Ah, si, non, si, moi je suis d'accord avec Karim, moi. Non, mais tu vas me dire, ouais. Cédric, on est deux à vouloir te baiser. Bon, vas-y. Allez, limite, je vous rejoins, mais je le baisse quand même. Ah, les trois, même. Je le baisse quand même. Je peux pas avoir sa gueule. Je suis sûr que ce soir, ça va être chaud pour mon cul, sinon. Ah, je suis le seul, je me retrouve tout seul comme un con. Allez, bah, on te laisse le trans, dis full, c'est cool. Musique bien, gros. Marie, tu prends quoi? Non, Romano, t'es avec moi. Non, non, moi, j'ai changé de camp. Ça marche pour les mecs. Je baisse Cédric en le, moi, j'ai dit. Ah ouais, non, pareil. T'es sûr, je vais pas garder ta première réponse. Ah, quand le vrai, toi, là. Il a dit non. Ah, laisse tomber. Ouais, bon, bah, Marie, ça marche pas pour toi. Bah, non, moi, ça fonctionne pas, là. Oui, ça fonctionne pas. Aïe. Écoute, Seb, si tu prends ton pied comme ça, le seul truc, faudrait pas que ça brise ton couple. Si t'es amoureux de ta copine, faudrait pas qu'elle soit au courant. Tu vas me dire, ça serait la même chose si tu te tapais des meufs, hein. Oui, voilà, mais j'essaye d'être discret quand même. Et les meufs, tu les rencontres? Enfin, les meufs, les trans, tu les rencontres où? Dans un site de rencontre. Mais c'est gratuit ou c'est des prostituées? C'est payant, c'est des prostituées, ouais, c'est des payant. Prostituées, ouais. Ah, tu les payes en plus? En plus, je les paye, oui. Ouais, bah au moins, comme ça, tu la trompes pas, enfin, tu la trompes pas vraiment. C'est, t'as pas de relation. Non, y a pas de sentiment, ouais, c'est une relation. Ouais, voilà, c'est pas de sentiment, c'est juste des ordres. Mais non, mais je pense, ouais, sauf pas qu'elle l'apprenne, parce que là, le choc que ça va lui faire, ouais, c'est assez clair. Ouais. C'est clair. Elle est cocu, en plus, tu vas l'expliquer, ouais, je me tape des trans, la meuf. Et est-ce que plus la bite est grosse, plus ça t'excite? Pas forcément, non, pas forcément. Non, pour qu'il y ait une bite et qu'elle bande, et voilà. Ouais, voilà. Et tu penses que tu iras, qu'un jour t'iras un peu plus loin, je sais pas, tu la suceras ou pas du tout, non? Non, pas du tout, non, je pense pas. Non, ça t'arrive pas, pas ton truc. Bah écoute, dis-nous ce que vous en pensez, tu voulais savoir quoi, toi, Seb? Tu voulais demander quoi aux auditeurs de Sky? Bah, si ça leur est déjà arrivé, puis bah, qu'ils partagent leur expérience. Bon, si vous êtes déjà arrivé à un truc comme ça, vous nous faites signe. Si vous avez, bah, en gros, on va faire, donc vous nous racontez pour les trans, tout ça. Mais tu verrais... même s'il y a un truc, à aucun moment, vous seriez dit, bah, je vais faire ça un jour. Et puis au final, ça vous est arrivé, vous l'avez fait, vous avez kiffé. Bah, dites-nous. Allez-y, 41-759. Vive avec un trans. Skyrock.fm et l'appli. Ah, Seb. Mais verrais vivre avec un trans. Non, je pense pas. Non, mais j'en fais ta vie, tu vois. Non, c'est juste pour baiser. Ouais, ouais. Et quand t'as joué. Non, franchement, parce que par rapport au regard des gens, j'aurais honte. D'accord, ouais. Oui, je comprends que ça fait. Mais après, bon. Ah, il y en a, c'est bien. C'est vachement. Faut vivre pour soi, faut pas vivre pour les autres. Non, mais comme tu disais, il y en a qui ont le visage vachement féminin. Tu sais, tu peux. C'est pour ça que j'avais pris le bel exemple. À la limite, un trans bien fait où ça se voit pas, où elle prend beaucoup d'hormones, oui, je pourrais. Ah ouais, ouais. Donc c'est vraiment ton truc. C'est marrant que t'aies découvert ça super tard, là. Juste sur un site. Donc racontez-nous, dites-nous si, c'est bon, si vous avez déjà fait ça, si vous avez envie de le faire, si vous branlez sur des sites où il y a des trans. Et puis s'il y a un truc dans votre vie où vous seriez dit j'aurais jamais fait ça, et puis au final vous l'avez fait, racontez-nous, voilà. Et puis on en reparle dans un instant. Tu bouges pas, Seb? Enfin, tu bouges pas, t'es en voiture, continue de rouler, parce que sinon, si tu t'arrêtes en plein milieu de la route, ça risque de faire ouais, ça risque de faire super. Bizarre. Et puis profite bien de ce grand moment, profitons-en tous. C'est parti, c'est le clash de la drague sur Sky. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Écarte bien tes fesses que je t'enfile. Mais t'es ouais, vas-y, attends. Comment tu parles à Diff? Je me mets en position. Non, c'est à toi que je parle, bébé. Oh ouais. Attends, moi tu parles. Mais ouais. Je vais t'en coller une. Oh là, nique ta race. Oh ouais, je vais niquer ta race. Nique ta race. Alors Cédric, ta méthode rappel là pour ceux et celles qui viennent d'arriver un petit peu à la bourre. Là, vous n'avez pas loupé le clash, c'est déjà essentiel. Ce soir, je suis le directeur de l'aquarium de la ville. Directeur de l'aquarium de la ville. Mais ouais. Alors, c'est un super aquarium parce que vous savez, il y a des aquariums avec des requins, des trucs comme ça. Et non, Cédric, tu as quoi dans ton aquarium? Eh ben moi, j'ai reçu une belle raie. Et j'aimerais bien que la femme de la famille vienne me caresser la raie, quoi. Mais s'il n'y a pas d'aquarium dans la ville. Voilà, ta gueule, nique ta race. Et si tu pouvais fermer ta gueule. Non, mais le mec, il va dire, mais il n'y a pas d'aquarium dans ma ville. C'est la ville d'à côté. Ta race. Allez. Donc ça, c'est la méthode de Cédric. Romano, rappelle-nous ta méthode. Moi, avec le vent, la femme devant moi a perdu sa culotte. Je l'ai retrouvée à l'odeur, donc je vais lui ramener. Et avant qu'elle la remette Et là, Karim, il va dire, et si elle n'avait pas de culotte? Elle a toujours eu des culottes, la famille. On appelle la première famille prise au hasard dans tous les annuaires de France. Allô, bonsoir, c'est Carrella, s'il vous plaît.
Pardon ? Est-ce que c'est Pierre ? Qui ? Mais qui le demande ? Parce que moi, je passe pas une personne que je ne connais pas. D'accord, voilà. C'est Michel, le directeur de l'aquarium de la ville. De l'aquarium de la ville ? Oui, et en fait, je t'explique, en fait, c'est j'ai une reçu... belle blague. Non, j'ai reçu une belle raie, là, cette semaine. Ah, c'est sympa. Et j'aimerais bien savoir si ta femme ou si Pierre pouvait venir me caresser la raie, ce soir. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Bah, écoute, oui. Ouais, c'est belle. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et bah, tu vois, tu vas te prendre une autre sorte de raie, je sais pas. Vas-y, j'écoute, là, je comprends pas bien la personne. Ouais, bah, tu la comprends très bien. Là, t'as galéré, là, un peu, là. Ouais. Bon, tu veux pas que je vienne et qu'on fasse l'amour, toi et moi, je sens qu'il y a un feeling qui se passe. Ouais, dingue. Allez. Super. Je crois que j'ai déclenché un truc entre toi et moi. Ah ouais, c'est top. Bon, bah, j'arrive tout de suite, alors. Ouais. Bon, bah, génial. Prépare ton anus, j'arrive, d'accord? Ouais. Finalement, c'est ta règle que je vais caresser. Avec la vaseline, tu vas voir. Ouais, t'inquiète pas, je viens avec la vaseline, les capotes, la totale. Super. Ah bah, tout de suite, bisous, mon chéri. À tout de suite, mon caca. À tout de suite, et voilà. Mon caca. Et voilà, ma gueule. Tu es sûr que tu as pas appelé quelqu'un que tu connaissais? À tout de suite. Non, allez, je connais pas. À tout de suite. C'est Michel. Je vais t'accueillir. Ah, j'arrive tout de suite. Ouais, à tout de suite. Et voilà. Le caca, c'est bon. Et voilà. Ah, tu termines avec ton slogan, tes slogans préférés. Ah. Le caca, c'est bon. Et là, un serrage et même un bête de serrage. Oh, la bête de serrage. Voilà, c'est la vérité. Voilà, et niquez vos races. On peut le dire. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, c'est bien voilà, ça. Voilà, nique ta race, Romano. Ta race. Merci. Attention, Romano, Cédric est en forme. On appelle ta première famille pour ton premier tour. Oui, bonsoir. Ah, oui. C'est Stéphane. Oui. Oui, t'as une femme. Vous êtes qui, monsieur? Je suis Jean-Louis, là, à l'appareil. Jean-Louis comment? Jean-Louis David, comme le coiffeur. Oui. Oui, et en fait, parce que t'as bien une femme. Et vous faites quoi comme métier? Eh bien, je suis coiffeur. Et en fait, j'ai un petit souci, parce que j'étais derrière ta femme cet après-midi dans la rue, là. Et avec le vent, il y a sa culotte qui s'est envolée, elle s'en est pas rendu compte. Elle a perdu sa culotte. Et à l'odeur, j'ai retrouvé le numéro. Donc je vais lui ramener, là. Stéphane? Vous êtes qui, monsieur? Oui, je te l'ai déjà dit, c'est Jean-Louis David, le coiffeur. Jean-Louis David, le coiffeur, donc je vais ramener la culotte de ta femme. Puis avant de lui remettre, j'y ferai l'amour. D'accord, Stéphane? Allez, repose-moi la question, mais vous êtes qui, là? Eh bien, je suis Jean-Louis David, et je suis coiffeur, incroyable. Mais vous faites quoi dans la vie? Je suis coiffeur, et je m'appelle Jean-Louis David. Ah, mais Jean-Louis comment? David. Ah, d'accord. Allô? Mais votre prénom, c'est... C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis, d'accord. Bon, vas-y, laisse tomber, c'est un lourdeau de la life. Stéphane, il y a Jean-Louis David, il trouve que t'es un lourdeau de la life. Ouais. Mec, il parle plus, parce qu'il a peur, évidemment. Voilà, il parle pas. Non, on parle pas. On parle pas. Ah, non, il parle plus. Ah, parle plus. Bon, je raccroche. Moi, je demande un remboursement de cet appel. Mais il est gratuit. Remboursement, vas-y. Bon, on passe au deuxième tour. Allez, Cédric, vas-y. Je te vois sourire avec ton visage. Ouais, ça fait plaisir. Et oui, on voit toutes tes dents. Mais grave. Tes 36 dents. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. David. Oui. Est-ce que David est là, s'il vous plaît? Oui, de la part de qui? C'est de la part de Michel, le directeur de l'aquarium de la ville. Oui. Merci vous. Beaucoup. L'aquarium de la ville de... Ah, de la ville, de votre ville, ma belle dame. Pardon? Votre ville, ma belle dame. Allô? Oui. Oui. En fait, je l'appelais parce que j'ai un petit truc sympa à lui proposer ce soir. C'est-à-dire? Je t'explique en gros, je vais te le dire à toi, ce sera pareil. Hein. J'ai reçu une belle raie, là, cette semaine, à l'aquarium. Et du coup, je voulais savoir si ce soir, tu voulais pas venir me caresser la raie, toi. Oh, c'est super drôle, celle-là, on me l'avait jamais faite. Bah écoute... au moins, tu pourras dire qu'on te l'a faite. Ah ouais, excellent, merci. Du coup, tu veux venir me la caresser ou tu veux que je voie avec David? Que je voie avec David. Passe-moi David, je vais voir ça avec lui directement. Oui, allô? Ouais, David, comment ça va? Ça va bien. Bon, nickel. Dis-moi, je t'appelle, là, je parle avec ta femme. Elle veut venir me caresser la raie ce soir. Vous êtes coiffeur? Non, du tout, je suis directeur de l'aquarium et j'ai reçu une belle raie, là, cette semaine. Ah, une belle raie, non, une poissonnerie, je veux bien. Mais... Bah, moi, c'est un aquarium, mon chéri, ce soir. Ah, bah, c'est dommage. Donc, du coup, elle va venir me caresser la raie, puis après, je lui ferai l'amour, tiens. Ah, bah, oui, bah, et puis ça l'occupera pour la soirée. Oui, bah, oui. On peut passer la nuit ensemble, hein, tu sais. Oui. All night long. Ouf. Baby. Oui. Et à la limite, si tu veux, je te ferai l'amour à toi aussi. Je te sens open. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça. Je te sens open de l'anus. Bah, j'ai... C'est oui. Vas-y, exprime-toi. Non, mais rien, non, mais bon. Bon, bah, j'arrive. C'est pour ça. Une caméra cachée au téléphone. Ouais, c'est ça, ouais, une caméra cachée. Ouais. Tu vois pas la caméra derrière toi? Ah non, non, bah non. Mais non bah. Là, elle est sortie du combiné, la caméra. Ah, t'as pas bon. Le wifi?
Non. Bon, ben j'arrive, ce sera plus simple. J'ai même pas le téléphone, c'est juste pour vous dire. Donc je raccroche. Hey, j'arrive à la baraque, à tout de suite. Non. Oui. À tout de suite. Ouais, elle a dit oui. Oh, bête de serrage. Ah ouais, bête de serrage. Non, mais dis fou, ou te fous de ma gueule, il a pas dit non. Attends, je donc il y a invitation. Je dis bête de serrage, Cédric. Non, mais il y a invitation. Oh, il nique ta race. Ah là, mais réponds. Tu te raccroches aux branches comme une guenon. Bah, t'as fait quoi, toi, pour faire appel? C'est rigolo, vous avez... Bah moi j'ai un serrage, une invitation. Hein. Ouais, bon. Ouais, bah c'est non, ça. Mais même deux serrages, moi je dirais. Non, le deuxième. Même non. Trois, on d'ailleurs. On peut dire, Cédric, que tu te démerdes pas trop mal. Mais le clash n'est pas fini, on est qu'au deuxième tour et Romano, t'as même pas fait ton deuxième J'espère tour. J'espère qu'il va me dire oui en décrochant, comme ça j'aurai directement serré. Voilà, bête de serrage. Mec, je dis je viens, il dit oui. Ouais, ok. La semaine dernière, t'as fait la même. Ça serre partout, la bête de serrage. Arrête, c'est vraiment une salope. Passer ta vie sur moi, c'est insupportable. Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Alain. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Très bien, c'est Jean-Louis là, l'appareil. On se connaît pas, mais en fait, d'Ivoire, cet après-midi, tu sais, avec le vent, j'étais derrière ta femme, et elle a pas fait attention, et il y a sa culotte qui s'est envolée. Allô? Oula. Là, c'est le vent, là. J'espère que tu vas pas te prendre un vent. Allô? Allô? Moi, j'ai que des vieilles familles ce soir, je vous le dis. Comment ça me. Ah, ben ouais, carrément. Allô, c'est qui? Alain. Je sais pas qui parle, ce con. Non, mais le mec est inintéressant possible. Il parle pas, il décroche pas un mot. Tu veux qu'on raccroche? Je peux éviter de me taper toutes les caves du. Non, mais c'est ouais. C'est au hasard. Cédric a fait le casting et puis après. Ouais, c'est bizarre. Lui, il a deux bonnes familles. Moi, j'ai deux familles, mais il est plus claqué du monde. Moi, je donne les familles à Samy. Samy, choisit. Bah ouais, j'appelle au hasard. Bah, choisis mieux, Samy. Et bientôt, tu vas te faire engueuler, Samy. Choisis mieux. On fait le troisième tour, Cédric. À toi. Ah, avec plaisir. À toi. Thierry? Ouais. Allez, mon Thierry, décroche et je te sers. Et puis voilà, je fais un triplé. J'ai vraiment une bonne famille, moi. Que je mette mon talent. Bonjour. Voilà, vous êtes en relation avec votre premier téléphone. Ah, bah là, c'est loupé pour le coup. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Allô? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Gérard. Qui c'est qui a l'appareil là? C'est Gérard au téléphone, c'est Michel. Michel. Michel, le directeur de l'aquarium de la ville. Tu vas bien? Directeur de l'aquarium de la ville. Ouais, je t'appelais là parce que j'ai un petit truc sympa à proposer à ta femme. J'ai reçu une belle raie là dans la semaine. Et du coup, je voulais savoir si elle voulait pas passer, venir me caresser la raie ce soir. Allô? Je comprends rien du tout. Je t'explique, j'ai reçu une belle raie là dans la semaine pour l'aquarium. Oui. Et du coup, je voulais proposer à ta femme de venir me caresser la raie. Ça pourrait être sympa, non? C'est un truc original. Ouais, bien sûr, c'est original. Je suis sûr qu'elle a jamais fait ça de sa vie. Ouais. Tu veux que je vienne à la maison la chercher? Bonne soirée. Allez. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Gérard? T'es de mauvaise humeur. Oh, la bête de serrage. Allô, GG. Niquez vos races. Fais pas la gueule, GG. Toi, tu niques ta race. T'as vu ce que ça fait d'avoir une famille claquée? Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un quatrième tour ou pas? Il y aura un quatrième tour. Ah bon, bah alors j'attends. Vous êtes en plein clash de la drague. Romano, est-ce que t'es prêt pour. On aura cette de famille appelée ou pas? Oui, ça va. Allez, celle que je me suis tapée, tu sais. Il nous reste sur des stocks alors, c'est bien. Romano, à toi, troisième tentative avec ta méthode. Rappelle ta méthode pour ceux qui arrivent. Bah, avec le vent, la culotte de la femme s'envolait. Et ouais, il y a eu du vent, la même. Gentiment, je lui ramène, tu vois. Mais c'est un concept. Avec le vent, les familles à te foutre dans le vent depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est bien, ouais. C'est vrai, Cédric. Et toi, tu prends l'eau. Ouais. Allô? Oui. Ne dis pas allô sur mes appels. Allô. Allô. Allô, Eric. C'est Eric. Voilà, bah le con. Ouais, elle a dit allô. Elle a dit allô. Parce que c'est lui qui dit allô avant. Alors, je rappelle les règles. Elle avait décroché. Non, mais t'as pas à parler sur mes appels. Tu me laisses faire ce que je veux. C'est mes appels. Tu l'as plus de nerfs. Faut te faire soigner des nerfs, mon gars. Je suis un malade, moi. Bah, je crois bien. Toi, j'ai fait en chaque carieux. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, bonjour. Voilà. Allô. Comment ça va? Comment ça va-t-il? Bah, ça va, mais qui vous appelez là? Eh bah, c'est toi que j'appelle. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Ouais, mais quel Jean-Pierre vous appelez? Ouais, bah, c'est toi, t'inquiète. Non, sûrement pas. Si, bah, attends, j'ai retrouvé la culotte de ta femme, elle s'est envolée devant moi ce matin là. Ouais, connard. Bah. Ouais. Donc, je vais venir dans 5 minutes lui ramener quand même. Ouais, va te faire foutre. Oui, merci. Mais je pourrais lui faire l'amour quand même? Ta gueule est con, moi. Bah, je viens ou pas? Parce que je prends mon rappel. Tout de suite? Ouais. Il y a un quatrième tour, il prend son rappel. Bon, j'adore. Façon, les familles, elles disent pas connard, elles disent connard. Ouais, c'est connard. Et elles disent pas va te faire foutre, elles disent va te faire foutre. Va te faire foutre. Et va te faire foutre, connard. Alors, tu prends ton rappel, Romano, voir si c'est la bonne stratégie. C'est vrai que t'as encore un rappel. Allô? Non, ouais, mais Jean. Putain, mais c'est. Allô, Jean-Pierre? Jean-Pierre?
Et voilà, mais voilà. Ah ouais, voilà. Alors là, c'est vraiment chill. Ouais. Il le fait exprès. Ouais, déjà, t'aurais pas dû avoir cet appel-là parce que la famille d'avant, elle a dit allô. Oh, non, c'est toi qui as dit allô. Ah bah non, mais là, moi, j'en ai marre. Alors, on n'intervient pas sur les. Je vais être intransigeant et inflexible. Romano ne parle pas sur les appels de Cédric. Ah, mais Cédric ne parle pas sur les appels de Romano. Ouais. J'entame jamais les coups de fil de Cédric. Et, non, et je rajoute, on ne dit pas allô. Putain, mais vous êtes grave. Si, là, tu vas pouvoir dire allô, Cédric, parce qu'il va plus dire allô. Tu dis allô parce que c'est ton tour maintenant. Non, mais j'ai dit allô tout à l'heure parce que ce con, il parlait, racontait sa vie alors que la famille, elle avait décroché. Mais ça, j'étais pas demandé d'aide. Non, c'est pas je pas, je ne veux pas de ton aide. Ça part d'un bon sentiment. Mais bon. Dernier tour, Cédric. Allez, vas-y. Quatrième tour. 1, 2, 3, 4. C'est ça. On va chez qui? Chez Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine, sera pas chez lui. C'est le répondeur de Marc-Antoine. Voilà. On va chez qui? Chez Franck. Bon, ce soir, la team Romano, vous entendez, tout est fait pour que je perde. Allô? Oui? Oui, bonsoir, comment ça va? Xavier. C'est vous êtes qui, monsieur? Je suis un ami de Xavier, il est là? Vous êtes qui? C'est Michel, le directeur de l'aquarium. Michel, le directeur de l'aquarium. Oui, je voulais prendre de ses nouvelles. Il est là ou pas, Xav? L'aquarium de où? Bah, l'aquarium d'à côté de chez vous, là. L'aquarium à côté de la maison. Ouais, justement, c'est pour ça que je voulais lui proposer un petit truc sympa pour ce soir. Ah ouais, quoi? Bah, en fait, je t'explique, j'ai reçu une belle raie là dans la semaine. Non, déjà, vous me tutoyez pas, vous me vouvoyez, on n'a pas élevé les cochons ensemble, d'accord? D'accord, excusez-moi, je vais vous vouvoyer. Ouais, donc, ouais. Je te disais. Non, vous! Ah, excusez-moi, donc, vous. Qu'est-ce qu'il est con? Oh là là, je vous disais. Ce soir, je voulais vous inviter, parce que j'ai reçu une belle raie là dans la semaine, et du coup, je voulais que tu viennes la voir. Et que tu me la caresses un petit peu. Que je vous la caresse? Ah non, franchement non. Des petites bites, moi ça m'intéresse pas. Oh. Ah bah non, elle est grosse en plus. Ah non, non, franchement non, ça m'intéresse pas. Dit, par contre, vous avez pas autre chose à foutre que d'emmerder le monde? Bah non, je voulais venir te voir, ma chérie. Vous voir? Ouais, bah viens, viens, je te jure, viens me faire plaisir. Ah bah écoute, j'arrive là dans 5 minutes, contre, ma chérie. Par contre, n'oublie pas que comme je suis infirmière libérale, ma ligne est sur écoute et que ça va à la gendarmerie. Ah d'accord, c'est sympa ça. Ouais, je te jure, tu vas être content quand tu vas aller voir des boulets. Eh, tu m'as tutoyé là? Ouais, bah ouais, je te tutoie, parce que des merdes comme toi, moi je les tutoie. Oh bah, t'es méchante là, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que j'arrive dans 5 minutes, ma chérie, je vais te calmer viens, un petit peu. Viens, tu vas prendre un petit cachet, vu que t'es infirmière, histoire de te calmer un peu les nerfs, ouais, après je te ferai l'amour. Viens. Je vais te faire l'amour, ça va te faire du bien, d'accord? Ouais, mais viens. Et puis après, je te dis, je t'attends, viens. Je ferai l'amour à Xavier aussi, tiens. Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison, ouais. Je vais te mettre ma grosse seringue dans tes fesses, tiens. A tout de suite. T'es une nouvelle copine, Cédric. Et voilà. Ah ouais, ça. Sympa. Et tu sais où tu vas dormir ce week-end? Un petit tour à l'hôtel de police. C'est ça. Puisqu'on est directement écouté chez les gendarmes. Non, mais tu sais que là, tu l'as coupé, mais il allait dire voilà, bête de serrage. C'est pas vrai. Bien sûr, attends, t'es fou ou quoi? Viens, la meuf aime bien. Alors, attention, Romano. Non, mais t'es jaloux, Romano. C'est maintenant. T'es jaloux, Romano, l'a dit Cédric. Jaloux de. Bah, de ce que je dois être jaloux de quoi, là? Bah, de mon serrage. Mais t'as pas serré, gros. Dernier tour. Il y a Boulou qui est très content de ton appel. Allô, allô. Jean-Jacques. Allô. Oui, bonsoir, c'est la femme de Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Oui. C'est de la part de Jean-Louis. De la part de Jean-Louis. Eh oui. Allô. Ouais, Jean-Jacques. Oui. Oui, comment vas-tu? Ça va. Tu sais que j'ai croisé ta femme aujourd'hui? Oui, c'est possible. Ouais, et avec le vent, elle s'en est pas rendue compte, mais il y a sa petite culotte qui s'est envolée, dis donc. Ah bon? Ouais, donc je voulais lui ramener ce soir. Ouais? Ouais, je peux passer dans 5 minutes? Bien sûr. Bah ouais, et puis avant de lui remettre, je lui ferai un petit câlin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, évidemment. Je lui titillerai les orifices. D'accord. Bah, et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, toi t'enlèveras ton slip et je te la mettrai dans les fesses aussi. D'accord. Bah voilà, bah parfait. Cool, je suis là dans 5 minutes, ma poule. Ok, ça marche. Ah, tout de suite, bisous. Bisous, et là, et bim. Et là, et bim. Et boum. Alors, pour résumer le clash de la drague, il y a eu, oh la bête de serrage. Et là, et là, et maintenant, il y a, et là, et bim. Mais qui va gagner le clash de ce soir? Et là, et bim, voilà. Ou alors, oh la bête de serrage. Qui c'est qui va gagner? Bah moi, deux serrages, une invitation. Sur quatre appels, je trouve deux ça serrages, plutôt pas mal. Deux serrages. Bah ouais, deux serrages, une invitation, ouais. Ma gueule. Pour ça, votez Cédric, c'est EDLC. Je vous aime très très fort ce soir, on peut le baiser bien fort. Voilà, et niquez vos races. Non. Bien sûr. Ah non. Et Romano, ta déclaration? Eh bien moi, malgré toutes les embûches qu'on a mis sur mon chemin de la victoire, j'ai fait un magnifique serrage in extremis là, sur le dernier tour. Bim, un magnifique serrage et bam, mais boum. Eh bien ce soir, mes amours, il faut voter Romano. Alors vous votez bim, bam, boum, ou alors vous votez voilà, bête de serrage, à vous de choisir. Vous votez Romano ce soir parce qu'il y en a marre des mythos de Cédric. Vous votez bim.
Et en votez plus, Romano, R-O-M-A-N-O, et en plus, il a mal parlé à vous, les femmes, à votre représentante. Ah non, juste à Marie, pas à toutes les femmes. Stop les misos, stop les mythos, votez Romano. Mais c'est toi le gros mytho, allez voter Cédric, la famille. Bon, départagez-les, départagez-les. Les résultats des drague arrivent. Ouais. Bah, dès qu'on est prêt, d'ici 5 minutes, vous finissez les votes. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, on vous donne les résultats du clash de la drague. On va revenir également à vos fantasmes avec des réactions, tiens, qui arrivent. Réaction de Tania. Alors, Tania, fille, garçon, parce qu'on parlait des trans il y a un instant, bah, on va tout savoir. Vous restez bien sur Sky. Cool. Moi, à 18 ans, j'étais avec ma main gauche. Romano. T'as même pas le volant, moumoute. Cédric. Started from the bottom. Marie. Hallucinant. Samy. Allez, votre métro, il est encore plus pété que le métro de Marseille. Et voilà. Et Karim. Moi, j'ai fait dans le même trou avec un pote à moi. What the fuck? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, tous les soirs, on est là, la radio libre sur Skyrock avec Pamela avant minuit, avec les résultats du clash de la drague dans un instant. Avec Sonia aussi qui va nous expliquer ce qui s'est passé après 5 ans d'amour avec son chéri. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans? Vous dites ça, c'est une histoire, ça va durer toute la vie, tout ça. Ben, on va voir, peut-être. Sonia débarque avant minuit sur Skyrock. Et là, on a qui au téléphone là? Qui est au téléphone avec nous? Ah, bah oui, c'est Seb. Seb qui est qui est bien avec sa meuf. Ça fait un petit moment que t'es avec ta meuf, Seb. Bon, ça se passe bien entre vous. Ouais. Faites l'amour, tout ça. Mm-hmm. Et puis, t'es allé draguer sur les réseaux. Et puis, trouvant pas de meuf, tu t'es tapé un trans. Voilà. Et là, il se trouve que ça t'a plu. Exact. Une passion est née. Oui, puisque t'en as eu sept, tu nous as dit. Hein. Et donc, on peut dire ça, oui, c'est ça, sept. Et puis, tu nous as appelé parce que, bon, en fait, tu kiffes grave. Enfin, ce que t'aimes bien, donc, c'est qu'elle ait des seins et tout. Hein. Mais ce que t'aimes bien, c'est lui branler la bite. Voilà. Et ça te surexcite et tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah, parfois, on est excité par des trucs, on sait pas pourquoi. Hein. Mmh. Y a des trucs, Romano, que tu fais, tu sais pas pourquoi ça t'excite et tu trouves ça chelou. Bah, quand je sais pas, quand je bouffe le cul de carriole. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant d'être excité quand on bouffe un cul. Parce qu'un cul, logiquement, c'est un truc. Bah, non, c'est pas étonnant parce que tu lui fais du bien. T'es excité quand tu lui laisses la minette, alors. Bien le fion, moi. Donc, le fion, c'est pareil, si tu lui fais du bien, ça te fait du bien. Donc, on a. Donc, ça t'a un petit peu travaillé. Alors, on a au téléphone Tania qui est en direct du 91. Ouais. Salut à toi, Tania. Oui, mais bonsoir. Bonsoir, Tania. Salut, Tania. C'est sympa d'avoir appelé. Oui, bonsoir. Tu nous as contacté par Facebook, toi, Tania. Exactement, oui. Vous pouvez nous contacter par Snap, par Facebook, avec l'appli Skyrock. Enfin, il y a plein de moyens de nous joindre. Ouais. C'est sympa de nous avoir appelé. T'as entendu. Alors, toi, t'es transsexuelle, toi, Tania? Oui, je suis une femme transsexuelle, oui, exactement. Donc, femme transsexuelle, ça veut dire qu'au départ, tu étais un homme? Exactement, je suis une femme. Mais la voix, franchement, ça s'entend pas. Hein. Ah oui, oui. C'est pour ça que je précise. Et Sébastien, il est au taquet. Hein, t'as vu ça, Tania? Sur la béquille, le salaud. Et comment ça s'est passé dans ta vie, Tania? Merci déjà de m'avoir donné belle opportunité. Déjà, je vous adore. C'est gentil. Et toutes. Merci, Tania. Merci. Bisous. Bonsoir. Bah, écoutez, tout simplement, c'est que c'est à l'âge de 5 ans, en fait, ça commence comme ça. Il y a quelque chose qui se passe en soi. À 5 ans? Oui, à 5 ans. Et étant une famille très catholique, alors, donc forcément, ben, c'est pas ce qui se raconte en famille. Un péché mortel, oui. Voilà. Va des rétro, Satanas. Exactement. Donc, du coup, ben, ça commence, il y a un questionnement, et puis on se demande, c'est bizarre, mais pourquoi on ressent ça? Et à 5 ans, tu ressentais quoi à 5 ans? Ben, c'est que j'étais attirée ben, par les garçons, mais en tant que femme, en fait. Oui, mais à 5 ans, on n'a pas de... Moi, à 5 ans, j'ai envie de rien, moi. Enfin, je pense, je me rappelle pas, mais... Bah, après, ça dépend des gens, peut-être. Mais toi, quand tu dis que t'étais attirée par les... Donc, t'étais, en fait, c'est que, donc, t'étais un garçon. Quand je voyais mes oncles, quand je voyais mes oncles, grands basketteurs, etc., avec leurs femmes, et ça m'attirait, mais c'était pas du genre en tant qu'homme, en fait. C'est que moi, je me voyais, en fait, à la place de leurs femmes. Ah, tu te sentais femme, ouais. Exactement. Les petites filles qui sont princesses et qui veulent trouver leur prince charmant, toi, tu te sentais princesse, mais t'étais un petit garçon. Merci, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, le jour de ma première communion, c'était l'horreur, parce que le pantalon et la chemise blanche, etc. Enfin, c'était l'horreur. Et quand je voyais mes cousines avec une petite robe en dentelle, etc. Ouais, toi, t'étais jalouse. Voilà. Ah, tu voulais ta petite robe, toi. À chaque fois, les Noëls, les cadeaux. Oh là là, mais les cadeaux, c'était un enfer. Ouais, genre, toi, t'avais des voitures, t'aurais voulu avoir des poupées. Voilà. Ouais, toi, c'est un peu cliché, mais. Toi, t'en avais rien à foutre du camion de pompier, par exemple. Oui, ça fait cliché, mais c'est ça, en fait. Et tes parents, ils sont. Tes parents, ils se rendaient compte de ça? Tu leur disais ou pas? Ben, en fait, je pense que les mères, elles savent, mais elles se disent que, de toute façon, en grandissant, ça va changer. Ouais. Ah ouais, ouais.
Bon, enfin, en grandissant, ça va évoluer par la grâce de Dieu, en fait. Du coup. Ouais, ils se disent, donc, ouais, j'espère qu'ils. Oui. Pas parce que forcément ils sont bloqués là-dessus. Enfin, si ta mère, oui, peut-être, si elle était très catho. Mais peut-être, oui, pour ce. C'est, non, c'est pas facile, ça va pas être facile à vivre. Donc par rapport à l'éducation, par rapport à la religion, par rapport. Non, mais même sans religion, je pense que, tu sais, pour une mère, ou même pour un père, ça doit être difficile à admettre qu'il y a eu un problème, entre guillemets, d'enveloppe. Ouais, exactement. Même moi, si j'ai un enfant de demain et que mon enfant me sort sain, je pense pas que je dirais alléluia. Mais par contre, je pense avoir l'intelligence de savoir de le comprendre. Oui, parce que tu l'as vécu, toi, en plus, oui. Justement, je l'ai vécu. Donc il y a l'accès de religion, et quand on grandit, justement, après justement on grandit, on se formate d'un corps d'homme. Donc ma mère aime au basket, etc. Dans les arts martiaux, etc. Tu choisissais des sports super adaptés à ce que tu avais envie, a priori. Et du coup, j'étais tellement féminine que même le prof de sport disait ah non, mais arrête tout de suite. Ici, c'est pas. Non, c'est pas pour lui. Pop-up girl, toi, tiens. C'est pas pour lui, c'est ça. Tu apprends les pop-up. Mais quand t'as eu ton adolescence, quand t'as eu, je sais pas, 12-13 ans, que t'as commencé à avoir des envies, t'avais envie de quoi et tu te sentais quoi? Ben, en fait, c'est que. Je souffrais, en fait, de ça, parce que j'en ai parlé à personne. Donc, en fait, je souffrais. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu aussi les gens qui me voyaient très féminine. Alors, donc, forcément, oui, ça passe un petit peu, etc. Enfin, voilà. Mmh. Et dans la famille, à l'époque, t'avais personne à qui en parler, à qui te confier J'avais personne, parce que moi, je suis issue d'une famille très catho. Donc, c'était assez tabou, ce genre d'en parler sujet. Aux parents, tout ça, c'était pas possible. Non, voilà. Peut-être un bon pote ou une bonne copine. Ouais, ouais, non, j'avais pas tonton ça, justement. Mais par contre, j'avais des amis qui, sans que je leur en parle, ils savaient que j'étais une femme, en fait. Parce qu'ils me considéraient comme telle, en fait. Ouais, ils savaient que c'était ton truc. Jamais, oui, c'est ce que tu dis. Jamais non, mais puis tu devais avoir le comportement, en fait. Oui, d'une femme, quoi. Exactement. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'en fait, t'es un garçon, mais super maniéré, enfin, comme peut l'être une fille parfois. Non, il faut pas me confondre maniéré des homosexuels efféminés et une femme, en fait. Ah, t'étais pas comme ça, moi je t'imaginais comme ça, tu vois. Non, c'est pas maniéré, mais en fait, dans la réflexion, dans la posture, les trucs dont tu avais envie, ce qu'on disait tout à l'heure, tu jouais plutôt avec des poupées, quoi. Justement. Les jambes comme une femme. Parce qu'en fait, c'est que les clichés, c'est que quoi? C'est que on associe mais facilement les femmes transsexuelles aux homosexuels efféminés, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Non, parce qu'un homosexuel efféminé, il est garçon. Mais ils cherchent des garçons. Toi, t'étais dans ta tête, c'était plus un problème d'identité sexuelle. Tu te sentais femme alors que t'étais un garçon. Mais jusqu'au jour, j'ai rencontré un médecin justement à Suresnes qui m'a expliqué que justement, que j'étais une femme, enfermée dans un corps d'homme, et que je souffrais en fait de ce qu'on appelle la dysphorie du genre, qui est une maladie en fait, mais pas une maladie, mais dans le sens péjoratif en fait. C'est naître dans le mauvais corps, ça existe. Ouais, c'est la mauvaise enveloppe. Ouais, c'est ça. Exactement, mais ça fait plus de 30 ans que ça existe en France. Mais c'est pour ça, des fois, quand j'entends les personnes parler des transsexuels, non, il n'y a pas que ça. Il y a des femmes transsexuelles avocates, étudiantes, des professeurs, et je pense que la première femme transsexuelle en France, c'est Coccinelle ou une autre personne. Donc, du coup, les femmes transsexuelles, c'est pas juste ça reste un fantasme encore. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on parle des transsexuels, t'as raison, hein. Ouais, chaque fois qu'on parle de transsexuels, on pense à pute, nous. Ouais. Enfin, pute justement, ou. Toi, tu n'es jamais prostituée. Mais c'est pas de votre faute, en fait. Parce que la société est française. Le veut, en fait, ainsi. Française. Oh, c'est un peu la société. Oui, c'est un peu dans le monde entier. Quand vous partez à l'étranger, excusez-moi, mais quand vous partez à l'étranger, la femme transsexuelle est considérée, notamment par rapport à ses papiers. C'est changé de suite. Mais ici, c'est long, c'est une procédure. Ouais, ça, etc. C'est vrai. C'est vrai que ce que tu dis, quand on va en Thaïlande, par exemple, les transsexuels, t'as pas intérêt de les. D'abord, elles peuvent te mettre une et là, tu te retrouves par terre. Fondamentalement, ils taillent les transsexuels. Et puis, non, mais il faut pas les critiquer. Ah non, là-bas, c'est considéré exactement comme un mec-meuf en France, tu vois. C'est vrai que c'est bien. Moi, j'ai une brésilienne comme ça qui est mariée avec un ami à moi.
Et elle, non, mais avant que je sache que c'était un homme avant, déjà, bah, j'ai mis du temps. Mais attends, elle est plus féminine que moi, des mains magnifiques. Ouais, enfin, super. C'est pas non plus. Super. Elle est voix plus féminine que ça. Toi, quoi. Ouais, non, mais vraiment. Et elle, bon, bah, du coup, après, j'ai discuté un petit peu avec elle et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait exactement la même chose. Heureusement qu'elle était devenue femme, en tout cas, au Brésil et tout ça, parce qu'en France, c'était un petit peu compliqué. Et là, aujourd'hui, Tania, t'as ton zizi, y a plus de zizi, y a plus rien. Hein. Non, en fait, c'est une question mais personnelle, mais comme je participe à l'émission, effectivement, je suis femme entièrement. D'accord, t'as plus de bite. Voilà. Et c'était une délivrance le jour où ils te l'ont coupé ou pas? Comment, j'ai bien compris? Le jour où ils t'ont enlevé ta bite, ça a été une délivrance? Ça a été une délivrance, oui, plus qu'une délivrance. Et surtout, bah, on ne coupe pas la bite, on la met à l'intérieur. Exactement. Ah, tu as encore ta bite à l'intérieur, mais non, quand mais tu bandes, ça fait du bien. En fait, c'est la cavité, t'as toujours la exactement. Peau. Et t'arrives quand même à jouir, à avoir du plaisir. Oh, j'ai un plaisir fou. Je suis en couple et je suis mes chanteuses en plus avec mon chéri alors. Donc, T'es chanteuse? Oui. Mais tu chantes quoi? Mais on chante un peu un mélange de tout, de afro-trap, de R&B, etc. Afro-trap, ouais. R&B, pas mal. Oui. Et ton mec, enfin ton, je sais pas si t'es marié, je sais pas. Mon fiancé, en fait, il m'a fiancé. Ton fiancé. Oui. Lui, il a su dès le départ, tu lui as dit, ou alors pas du tout? C'est là où je voulais en venir, en fait, par rapport à l'invité, en fait. Sébastien, c'est toi l'invité, Sébastien. Ah, Sébastien, bonsoir. C'est l'invité. Mais déjà, un homme qui aime les femmes transsexuelles n'est pas un homosexuel ou bisexuel. C'est un hétérosexuel curieux. Déjà. Curieux. Ah, c'est ça. Là, c'est le truc à la mode actuellement. Ouais, c'est vrai, tu l'entends tout le temps, ce truc. Et le truc, je suis pas homo, mais je suis hétéro. Curieux. C'est-à-dire qu'il va avoir des trans, en fait. L'homosexualité, c'est aimer la personne de même sexe, on est d'accord? Ouais. Alors, la transsexuelle, elle a une apparence de féminine. C'est pour ça que l'homme est attiré. On est d'accord? Mmh. Alors, oui, c'est vrai, t'as raison. Après, s'il y a un sexe d'homme, justement. Ah, bah ça change quand même pas mal de choses, c'est-à-dire. Non, ça attire plutôt justement mais la curiosité mais de savoir une femme avec une bite. La preuve. Oui, mais une femme, elle a pas de bite, Tania. Je pense que Marie ne pourra pas me contredire parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien me prendre leur femme avec une ceinture God. Alors, Marie, la spécialiste du God, en effet, tu fais bien du bon. Écoute, alors moi, j'ai pas eu ça. Parce que forcément, il a un sexe sur lui. Hein. Romano, par contre, tu peux témoigner. Mais de quoi? Bah, de Cariole qui voulait te mettre un god. Ah oui, mais elle voulait. Mais, mais ça, c'est à l'inverse. Non, mais elle voulait me casser le cul. Oui. Du coup, c'est à l'inverse. Elle voulait mettre un god ceinture et pas me casser le cul. Ouais. Non, mais ouais, elle aurait démonté. Fais ça pendant les vacances d'été. Ouais, bah ouais, pour avoir des hémorroïdes tout l'été. Justement, c'est là que ça commence en fait. C'est que les hommes, parfois, ils avaient des tendances à vouloir que leur femme ou leur conjointe mettent une ceinture god. Alors, ah voilà, oui, les femmes transsexuelles non opérées, donc les transsexuelles tout court, et on dit une transsexuelle s'il vous plaît, mais parce qu'un transsexuel c'est dans l'autre sens, il y a beaucoup de femmes qui deviennent des hommes aussi. Hein. Donc un transsexuel c'est une femme au départ qui veut un zizi. Justement. Et une transsexuelle c'est un homme au départ qui veut se couper zizi, mettre à l'intérieur. Elle veut pas forcément se couper les zizi, hein. Il y a des femmes transsexuelles, c'est hors de question, mais de se faire opérer, hein. Ouais, elles veulent garder leur bite. Non, mais c'est en plus, c'est une grosse opération, hein, je crois. Ah, bien sûr. Exactement, ouais. Mais parce que, il y en a qui se sentent bien comme ça, qui sont pas à l'aise, et puis qui ne sautent pas le pas de pouvoir faire la chirurgie, mais parce qu'elle est très douloureuse, elle est très, Ouais, c'est une épreuve, quoi. Faut vraiment avoir envie, ouais. Ah, tu m'étonnes. Exactement. Alors, non, mais de toute façon, pour faire tout ça, tu dois avoir un paquet de psy, de... Et pour en venir à ton copain, toi, Tania, donc au départ, il savait pas? Ben, en fait, mon chéri, au départ, il n'a pas cru que j'étais une femme transsexuelle. Mais tu lui as dit? Oui, je lui ai dit, parce qu'en fait, il a voulu ça, mais quand il m'a vu, en fait, il n'a pas cru. Mmh. Il se disait, ah, peut-être que c'est un piège, etc. Tout mais ça se voit pas au niveau de la chatte? Non mais dans la rue, je vais me promener. C'est vrai que tu ne te balades pas à poil, Tania. Oui. T'imagines Tania qui écarte les cuisses, regarde. Ouais, regarde. J'avais pas compris. Surprise. Non, effectivement. Oui, on est d'accord. Et là, il y a Sébastien, il doit bander dans sa voiture. Ah ouais, là. C'est trop pour lui. Non, vraiment pas, mais j'écoute, je suis attentif en fait. Là, j'écoute. Il conduit. C'est intéressant, t'as vu. Elle parlait de. Absolument. Je suis attentif là. Et ton mec, à un moment il y a cru, il le sait maintenant, ça lui pose pas de problème. Mais il a cru parce qu'on a eu des rapports, donc forcément, là du coup j'étais à poil. Voilà. Vu. Et donc il a vu, et puis ça lui a plu. Mais il y a une grosse différence avec une chatte féminine.
de ce, le, la reconstitution. Il n'y a aucune différence, c'est parce que ce sont des espèces. Attention, mais c'est pas un trou. Hein. Non, mais j'imagine, ils font ça avec, bien, avec oui. Des lèvres, avec des lèvres. Non, mais il y a un trou. Avec le clitoris. Ouais, t'as des rêves. Oh, il y a tout. Hein. Ah oui, mais tu veux dire, oui, c'est pas un trou qui a été fait, genre, ils ont percé. Ah, t'as pas un puits, un gouffre, quoi. Ils ont, ah non, parce que. Ils reconstituent parce que les lèvres et tout. J'allais refuser, hein. Ah, bah oui, non. Oui, je comprends pourquoi. Ah, ouais, tu te retrouves avec, genre, avec un gouffre, comme ça. Un gouffre entre les cuisses. Je veux une chasse, mais donc, ils reconstituent les lèvres et tout ça, quoi. Oui, exactement, des lèvres, etc. C'est bien. De toutes les façons aussi, j'aimerais vraiment aussi que les hommes comme Sébastien, mon chéri, ou l'autre personne, c'est franchement, c'est eux les vrais mecs. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous fréquentent, il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par les femmes transsexuelles et qui refusent de l'admettre. Alors, donc à la radio et tout, sur les réseaux, ils vont faire genre, mais comme si genre ils aiment pas la femme transsexuelle, c'est un homme. Ah non, je suis désolée, il y a beaucoup d'hommes qui aiment la femme transsexuelle, sauf qu'ils n'assument pas. Donc Sébastien, voilà. Tu vois, tu te sens... Ah voilà Sébastien, tu te sens moins seul là maintenant. Hein. Je me sens carrément seul, oui. Ah oui. Non mais c'est le témoignage de Tania, ça te fait quoi? C'est intéressant. Ça te rassure, ouais. Oui, ça me rassure. Non, mais de toute façon, t'es pas anormal que c'est pas. Oui, ce que j'allais te dire, c'est voilà, pas la fin du monde non plus. Hein. Tu baises avec qui tu veux, hein, tant que c'est dans la légalité. Mm-hmm. Hein, je précise pour ça. Ça, évidemment. Ah bon. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, mais ouais, il y a aucun souci. Hein. Si toi, c'est ton délire. Après, il faut juste, pour toi, Seb, il faut juste que ta chérie, elle soit pas au courant. Ah oui, ça va faire bizarre. Parce que ça, tu la trompes forcément. Voilà. Marie, comment tu réagirais s'il te trompait avec s'il avait les mêmes s'il me trompait déjà, ce serait pas possible. Ce serait la même chose avec un trans, une trans. Excuse-moi, Tania, falloir que je fasse gaffe ça parce que. Non, avec homme trans ou nana, bien sûr, il me trompe. Donc non, ça passe pas. Hein. Tania, juste par rapport à ses parents, en fait, ils ont appris que tu devenais femme. Ça s'est passé comment? Ah oui, bonne question, Marie. Il y a juste quelques mois que ma mère m'a vu depuis que je suis entièrement femme. Donc, ah ouais, tu les voyais plus choc, alors. Comme, voilà, ça a bien fait un choc comme toute mère. Ben, évidemment, je l'ai accepté. Ouais, pendant près de 2 heures, elle n'arrêtait pas de dire mon fils et il. Et je peux te dire que ça faisait longtemps que j'avais entendu il. forcément, oui, pas oui. Ouais, tu l'as pas vu depuis un petit moment, ouais. Voilà, ça m'a foutu un coup, mais je peux te dire que, au fur et à mesure, en fait, ma mère, elle m'a montré qu'elle m'aimait, peut-être oui, que ça reste, génial. Ça reste ta mère, malgré et tout. J'étais pas seule, ouais, enfin bon, et j'étais pas seule, heureusement, j'étais avec mon fiancé. Et aujourd'hui, on a de très bons rapports. Génial. Ma mère. Et ton père? Et mon père, nos communs. D'accord. Ouais, d'accord. Oui, ça s'est moins bien passé. C'est souvent, Ok, Tania. Bah, écoute, merci beaucoup pour le témoignage. Mais c'est super intéressant. Ça rassure peut-être tous les mecs qui n'osent pas se l'avouer, qui aiment bien les transsexuels comme toi, Seb. T'es rassuré? Oui, franchement, oui. Alors attendez, bougez pas. Alors, après, toi, Seb, c'est juste vis-à-vis de ta meuf, quoi. Ouais. Oui, il faut juste qu'elle soit pas au courant. On est d'accord. C'est juste qu'elle est cocu, mais. On est d'accord. Elle a des cornes, mais à ne plus passer les portes. Eh ben écoute, Tania, merci à toi. Sois heureuse, éclate-toi. Oui, merci beaucoup. Ouais, est-ce que je peux faire une annonce? Vas-y. En fait, notre page, en fait, c'est Black Transgender and Husband. Alors attends, là, on a rien compris parce que c'est de l'américain et nous en américain on n'est pas. Alors c'est Black Transgender. Ah, mais t'as l'habitude de recevoir des américains, dis fou là. C'est vrai. Tu comprends l'anglais. Hein. Alors vas-y, Black, c'est vrai. Black Transgender. Trans. Donc en anglais. Gender. Voilà. Okay. Ah, ok. Transgender. And husband. And et son mari. Donc c'est le Black transgenre et son mari. Exactement. Tu vois, je parle très bien l'américain, tu vois, tu dis. Yeah, you do. Et c'est sûr. Alors, il y a Seb, il est en train de noter, là. C'est ma page sur Facebook, hein, mais c'est notre page à nous, en fait. D'accord. Bah, écoute, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui va aller voir. Black Transgender and Husband. Oui. Vous allez voir, et puis, Tania, enfin. Sinon, je vous l'emmène par Facebook. Ouais, enfin, si vous l'avez quand même pas fait au plus simple, votre adresse, là. Ouais, c'est un peu long. Vas-y, tu l'envoies, on va la mettre sur les réseaux Skyrock. On va te mettre sur mon réseau. Je vous adore. Ah, c'est gentil, Tania. Je marie tous les jours. Ah bah là, je crois qu'on va rigoler parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle pour Cédric. On a peut-être trouvé l'amour, Cédric. Ah ouais. Oui, elle est avec nous. Elle s'appelle. Ne quitte pas. On te reprend, Tania. Tania. Et puis merci beaucoup. D'accord. Okay. Bisous à toi. Reste avec nous, merci, Seb. Merci, Tania.
Alors, Kimberley, qu'on a en ligne, on va te la passer dans un instant. Et Seb, ouais, fais juste gaffe à ta meuf qu'elle soit pas au courant. Après, éclate-toi si ça t'amuse, si tu prends ton pied, si ça te fait grave kiffer. Oui. Ouais. Ça fait mal à personne, hein. Non. Grave. Hein. Et puis, dernière chose, j'ai foule. Ouais. Je voulais savoir si vous avez des trans à me présenter. Alors, vous êtes trans. Oui, mais Timberlake, elle fait pas ça. Vous êtes transsexuel. Vous voulez rencontrer un homme. Il habite, t'habites en Normandie, t'es au Havre, hein, toi, Seb. Hein. Oui, je suis au Havre. Voilà. Et t'as tout fait sur la zone du Havre, toi. Non, j'ai pas quand même tout fait, mais j'ai. Non, mais je te parle des sept rencontres que t'as eues. Oui. D'accord. Oui. Non, c'est pour montrer que ça se trouve dans toute la France. Hein, donc, ouais. Donc, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages sur le 41-759, l'appli Skyrock. Et alors, attention, j'ai donc Kimberley. Peut-être qu'elle sera intéressée par toi, Sam, mais elle appelait plus pour un autre membre de l'équipe. Bah déjà, c'est preuve qu'elle a du goût. Oui, en effet. Tu vois, Cédric ? Mais elle est grave. Kimberley, peut-être la femme de ta vie. Elle a 25 ans, elle habite dans le 93. Salut, Kimberley. C'est ta zone. Mais grave, c'est chez WAM. Bonsoir Paris. Ouais, c'est bon, elle est colonel Charlie. Ah, je t'ai reconnu Bilal. Non. Oh, Bilal, c'est bon. Ah, oh, Bilal a sa vie, vas-y, arrête ta blague. Et Bilal qui n'est pas transsexuel, qui est un homme. Lui c'est un homme. Voilà. Ouais. Bah, après, il a un petit copain. Travesti un peu. Avec perruque et puis quand t'es en robe, ouais. Perruque, robe, tu te travestis. Mais après, je sais pas, mais c'est. Travesti, c'est pas du tout la même chose. Travesti, tu gardes ta bite, t'es un homme, mais tu t'habilles en femme. Mais lui, c'est juste pour le délire quand il est sur scène ou quand. Non, il est comme ça. Écoute, non, mais genre le mec, il se trimballe en jupe. Ouais, il est comme ça, gros. Ah bah moi, la fois où je l'avais vu en dehors, il était en pantalon, mais il avait une perruque blonde, tu vois. Comme Pamela. Longue. Ouais. D'accord. Non, mais elle est bien foutue, sa perruque, hein, ça se voit pas, hein. Tu vois, Romano, tu devrais te prendre la même. C'est pas la même couleur, mais. Non, mais tu sais que ça donne envie de foutre une moumoute. Bah vas-y, mets-toi une moumoute comme Bilal Hassani. Blonde comme ça, tu vas te faire une gueule, ça va être. T'avais pas la même coupe de veuves. Mais ce que je veux dire, c'est l'installation en elle-même est super bien foutue. Non, mais c'est vrai que c'est bien foutu. Moi, je pensais que c'était ses vrais cheveux quand je l'ai vu. Donc. L'autre fois, Cédric m'a montré une vidéo. Il me dit, regarde. Bon, j'ai regardé avec lui, je suis sympa. Vidéo de perruque Non, de Bilal Hassani. Ah, de Bilal. Ok. Alors. Il a voulu enchaîner sur Jerem Star, je dis. Alors, Kimberley, tu voulais donc parler à Cédric, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui, exactement. Alors, il est tout à toi, Cédric, il est là. Oui, ma belle. Ça va, Cédric ? Ouais, ça va, nickel, et toi ? Ça va, tranquille, ça va. Alors, ton week-end dans la cave, c'était comment ? Non, rien, pourquoi tu dis ça ? Tu faisais pas, je sais pas quoi, dans ta cave le week-end dernier, là ? Je comprends pas ce que tu dis, Cédric. Vous avez pas laissé un message comme quoi il était d'astreinte dans son cave ? Mais tu parles de quoi, là ? Je comprends pas. Colonel Charlie, je l'ai cramé, ça va. Mais c'est Kimberley, qu'est-ce que tu racontes ? Colonel Charlie, c'est Kimberley. Mais non, c'est Kimberley, c'est pas Charlie. Mais oui, allez. Bon, allez, vas-y. Il est fort, Cédric, hein. On lui l'a fait pas quand même. Il t'a démasqué, Charlie. T'as vu ça un peu ? En plus, c'est Colonel Charlie, bande sur moi. J'ai connu le général Francky. Désolé, Charlie. Tu veux l'amener dans ta cave, Charlie ? Il est venu hier soir, donc il connaît déjà le pays. Mais t'aimerais tellement, gros. Mais tu bandes sur moi, c'est un truc de ouf quand même. Non, même pas, mais gros, t'es mon frère. Non, mais pas normalement, Manu, tranquille. Non, mais tranquille, mon pote. On sait que c'est toi, il arrive plus à parler normalement. Non, mais tranquille, tu vois, tu viens quand tu veux, t'inquiète pas. Ouais, ça va aller, ma gueule, tranquille. Un jour, on va tous venir là-dedans. Ok. Et plus Marie aussi, Marie, tu es invité dans la cave de Colonel Charles. Non, mais ça va, merci, vraiment pas. Non, mais ok, pas de problème. Non, mais toujours pas. Sam, elle est excitée, elle a envie de venir. Il avait pas n'importe qui dans sa cave. Il est amoureux, Charlie, maintenant. Ouais, amoureux de qui ? Quel mytho. Mais si, il nous a envoyé la photo l'autre jour. Mais si, il y a la photo, rappelez-moi. Ah, mais c'est toujours la même, là. Mais la meuf qui te suçait dans la vidéo que tu m'as envoyée, c'est ta meuf ? Non, c'est pas elle, t'es fou. Si, c'est amoureux. Non, c'est notre meuf, c'est beau, l'amour. C'est un tombeur. Tellement de meufs. Bisous, Kimberley, colonel Charlie. Allez, bisous, les mecs. On t'embrasse, salut à toi. Ciao, man. Ciao. Et là, je vais vous donner les résultats du clash de la drague. Mais oui, c'est peut-être ta soirée ce soir. Ah, j'espère, putain. Des trans, un clash. Voilà. Des familles qui ont été séduites par tes charmes. C'est vrai. Et oui, une soirée de folie. Attention, les résultats du clash de la drague de ce soir. Donne. Alors. Ah, quand même. Donne. Ah, quand même, vas-y, quoi. 52%. Au gagnant du clash de ce soir. Alors 52%
pour Romano ou pour Cédric? Alors ouais, bah vas-y, annonce. 52%. Quand je te dis que c'est ta soirée, Cédric, on parle de 30. Ouais, ah, vas-y. Et Cédric gagne le clash de la drague. 52% pour toi. Bravo, Cédric. Oui, bravo, bravo. Ah, bah bravo. Et voilà, je t'avais dit ta soirée. Merci, mais grave. Des trans, une victoire au clash. Ah, la totale, putain, c'est bon. Et la soirée c'est n'est bon, pas finie en plus. Hein. C'est pas beau tout ça. Ah, ouais, putain, ouais, bof. C'est bon. Ah, c'est beau, c'est beau. Hein. Bof, bof. C'est bon. Bon, mais voilà pour le clash. Prochain clash. Bah, dimanche soir, on rejoue le clash comme tous les dimanches dans la spéciale. Le super clash de la drague à retrouver. Et puis lundi, le clash, le retour dans votre radio libre. Bon, vous bougez pas, vous restez là. Dans un instant, on aura Sonia au téléphone avec nous qui a besoin d'un petit coup de main. Eh bien, on s'en occupe. Sonia reste là. Nous, on reste là aussi. On est là jusqu'à minuit sur Skyrock. Et Pamela est là aussi. Et oui, elle est là aussi. Écoutons donc nos pervers. C'est parti, Pamela, c'est à toi. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Attention, ils arrivent. Ils sont là, nos pervers. Les pervers de Pamela qu'on retrouve chaque fois avec plaisir. Bon, on les écoute. Et puis tout à l'heure, Pamela, il faudra serrer. On m'a dit que tu voulais venger Romano, dis donc. Carrément. Ouais. Je vais tout donner, mes amours. On a été volés. Ah, on non, va se venger. Tout ça. Je vais faire éjaculer un max d'hommes ce soir. Alors, beaucoup d'excitation et attention, c'est parti. Aussi, le premier s'appelle Pierre. Allez, Pierre. C'est Pierre. Ouais. Je suis de Lyon. 1m80. De Lyon, il est bourguignon. Là, j'ai mon oisette. Le bourguignon. Cheveux en arrière. Cheveux en arrière. Cheveux au 03. 86. Si une femme veut m'appeler, ce serait avec plaisir. J'ai très envie de jouer au téléphone. Ah, ah très bien, Pamela. Oh bah. Eh ben il a déjà commencé, dis donc. Pierre, ah bon bourguignon, les cheveux en arrière. Hop là, Pierre, ses cheveux en arrière. Il est dans Lyon, dans Bourgogne. Bon, on le met de côté. Pierrot. On essaye de le draguer tout à l'heure. Il y a Francis. Pierrot, il assure un max. Francis qui a laissé un message sur le répondeur de Pamela. Il a vu la photo de Pamela, la petite annonce de Pamela. Il s'est dit, allez, j'appelle. Francis, 50-50, je suis en passif. Je suis en plus un fortement vrai, très brutal. J'avais le superbe lapis. Calme-toi. Il n'y a aucun tabou qu'une limite. J'ai de la brutalité, écoute mon cul. Voilà, il n'a aucun tabou qu'une limite. Je n'ai pas tout compris ce qu'il a dit, on va quand même se le remettre. Il a éclaté son cul, je crois. Ah, je crois que c'est tellement il est excitant. Réécoutons ce beau gosse Francis, mais il s'est trompé. Pamela est une femme, bien sûr. Ah ouais. Hein, Cédric, oui, tu confirmes. Ouais. Ouais, je confirme. Il confirme. Alors, attention, réécoute Francis. Juste pour le plaisir, chut. Francis, 50-50, je suis en passif. Je suis en cul d'un fortement vrai, très brutal. J'avais le superbe lapis. Mon téléphone, d'un autre passif. Je suis dans la merde. J'ai aucun tabou que limite. J'ai de la brutalité contre mon cul. Oh, brutalité contre son trou du cul. Il veut se faire brutaliser l'anus, lui, non. Bon, il va se faire démonter, lui. Ah, Pamela, si tu peux faire quelque chose pour lui, on essaiera de lui passer un petit coup de fil. Oh, y'a pas de problème, j'ai bien un manche à balai qui traîne. Oh, un truc. Bah voilà, très bien, parfait. Fais du matos. Une balayette, dans le cul, la balayette. Dans le cul, la balayette. Et le manche avec. Et là, on a Pascal. Pascal. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Oh, bah. Pour 06 25. Boîte à sperme. Yeah. Envie de vomir. Ah ouais. Un réceptacle. Et lui, il pense boîte qu'il va trouver une meuf comme ça. Les filles, je suis là. Vous tombez, tiens Marie, tu tombes sur ce genre de message. Les filles, vous tombez sur la ce genre de message. La boîte à sperme. C'est très excitant. C'est très excitant. Et ben on la garde. La boîte à sperme. Tout de suite, tu vois. On regarde Pascal. Marie est contente. Elle est contente, c'est bien. Ah ben génial. Mais c'est super. Pascalou. Pascalou. La suite. Younes, 27 ans de Saint-Omer. Younes, voix bien virile, comme on les aime. Oui, mec, 27 ans de Saint-Omer, 1m75, au 40 kilos, roule, je veux, avec une petite bite. Je suis un mec dans le 62. Dans le 62. Lui, il pense qu'il va serrer comme ça avec sa petite bite. Oui, il se sent bien, lui. Hein. Non, mais moi, il est honnête. Ouais, moi, j'aurais un magasin, je l'embaucherais. Direct. Ah, ah, oui. Ah ouais, lui, il te vend. Ouais, c'est vrai, ouais, tu fais de la bonne pub. À tout et n'importe quoi. Bon, après, Younes, on en a un autre. Allez, vas-y. Énorme téton, poitrine hormonée à traire par des experts, 06 près, 64. Voilà, c'est donc quoi, ces gens. Et c'est ceux qu'on trouve sur les réseaux qui laissent des messages à Pamela. Poitrine hormonée à traire. Oui, à traire. Ah ouais, non mais. C'est plutôt une vache. Une vache. Il veut faire du lait des yaourts. Et un dernier. Ah, allez. Oui, bonjour. De 63 ans de Bourgogne. Ah. Et je l'aime, très bien faire l'amour, j'aime manger une belle petite
chatte. Ah, si vous dites ça, qu'il soit gros, qu'il soit petit, je m'en fous, j'adore ça. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez me joindre au 06-89. Voilà. À bientôt. Oui, à bientôt. Ah, ben oui, à bientôt, oui. Ah, ça, il fait flipper un peu quand même à la fin. Quand il fait, oui, à bientôt, je suis un serial killer. À bientôt, petit chat. Ah, il fait flipper, ouais. Chez moi, oui. Eh bien, Pamela n'a peur de rien. Avant minuit, on va draguer, on va draguer le pervers. Et puis, ce qu'on est en train de draguer aussi ce soir sur tous les réseaux. Faites attention si vous allez sur les réseaux. Pamela est de retour et dans un instant, la story de Sonia. Sonia avec son histoire d'amour. Mais bon, vous allez voir, elle va tout nous expliquer. C'est Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et oui, jusqu'à minuit on est là et c'est loin d'être fini. Les pervers arrivent. Ouais. On a déjà eu un beau pervers tout à l'heure. Ah ouais. C'était, il était complètement dégénéré. C'était pas tout. T'as déjà réussi ton défi, Pamela, c'est-à-dire de faire plaisir au mec avant minuit, de les séduire avant minuit. Eh ben, c'est déjà fait. D'autres, hein. Eh bien, il y en a d'autres. Ils arrivent dans un instant. Jamais rassasié. Non, jamais. Le temps de retrouver. Bah tiens, on a Sonia qu'on va prendre au téléphone avec nous. Le temps de retrouver Sonia qui doit être dans le coin à Paris. Salut Sonia. Salut l'équipe. Salut tout le monde. Comment ça va Sonia? Salut Sonia. Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. Sois la bienvenue. On passe une bonne soirée. Vous êtes là, on est là, on est ensemble. Et tu nous appelles pourquoi toi Sonia? Dis-nous. Alors moi je vous appelle par rapport à un souci que j'ai eu. Enfin, je suis restée avec un mec pendant 3 ans et demi. Comment vous dire, au bout de... Vas-y, mets-toi un endroit, t'entends bien, Sonia, parce qu'on t'entend très très mal. Et là, vous m'entendez mieux? Là, tu ne bouges plus, tu ne bouges plus, là, c'est super, Sonia, ne bouge. Bah, au bout d'un an et demi, j'ai... Tu as bougé, ne bouge plus, remets-toi là, on t'entendait bien, Sonia. Là, c'est mieux? On va voir, vas-y. Bah, en fait, je suis obligée de mettre ma main au niveau du téléphone et du micro. Bah écoute, là, c'est mieux. Ah, c'est pratique. Voilà, bah, laisse ta main au niveau du téléphone et du micro. Et lève une jambe. Et oui, peut-être lève une jambe, peut-être pour voir si ça fonctionne mieux. Ah, le truc hyper pratique. Et là? Vas-y, là, on va essayer comme ça. Elle a levé une jambe, ce qu'elle a. Tu vois, ça marche. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut te pencher à la fenêtre. Passer une jambe par-dessus. Tu auras beaucoup plus de réseau comme ça, voilà. Tu tends la jambe au-dessus d'elle. C'est pratique. Voilà, et puis après, on voit combien de temps tu tiens comme ça en équilibre. Alors, dis-nous, Sonia. Oui, donc au bout de trois ans et demi, j'ai appris que ça faisait déjà un an et demi qu'il me trompait, qu'il allait voir d'autres filles, qu'il rentrait d'autres filles chez sa mère, sachant que je connais toute sa famille, et qu'il me laisse pas refaire ma vie. Alors oui, parce que j'allais te dire, bon, tu t'es séparé de lui maintenant, ouais, c'est maintenant ça va, t'as bien fait. Oui, bah hein, oui. Je crois que t'as pris une bonne décision. Ouais, Sonia. J'ai l'impression. Tu l'as appris comment, qu'il te faisait que t'étais multicoque? Il t'a fait cocu avec combien de meufs, tu sais, à peu près? Enfin, je l'ai appris il y a peu de temps, mais au bout d'un an et demi, déjà, il allait parler à d'autres filles en disant qu'il m'aimait pas et tout. Mais je le crois pas quand il dit ça, mais bon, après, enfin, c'est pas qu'une fille, quoi. C'est plusieurs filles sur Facebook, sur... Ouais, t'es multicocu, quoi. Sur Insta. Ouais, voilà. Bah, non, ouais. Mais Mais là, t'es encore avec ou pas? Non, tu t'es séparé, là, maintenant. Non, je suis séparée avec, mais il me laisse pas refaire ma vie. Tous les soirs, il est en bas de chez moi. Tous les jours, il m'appelle. Enfin, j'ai beau changer de numéro, il arrive toujours à avoir mon numéro. J'ai beau faire... porte plainte. Ouais, mais ça le fait pas peur. C'est du harcèlement, en fait. Hein. S'il est en bas de chez toi tout le temps, qu'il t'appelle tout le temps et ça lui fait pas peur. Au bout d'un moment, le mec, il va être convoqué. C'est vrai, vous imaginez. Chez les keufs, ouais. Vous sortez de chez vous. Hein, vous êtes séparé d'une personne. Je qui sais t'a pas. Fait moi, du mal, Cédric. Par exemple. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit genre Cédric. Genre Cédric, s'est séparé de son édenté, là, voilà. Ouais. Et il s'est séparé de son édenté. T'imagines, Cédric, tous les soirs, tu as ton édenté qui t'attend en bas de la radio. Ah putain, ça me casserait les... Une ex qui t'attend en bas de la radio. D'ailleurs, ça devrait te rappeler des souvenirs quand ton ex est venu avec son nouveau mec pour te... Non, mais même une autre qui m'harcelait, qui m'attendait même dans le parking. Et ouais, c'est quand t'es trop belle, Sonia, quand t'es trop beau. Tu entends Cédric, son témoignage? Tellement excitant que les meufs n'arrivent pas à le quitter. Bah, c'était la vérité. Hein, là, elle le harcèle, mais toutes. Vous avez vu, on a déjà eu 2-3 exemples. Les meufs, l'autre qui le faisait cocu avec le mec qui provoquait Cédric. Et une troisième qui harcelait également Cédric. C'est dingue. À cause de sa beauté, bien sûr. Raconte-nous un peu. Raconte-nous, Cédric. Bah, la meuf, en fait, je m'étais séparé d'elle, je voulais plus d'elle. C'est fini. Ouais. Et la meuf, elle me lâchait pas. C'est-à-dire qu'au début, elle m'appelait 10 fois, 15 fois par jour. Au moins.
Bah mais en plus, c'est à chaque fois c'est l'hilarité. Ouais. Elle l'appelait, elle était là. Oui, tu veux pas m'offrir une nouvelle tablette? Non mais si, même une fois elle était devant la radio, elle était tombée sur toi, Romano, tu sais pas, elle m'a demandé si j'étais encore à la radio. Non, je me souviens pas. Oh, quel mytho. C'est marrant, bizarre cette histoire. Je m'étais sauvé par l'autre sortie en fait, parce qu'il y a une sortie de secours, je m'étais sauvé par le comment il se fait des films. Quand je lui dis que c'est un malade. Et quelques jours plus tard en fait, je m'étais elle m'attendait dans le parking. Les malades, ça leur fait du bien. Ah ouais, c'est clair. C'est que la meuf, elle avait repéré ma voiture où elle était garée, elle m'attendait devant la voiture quoi. Ça c'est obligé de me la farcer. Voilà, j'étais obligé de lui rouler dessus. Oh non, voilà, c'est sympa. Fin de l'histoire. J'ai chargé le corps, j'ai enterré. Toi, Sonia, c'est quoi, dis? Bah moi c'est pareil, il m'attend devant ma voiture avant d'aller au travail, quand je termine le travail. Enfin aujourd'hui là il sait pas exactement où est-ce que je travaille, mais tant mieux. Oui, il fait tout pour avoir mes informations quoi. Et s'il a l'adresse de mon travail, ce serait encore pire. Mais est-ce que tu penses pas que si tu demandais à un pote un peu balèze, tu vois? Bah justement il y a Mamad qui se proposait. Pression quoi. Mec tu dis vas-y, casse. Mais excusez-moi. Vas-y. Le souci c'est que je connais toute ta famille, connais toute ma famille, c'était vraiment du sérieux, enfin, je sais pas. Bah écoute, moi je te propose Mamad qui lui se propose. Il nous dit t'as qu'à y aller avec un pote balèze. Ça c'était la petite méthode que vient de te donner Romano. Même méthode pour Mamad. Et il se propose même lui. Je suis libre si tu veux. Mamad, 22 ans, dans en région parisienne. Donc si ça te branche, Sonia. Non mais c'est vrai. Ouais, si tu devrais. Moi je sais ce que je ferais. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ah j'ai bu un truc, ça me brûle. T'as bu quoi? Mais t'es con aussi. T'as bu quoi? Du piment non? C'est quoi? J'ai bu de l'eau de vie. Ah putain, non, il faut. Ah non, mais c'est violent, hein. Ah non, c'est violent, je te jure. Moi aussi j'en ai bu. Mais c'est mec, t'as trouvé ça où déjà? C'est un cadeau. C'est un auditeur qui a un cadeau empoisonné. Il y a Colin de Grenoble qui est là. Bah ouais. Parce qu'hier il était sur les messages, il nous a envoyé messages. Mais personne m'a prévenu que Colin de Grenoble il était là du temps. Il était là, tu sais. Non mais moi aussi, je l'ai appris en même temps que toi. Salut Colin de Grenoble. Je me disais, mais je savais pas que c'était. Il est pas sur les messages ce soir, mais où est donc passé Colin de Grenoble? Il est dans le bureau. Espèce de malade, il a essayé de nous empoisonner. Oh, la tête qui fait derrière. Végétal de la grande chartreuse. Alors, t'as essayé d'empoisonner Romano, je vois. Eh mais salopard, 69 degrés, ton bordel, tu m'étonnes que ça me. Ah mais laisse tomber. Vous êtes mal éduqués, là, Romano et la Marie. On vous offre un cadeau. T'as vu, t'amènes un cadeau, Colin. T'as vu ça? Non mais moi je bois. Je me fais engueuler. T'amènes un cadeau, tu te fais pourrir. C'est pas une honte. Bois un verre, tu vas voir. Tiens, tu bois? Bon, ça va mieux, Romano? Parce que là, t'as interrompu l'émission, on était en train. Il l'a jeté à la poubelle, t'as vu? Il l'a jeté son cadeau à la poubelle. C'était de l'eau. Ah. Il jettera jamais de l'alcool. Tu vas voir comme ça chauffe. Eh ben, bienvenue, Colin. Et Romano, enfin, en même temps, bon, en même temps, non? Ah non, moi, je vais tomber. C'est pour toi? C'est pour toi, dit Foul, faut que tu bois d'un coup. Cul sec, bonhomme. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais ça va. Ah, t'as vu, c'est après que ça chauffe quand ça descend. Ça brûle de ouf. Là, j'en ai vu trop grosse gorgée, ça m'a brûlé. Ah ouais, t'as vu. Et il en pleurait tout à l'heure. Oh, non, mais écoutez, moi, je l'ai bu sans aucun problème. Marie, t'es une poivrotte, tout à l'heure, elle avait les larmes aux yeux. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est du débouchette, ton. C'est bon, c'est un truc qui vient de Grenoble, ça vient des Alpes, ça. Ouais, c'est ça, ça vient de Grenoble. Puis, du coup, je vais, bah, petite tradition, on va. Ah, mais c'est gentil. Parce que depuis le CP, Marie, elle boit toujours dans les émissions. Du coup, je vais amener pour elle ça. Tu nous suis depuis le CP, dis donc. Petite anecdote avec mon frère, on se mettait un réveil à 6h du matin, ouais. Et on prenait le fixe, et on attendait que tu nous appelles. Et un jour, t'as appelé dans notre ville, et on était comme des fous, et c'était nos voisins. Les voisins. Est-ce que c'était des voisins cool ou des voisins à la con? En plus, ils ont répondu Fun Radio ou Énergie, un truc comme ça. Je pleurais. T'as la réponse, il faut le. Donc, merci pour la réponse, Colin. Bon, bah, en tout cas, c'est gentil, non, mais c'est pas mauvais ton truc là. C'est bon, sauf que ça chauffe. C'est très fort. Cédric, t'en veux pas une petite gorgée? Ouais, non, ça va aller. Allez, t'as l'habitude. Pour Colin, quand même. T'es même pas un bonhomme, c'est pas présent. Cédric, vas-y, représente. Même pas un bonhomme, dis donc. Ah, t'es fou. Allez, t'es un homme ou pas? Non. T'es pas un homme. T'es pas un homme, ok. Sonia, baltringue. J'ai une idée. J'ai une idée pour ton problème avec ton mec qui arrive pas de te harceler, Sonia. Oui, dis-moi tout. Tu lui fais boire. Tu l'invites à boire. Tu l'invites à boire. Je sais pas, à la maison. À la maison, c'est peut-être un peu risqué pour ton ex. En bas de chez toi. Mais invite-le en boire. Ouais. En bas de chez toi, tu lui offres une bouteille de chartreuse du côté de Grenoble, là. Tu lui dis, vas-y, allez, pour l'amour, on fait cul sec. Le mec, tu le couches, il revient plus jamais te voir, j'assure. Je te jure. Ça peut marcher. Ah ouais, c'est vrai que ça. Ah, ça chauffe. Ah, c'est vrai que ça chauffe. À la gueule de Karim, il a essayé aussi. Alors, Karim, comment tu trouves? Il est tout ça froissé. Ça passe, le mec est rouge comme une pivoine. La gueule que t'as tiré. Je crois, là, la deuxième phase, c'est que tu vas pleurer, mec. Il va dégoupiller. Et on salue tous les grenoblois. Vous êtes des petits joueurs, nous dit Maxence de Grenoble. Il y a 69 degrés, les gars. Il y a Tata. 69 degrés, c'est violent. Tata qui nous dit, c'est Tata de Grenoble. Vive Grenoble. On n'est pas loin de l'alcool à 90.
Non, mais ça va. Non, mais on est désinfecté de l'intérieur. Ah, bah là, je peux dire ça. Et CK, il connaît, parce que CK nous dit ouais, ça arrache. Ah, putain, j'ai chaud, moi. Ah, parce que de la chartreuse, j'en ai déjà bu, mais genre. Moi aussi. Je confirme, ça arrache. 45 degrés, tu vois. Ouais, c'est moins fort. Et Kassem, il veut savoir l'alcool, ça s'appelle de la chartreuse, c'est ça, Colin? L'élixir de chartreuse. L'élixir de chartreuse. C'est légal? C'est légal. Bah oui, c'est légal. Bah oui, c'est pas lui qui l'a fait dans sa cave. Pas d'alcool. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Non, c'est des questions qui sont débiles. Non, mais des fois, ils vendent des trucs. Non, mais des fois, ils vendent des trucs, tu sais, sous le manteau. Ouais, mais là c'était tout packagé, c'est marqué produit en France, ça s'achète. Bah oui. C'est légal. Ah ouais. Je sais pas, moi, j'ai pas vu la bouteille. Non, mais il a raison de demander, Cédric, parce que quand, étant donné le degré d'alcool, on peut se poser la question. Tiens, j'ai déjà bu de la chartreuse à Voiron à côté de Grenoble, ça m'a démonté. C'est le message de Momo de la gare, le Marseillais. Non, mais ça chauffe. Salut à toi, Momo. Il y a une remontée de vapeur en haut du cerveau, tu vois. Bon, alors, Sonia, on va faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux demander aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock ce soir, toi, Sonia? Bah, qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller? Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il arrête de marceler? Ou, enfin, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour que, entre guillemets, je le tienne en laisse? T'as pas fait des dossiers sur lui? T'as pas des photos un peu compromettantes? Ou tu sais pas des trucs compromettants sur lui, histoire de pouvoir faire un chantage? Non, dommage. Non. Et pas de photos, pas de dossier. Non, mais tu sais, Sonia, je pense que c'est pas la solution ce que tu veux faire. Le truc, c'est déjà, ce mec-là, il faut couper tout contact avec lui. Il faut pas essayer de jouer avec lui, parce qu'au final, il va te casser les couilles encore plus derrière. C'est, il faut couper net. Ouais, parce qu'il a l'air dingue, lui. Ah, blocage, plainte. Romano, il veut que porter plainte depuis tout à l'heure. Je porte plainte. Tu coupes tête, tu portes plainte. Romano a des actions dans un cabinet d'avocat, je crois. Ça se pourrait. Oui, mais le souci, c'est que j'ai beau lui dire, enfin, une fois, il a déjà été en bas de chez moi, enfin, il a été un peu violent. Je lui ai dit, j'appelle la police. J'ai appelé la police et au moment où ils arrivaient, c'est barré, quoi. Bah oui, mais c'est pas une raison pour pas porter plainte, hein. Tu peux avoir des gens qui témoignent autour de toi. Les keufs derrière, ils peuvent aller le chercher, hein. C'est pas, parce que le mec, il se barre, si toi, tu donnes l'adresse du mec, son nom, son prénom, ils vont le retrouver, hein. Ouais, regarde, va au keuf, porte plainte, message de Linkin Park. Non, mais c'est malheureux d'en arriver là, mais tu vois, t'as pas le choix. Au bout d'un moment, c'est que le mec, il te pourrit la vie. Il y a Momo qui dit un truc intéressant, qui nous dit, quand on a l'air de t'écouter, on a l'impression que t'as l'air de le protéger. Porte plainte, putain. C'est vrai, ouais, t'as pas, on dirait que t'as pas l'impression, qu'on dirait que t'as pas vraiment envie de. Ah, c'est pas, j'ai envie de le protéger. Enfin, c'est, je tiens encore un peu à lui, mais après, c'est vrai arrête que. De tenir à lui, le mec. Tu nous as dit la dernière fois, il a été violent, donc si ça, logiquement, ouais, ça devrait te vacciner. Et sinon, moi, je te dis, hein, la méthode, si t'as pas, vraiment pas envie d'aller porter plainte, la méthode la plus simple, c'est celle que donnait Mamad tout à l'heure. Tu te pointes avec un pote qui mesure 2 mètres, tu sais, qui est bien baraque. Et puis peut-être que ça va le calmer pour la prochaine fois. Tu lui fais limite croire que c'est ton mec. Laetitia, elle disait, vas-y avec un pote à toi, tu lui fais croire que c'est ton mec et tu les laisses gérer tous les deux. Ça peut marcher. Ça hein. Se tente, hein. Bah, le problème, c'est qu'il fait 2 mètres et enfin il a un gabarit que déjà les gens, quand ils le voient, ils bloquent un peu. Et enfin, j'ai déjà été un pote de qui nous appelle. Tu lui dis, ouais, je suis son mec et tout. Non, et non, c'est pas passé parce qu'il lui a dit, ouais, bah vas-y. Non, mais de toute façon, ta position, elle est pas claire parce que toi, t'es encore amoureuse de lui. Bah, t'arrêtes pas de le défendre depuis tout à l'heure. Il y a plein de auditeurs qui disent ça. En fait, à partir de ce moment-là, jamais le mec, tu t'entreprendras un truc pour que débarrasser de lui. Ouais. Quelque part, ça te fait peut-être même plaisir qu'il soit là. Et sinon. C'est Romano, psychologue. Il est médecin, mais il est également psychiatre. Non, mais ça se pourrait, hein. Et sinon, un chien, hein, ramène un chien. Les chiens, au moins, ça réfléchit pas. Ouais. Tu ramènes un chien, t'as un pote qui a un chien, tu te fais prêter le chien. Sinon, il y a plein d'auditeurs qui voulaient te filer un petit coup de main. Racontez-nous, dites-nous, hein, si vous avez été déjà à la place de Sonia, quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui comprend pas que c'est fini l'histoire, et qui vous lâche pas un instant, qui est là en bas de chez vous, qui vous passe des coups de fil, qui vient même vous voir au bahut ou alors au boulot. Vous nous racontez, puis on en reparle dans un instant au 01 53 40 30 20 pour nous passer un coup de fil. Et sinon, les messages, vous savez, c'est avec l'appli Skyrock, c'est gratuit, c'est pas cher, le skyrock.fm et le 41759. Il y a BDX qui dit, ah, ça m'énerve, bordel, c'est quoi ces auditeurs? Je crois qu'il parle de toi, Sonia. C'est quoi ces auditeurs qui viennent chercher des conseils, et quand on donne des conseils, ils te disent ouais, mais non. C'est pas faux. Bah non, je dis pas non. Bah si tu viens de dire bah non. Bah ouais, je dis pas non. Bah non. C'est en flag. Bon, avec le chien, il va peut-être se méfier. C'est vrai que c'est une bonne idée, l'idée du chien. Bon, on s'en occupe. On s'occupe de toi, Sonia. Tu bouges pas. Reste avec nous. Le temps de retrouver la belle, la sensuelle. De la place. La modéliste Pamela. Une voix sensuelle. Ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte.
Pamela sur Skyrock. Oh oui, qu'elle est sexy. Eh bien c'est parti Pamela, on a sexy des numéros. Lady. On a écouté les pervers, on a dragué en plus sur les réseaux ce soir. Et on va voir ce qui t'attend maintenant. On a qui Samy, qui c'est qu'on appelle? Ah je te propose Pamela un Cédricain. Ah ouais, Cédricain. Cédric, t'as dragué Pamela? Oh, Pamela, ah, fallait pas le dire. Cédric, hein. Cédric, hein. Non, c'est un Cédric. Ouais, il t'envoie une jolie petite photo. C'est pas une mauvaise blague, c'est pas l'autre machin. Ah non, je te promets. C'est pas Cédric alias Michel Blobfish. Non, non, c'est pas moi, non. Son pseudo sur les réseaux, c'est Cédric et le chiffre 1, donc c'est Cédricain, tu vois. Bon, bah, Cédric 1. Cédric 1. Eh bien, bonne chance, Pamela. Vous le savez, Pamela doit séduire. Ah, il a l'air chaud. Quoi. Même si c'est déjà fait depuis tout à l'heure, mais on recommence. C'est parti, Pamela. Attention. Oui, allô. Oui. C'est Cédric. Oui. Oui, c'est Cédricain. C'est ça sur le réseau. Ah mon nom, c'est Cédric tout court. Oui, non, mais ton pseudo, c'est Cédricain. Oui. Ouais, c'est Pamela, là, pareil, on s'est parlé. La photo avec les lunettes de soleil. Exactement, c'est moi. Salut. Ça va, je te plais. Oui. Et toi, tu m'as pas envoyé de photo, dis donc. Mais si. Ah si, mais si, que je suis bête. Tu sais, deux. Eh oui, c'est ça. Mais t'es mignon, t'es mignon, t'es dans quel coin toi? L'Ariège et toi? Bah moi je suis sur Toulouse. Oui je connais. Ouais bah moi et puis moi je me déplace souvent parce que je travaille dans la mode, je suis modéliste. D'accord. Et toi t'es célibataire, t'es comment? Célibataire hein. Ouais mais moi c'est pareil. Moi je, vu que je voyage beaucoup, j'essaye de trouver des hommes un peu dans toutes les régions où se passe quoi. D'accord. Et là t'es comment? T'es habillé ou t'es à poil? Hein, je suis au lit, à poil. À poil. Ouais, moi aussi, je suis en nuisette, là, sans culotte. Ah, joli. Ah, j'ai envie de me caresser. Cédric. Et c'est comment, dessous? Eh ben, c'est épilé devant, un peu plus long sur les côtés. D'accord. Ah. Tout est chaude? Ah ouais, là, je commence à être mouillé. Ah, moi, je commence à bander. Ah, c'est bon, ça, Cédric. Ah. Tu te caresses? Ouais. Dis-moi des choses coquines. Que je te lèche la chatte, hein. Ah ouais, vas-y, Cédric. Que je t'écarte la chatte et que je te rentre ma langue. Ah ouais, vas-y. Que je te la fouille avec ma langue toute ta mouille. Oh. Que je suce ton clito. Ah, vas-y. Que je te l'aspire. Oh. Ah, j'ai envie de te sucer la bite. Oh, vas-y, prends-la. Ah, elle est grosse. Ah, elle fait 19 par 5. Ah ouais, un bon gigot, quoi. Oh, tu la rentres entière? Ah, j'adore. Oh, alors rentre-la entière. Ah ouais, je me la rends jusqu'aux amygdales. Oh putain, que je te tienne à la tête, hein. Ah ouais, vas-y. Et que je te donne des coups de bite. Ah ouais, vas-y, tire-moi les cheveux. Oh oui. Ah. Oh. Ah, vas-y, Cédric, hein. Oh oui, je te baise à la bouche. Ah, oh. Ah, des coups de bide dans ta bouche. Ah ouais, t'es romantique, toi. Ah. Vas-y, prends-moi. Oh oui, tu veux que je te prenne comment? Ah, vas-y, en levrette. Ah, la chatte ou le cul? Ah, déjà la chatte et après le cul. Alors vas-y, la mets-toi à quatre pattes. Ah, vas-y. Oh, mais c'est pour aller, ça, non, mais Tifoul, il t'a entendu. Mais non, ça, c'est le signe qu'il a joui, ça, et c'est fini. Mais déjà, oh, bah, Lyon. Oh, le cul, la bah, chaîne. Bah. Décidément, tous les Cédricains sont précoces. En effet. Précoce, en fait. Et il s'appelle Cédric. Et... Non, quand il raccroche, en général, sans dire au revoir comme ça, c'est que le mec, il a joui. Vas-y, essaie de le rappeler quand même. Bravo, Pamela, félicitations. Il t'a fallu 3 minutes pour faire jouer un mec. Bon, c'était pas le mec le plus. Ah, putain, il a une gueule, il fait flipper. Ah, ouais. Allô? Allô? Ça a coupé? Ouais. Et t'as fini? Non. Ah ouais, vas-y alors. Ah, je te baisse la chatte. Ah ouais, vas-y, vas-y. Ah, des coups de bite dans ta chatte. Ah, vas-y, écarte-moi bien les fesses. Ouais, je te tiens bien par tes fesses, là, tu m'as ouvert. Vas-y, vas-y, fais-moi du mal. Ah, ma bite est bien à fond. Ah, vas-y, branle-toi à fond, j'ai envie de t'entendre jouir. Oh oui. Vas-y, Cédric. Oh, je te tire par les cheveux, là. Ah, vas-y, j'adore. Ah oui. Ah oui. Oh. Vas-y. Oh, je vais jouer. Vas-y, jouis. Oh. Il en veut. Ah oui. Oh. Ok. Ah oui. Ah.
ça fait du bien. C'est clair. Ah ouais. Mmh. Ah, t'as tout craché là. T'as tout craché. Ah ouais, t'as juté où? Sur moi. Ah, c'est bon ça. Ouais. Vas-y, étale-toi d'un peu de sperme sur ton ventre. Ouais, ce que je fais d'habitude. Ah ouais. Oh. Oh. C'est quoi ce bruit? Comment? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le réseau, je pense. Moi aussi, j'ai entendu un truc bizarre. D'accord. Ah, c'était bon, Cédric. Bah écoute, je vais te laisser. Ouais. Et puis, je te rappelle si tu veux bientôt. Comme tu veux. Ah, bah, je t'embrasse, bon week-end, Cédric. Merci, toi aussi. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Ciao. Eh bien, mission accomplie, une fois de plus. Ouais. Voilà, mission accomplie. Accomplie, comme tu nous le dis si bien, Cédric. Bravo, Pamela. Et c'est branlé, Cédric. Ben voilà. Oh oui, j'étais content, dis donc. Ah bah oui, j'étais content de chez content. Hein. Bon, ah, mais écoute, c'est bien poigné. Bravo, Pamela. On te retrouve évidemment la semaine prochaine. Ah, cool. Et quand avec tu plaisir. Veux, quand tu veux, dans la Radio Libre, on est là tous les soirs. Et vraiment, là, c'était une sensualité poussée à l'extérieur. Extrême. Ah ouais. C'est le cas de le dire. L'extrême droite. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vive Marine. J'adore les nazis. Ah ouais. Ah ouais. Bon, tiens, on va filer un petit coup de main, à Sonia. Est-ce que t'es là, Sonia? Attends, ça a coupé, je la rappelle. Ah, parce qu'on a plein de messages, hein. Il y a plein de messages qui te soutiennent. Sonia, ça a été de retour. Vas-y, c'est bon. Bon, t'es resté en couple, tu as plus de 5 ans avec un mec, donc ce mec t'a trompé plusieurs fois pendant plusieurs années. Les messages qu'on nous dit, oui, ce mec est un enculé. Bon, d'accord, c'est bien noté. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est pas faux, hein. Non, mais un mec comme ça, c'est vrai, il faut faire attention. Il te harcèle, c'est un ouf. Il fait flipper. Faire gaffe, plein de messages pour toi, Sonia. Ah, c'est vrai que ça doit foutre la haine. Hein. Non, enfin, la haine, je l'ai eue et j'ai pété les plombs. On est même venu en main. Sauf si c'est un pote qui fait de la boxe avec toi. Si c'est ton mec, non, faut pas. Message de Alexis. Moi, c'est une meuf de 15 ans. Il a 16 ans, Alexis. Hein. Elle me suit comme un toutou H24 dans tout ce que je fais. Dès que je fais un truc, elle me suit. Je vous assure, c'est relou. C'est trop chiant. Bah, c'est comme ta meuf, Romano, c'est TLM. Là, non, c'était pas ma meuf. Tête de panda. Mais si, tête de panda. Non, je suis jamais sorti avec elle. C'est TLM, tête de panda. C'est la même. C'est bon, je me suis tapé des boudins, mais là, c'était un peu trop. Là. Bah, elle te suivait partout. Elle était trop boudinée. Elle était fan de toi. Elle te suivait partout. Non, mais tu sais que c'était insupportable. L'amour, en fait. Amoureuse. L'amour, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, mais tu vois, mais au bout d'un moment, ça te fout la haine. T'as la haine contre ta meuf. Je la déteste, la meuf. Ouais, t'as envie de lui dire, mais vas-y, casse-toi, quoi. D'ailleurs, ce que j'ai fait. Ah, mais ça t'étouffe, hein. Donc, la méthode, c'est casse-toi. Surtout quand tu veux pas de la personne. Bah, non, mais c'est ça, oui. Et après, si la personne, au bout d'un moment, tu lui dis clairement, vas-y, lâche-moi. Si elle comprend pas, bon, c'est malheureux d'en arriver là, mais bon, la police, ils sont là pour ça aussi. Ouais, tu sais qu'une main courante, ça peut calmer, hein. Ça a calmé l'ex-femme d'Amine, là, sur l'appli Skyrock. Il nous envoie un message. Il a calmé son ex-femme qui arrêtait pas de le harceler en allant faire une main courante. Tu vois, lui, il a même pas porté plainte. Juste une petite main courante et il a géré l'affaire, Amine. Donc tu peux faire ça. Non, mais bon, personne n'a le droit de te pourrir la vie, quoi. Et moi, je pense que t'as pas refait ta vie, toi, encore, Sonia. Non, toujours pas. Eh ben c'est ça peut-être la solution. Le jour où t'auras refait ta vie, tu seras avec un mec et peut-être que lui, ça le fera beaucoup plus chier que toi et que peut-être lui prendra les choses en main. Autrement dit, peut-être il prendra la tête du mec en main. Enfin, je ne sais pas s'il prendra en main, mais donc ça peut être la solution. Et si le mec te pourrit la vie toute ta vie, tu vas attendre toute ta vie message de Tristan sur l'appli Sky. Ouais, non, c'est vrai. Et Licky qui ça c'est gentil. Alors, il y avait Mamad tout à l'heure qui se proposait, mais on en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu plein de messages. Il y a Benji qui voulait venir avec des potes pour essayer de le calmer un peu, mais bien sûr en toute tranquillité et sans violence, hein, je le précise. Et Linky qui nous propose ses potes gitans qui peuvent l'attacher à un pilier en béton. Oh bah voilà, comme ça, il ne bougera plus. Je sais pas si c'est vraiment une super idée. Je suis pas sûr qu'il faille le faire, Licky. Ah bah c'est sympa. Bah en tout cas, tu vois, t'as des messages de Sky Solidarité pour Cédric, toi, Sonia. Tu penses que le mec t'arrivera à le gonfler, toi? Bah je pense, ouais. Ah bah ça facile. C'est sûr. Tu mesures combien là ton ex, Sonia? 1m80. Même plus. 1m82. Ah, voilà. T'es dans la merde. Ah, peut-être que je vais pas le gonfler finalement. Non, mais si tu lui roules dessus, tu peux lui faire mal, hein, Cédric. Un hein. Coup de pare-choc, ouais. Bah ouais. Tiens. Pare-choc, ça. Non, dégage, ah, ouais, un coup de pare-choc. Non, mais t'es un malade, Cédric. Mais il faut pas faire des trucs comme ça, vous êtes fous. Tu m'étonnes que le tire dans une poubelle. Et mec, je suis un mec. Je te pare-choc. Et Bélec qui nous dit, moi, malgré mon jeune âge, il y a 14 ans, Bélec, malgré mon jeune âge, j'ai fait 6 ans de judo. Je suis à la fin de ma deuxième année de boxe.
je peux venir, mais quand mes phalanges seront réparées. Tu t'es pété les mains, toi, dis donc. Tu vois, ils sont sympas, les auditeurs de Sky, Sonia. Non, mais trouve-toi un mec, et le mec, il ira mettre un coup de pression. Hein. Le mec, il va pas supporter, il va dire, vas-y, bouge maintenant. Je pense que c'est la solution. Si vous en avez d'autres, vous nous faites signe, vous nous appelez 01 53 40 30 20, l'appli Radio Skyrock, le skyrock.fm. Reste à l'écoute, Sonia, et puis on y revient tout à l'heure. Mais enfin, bon, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé. Il faut trouver un mec pour Sonia, si vous êtes du côté de Paris. Ouais. Bah ouais, ou un bon pote. Bah, passez-nous un coup de fil. Oui, ou un bon pote, si tu trouves pas de mec, Sonia. Mais je t'assure, si tu vas trouver un mec et que le mec, il apprend. Imagine, Cédric, tu sors avec une meuf et il y a son ex qui arrête pas de la harceler et qui te met à... Ah mais moi je lui dis au mec. Ah mais Cédric il y va direct. Ah moi je lui dis direct. Ouais. Ah ouais lui. Moi je prends le téléphone, je dis ah, c'est bon pote, tu lui cherche pas. Hein. Voilà, téléphone. Tu vas arrêter d'appeler ma meuf parce que sinon ça va mal se passer. Tu vois, c'est ça la solution, Sonia. Oui, mais j'ai déjà essayé avec oui, un pote. C'est pas vrai, Sonia, t'as rien essayé du tout, c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de dire oui, mais tu cherches à protéger le mec. C'est vrai qu'il avait raison, hein, ou elle avait raison, c'est celui ou celle qui nous envoyait le message et qui disait... Il y en a eu plusieurs. T'arrêtes pas de dire oui, mais non, mais oui, non, mais non, ah oui, mais... Chaque fois qu'on te propose une idée. Oui, mais non. Ou alors, si t'es encore amoureuse, essaye de ressortir avec lui, Sonia, je sais pas moi. Hein? Ah bah c'est sympa, mais tout ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, t'essaies de protéger. Tu veux pas porter plainte, tu veux pas faire de main courante, tu veux pas amener un pote, même faire croire que tu sors avec lui histoire de gérer l'affaire. Non, pour non, faire ça, peur. Ça j'ai déjà essayé avec un pote et quand on avait essayé et tout, puis mon ex il lui a dit ah ouais bah y a pas de souci, bah si vraiment ça te pose un problème, viens, on se donne un rendez-vous et on règle ça. Tu et bah écoute, si c'est un bon pote, il se fait casser la gueule par ton ex et là il va porter plainte. Et là, le problème est géré. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai une solution à tous les. Si c'est vraiment un bon pote. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment gentil, ouais. Tu vas péter la gueule, c'est ça. Mais c'est ça, les amis, Romain. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche, là. C'est comme ça, on se fait péter la gueule. Bon, on vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi, 21h minuit, pour votre radio libre. Yes. Tout l'été, la radio libre, c'est 21h minuit. Bah, comme pendant toute l'année, on est là avec vous. On vous lâche pas, on lâche pas l'affaire. Donc, lundi, 21h, dimanche soir, la spéciale de la radio libre. Passez une bonne nuit, un bon week-end, profitez bien et à lundi. Ciao, salut, ciao. Pendant ce temps-là, toute l'équipe du Morning de Deadpool est en vacances. Vous avez pas vu là, il y a des pompiers partout. Pourquoi il y a des pompiers? Mais c'est Théo, il fait un barbecue. Le Morning de Deadpool revient le 30 août, seulement sur Skyrock.